Yo tout le monde et bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. Voilà, quelle arrivée. C'est n'importe quoi. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en forme pour cette soirée exceptionnelle. Alors on rappelle un peu la thématique, vous avez remarqué qu'on va évidemment mentionner vos moments préférés de Dragon Ball, on va discuter tout le long du live, etc. Mais pourquoi ce live exceptionnel aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que c'est l'anniversaire de Max, donc voilà, bon anniversaire mon cher comparse. Écoute, je t'en remercie. Puisse cette nouvelle année qui s'offre à toi voilà, te permettre de, bah, déjà une pièce collection. Une pièce collection, ce serait bien. Pièce collection et la santé dans cette période compliquée pour tout le monde, c'est, je pense, ce qu'on peut souhaiter de mieux. Donc, bah écoute, on va commencer cette nouvelle année d'anniversaire, hein, pas cette nouvelle année calendaire, par un peu de nostalgie, un peu de Dragon Ball. Voilà, on va vibrer et on va reparler de nos moments préférés ensemble. J'avais envie de faire un petit live nostalgie. Tu as été opé tout de suite par le concept. Donc c'est bonne idée. Moi, bon, je dis c'est bonne idée. On n'en a pas fait et on avait pas mal de sujets de vidéos en mode moment préféré Dragon Ball, etc. On en avait même sorti peut-être une à l'époque où il y en avait une qui était envisagée. Il y avait un sondage même qui avait été lancé sur Dragon Ball Ultimate, notre site web. Finalement, je ne sais même pas si on a fait cette vidéo. Mais c'est vrai qu'en live, c'est peut-être un peu plus intéressant. C'est-à-dire que les votes, c'est très bien et faire une vidéo top et tout ça, c'est génial. C'est... on peut la regarder quand on veut, tu vois. Bon, un live aussi, tu me diras, mais c'est un peu plus long. Mais là, au moins, tout le monde peut intervenir dans le chat et donner son moment préféré. Et on va l'illustrer, je vais passer des images, etc. On pourra discuter. Donc, ça va être bonne idée. Ça va être bien. Ça va être bien. Alors, comment on peut commencer? Parce que je ne vais pas te demander en introduction tes moments préférés. Je préfère qu'on garde tes moments préférés pour la fin. Bah voilà. Voilà. Comme ça, et on va passer des musiques. On va passer des musiques également pendant la soirée, histoire d'accompagner un peu tout ça. Bon, par contre, quand c'est des thèmes chantés dans l'animé, je pourrais pas les mettre parce que sinon, strike. Mais les musiques, normalement, si on parle au-dessus, il y a pas de problème, hein, je pense. Faut juste les mettre pas fort, histoire qu'on se fasse pas striker le live. Donc, forcément, à mon avis, la monétisation, elle risque fort de se. De se faire ken, mais on compte sur vous pour votre soutien. On a déjà, de toute façon, Karim qui vient de rejoindre la DB Times Family en étant terrien. Merci, mon Karim. On vous rappelle le concept juste à côté du pseudo DB Times ou en dessous du titre. Je ne sais pas comment vous êtes configuré chez vous, mais peu importe, il y a le bouton rejoindre. Et quand vous cliquez sur ce bouton rejoindre, vous avez du coup plein d'avantages qui sont réservés aux membres. Ça se classifie comme ça, terrien. Namek, Super Saiyan, Dieu de la Destruction, Ange, on vous laisse découvrir les avantages. Mais vous avez majoritairement un petit badge de fidélité qui va s'afficher, notamment dans les commentaires et le chat en direct. Donc ça prend tout son sens justement en live et la possibilité d'accéder à des petits emojis Dragon Ball. Voilà, avec plein d'autres avantages. Dans le chat, hein, évidemment, il y aura d'autres avantages, comme tu le dis. Notamment une vidéo qui a été préparée, deux vidéos en fait, hein, mais une vidéo d'abord hein, pour commencer. Qui était préparé en amont et qui sortira du coup une semaine avant pour ceux qui ont le bouton rejoindre, qui nous soutiennent en fait. Hein. C'est un peu normal d'avoir des trucs en plus. Hein. Ouais. Soutien direct. Et du coup, comme c'est un soutien en plus régulier, c'est une sorte d'abonnement finalement. Bah écoutez, vous aurez en avant-première des trucs avant YouTube. Quoi. Donc on vous sortira une vidéo avant Noël. Et bah ensuite, ça viendra plus tard sur la chaîne. Petite question de Lynx qui dit « Salut tout le monde, c'est juste DB plus DBZ ou il y a DBS, voire du GT ?» Gros gros big up à vous et joyeux anniversaire Max. Merci Lynx pour ta question. Eh bien écoute, comme vous voulez, hein, si vous voulez mentionner des moments marquants de DB GT, de DBS, il n'y a vraiment aucun souci, on est là entre fans de Dragon Ball, pour parler de Dragon Ball de manière générale. Tout à fait. Et kiffer. Et kiffer de ouf, voilà. C'est ça, c'est le kiff, la passion. On a mis Life Nostalgie Dragon Ball au sens large. Maintenant, c'est vos moments préférés. Si t'as kiffé un truc de TBH parce que toi, c'est ça, peu importe. Là, il n'y a aucun jugement de « Ouais, GT, c'est mieux que Super » ou inversement, « Dragon Ball Z, c'est la vie, Dragon Ball... » Ouais, non, ça sera pas le débat. C'est vos moments préférés, c'est le cœur qui parle. C'est clairement ce qu'on veut, c'est revivre des bons moments ensemble. Et puis voilà, c'est le kiff. Donc si toi ton moment préféré c'est Goku Super Saiyan,
contre l'Edgic de GT, eh ben fais-toi plaisir, frère, et fais-nous plaisir. Ouais. Voilà. Comme ça, on l'illustre, on en parle, etc. On rekiffe, etc. Il y a aussi une petite question, j'ai cru voir à un moment donné passer, qui disait, ah non, c'était pas une question, c'était carrément Inspecteur Carbonara qui dit RIP une Menoki. Effectivement, une Menoki, je pourrais pas la passer. Ah ouais, C'est non, là, c'est à désolé, ça que frère, je pensais désolé. d'ailleurs. Hein. Je pensais typiquement à une Menoki. C'est le genre de chanson On que je peut ne pas. pourrais pas passer sans dégommer la vidéo. Au Ouais, passage. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Natine Goran qui me dit bon anniversaire à toi, Max, et je te souhaite plein de Bardock, Badak. Merci, mon Merci Tine Goran, Tingoran. ça fait plaisir. Mais merci à toutes celles et ceux qui, du coup, soit nous rejoindront ce soir avec un soutien direct, ou soit bah, nous font des super chats comme ça pour nous soutenir en direct. Vous savez que c'est super important pour nous. Donc, infiniment merci à toutes celles et ceux qui participent, tout simplement. On vous envoie plein de bisous d'amour, en tout C'est cas. normal, merci beaucoup à vous. Et puis, le cœur sur vous, Dragon Ball est avec vous. Ouais. Il y a Benjamin. Merci Benjamin. Benjamin, qu'est-ce qu'il nous dit? Benji, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous fait un super chat déjà et il nous dit un live nostalgie DB Times le soir de mon anniv, ça Allez. régale. Petit soutien pour tout le boulot que vous faites, vous êtes des oufs. Bon anniv, Max. Bah Bah, écoute, merci Benjamin, bon anniversaire à toi voilà. également. Les grands Merci. esprits se rencontrent. Bah, Cœur sur toi. techniquement parlant, c'était hier. Mais bon, hier, j'ai profité un peu de ma soirée, Ah, etc. normal, normal. Normal, et on est là le lendemain. Voilà. Mais c'est pareil, le 7, le 8, le principal, c'est de le fêter ensemble. Voilà. Chris, super chat, salut les Oh gars, encore Chris, merci merci. pour le moment passé ensemble au TGS. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Seb, Bah, bah écoute, c'est c'est vrai gentil, qu'on Seb. a pu rencontrer pas mal d'entre vous au TGS, c'était super cool. Donc un peu dommage qu'on n'ait pas été vraiment techniquement bien annoncé parce qu'on n'était pas dans les invités, on était dans la Dragon Ball Room, si vous préférez, hein, l'endroit où il y avait Dragon Ball, mais du coup, c'était pas indiqué. Donc je pense vous auriez peut-être été plus nombreux à nous rejoindre. Mais Bah c'est pas grave, ouais, ça on n'était s'améliorera. pas indiqué, ouais. Si vous voulez, on était annoncé, hein, il y avait le programme, etc. Donc tous ceux Ouais. qui ont vu le site officiel, vous le savez, et ceux qui regardent nos vidéos, vous le savez également, et ceux qui nous suivent sur les réseaux également. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé là-bas pour nous trouver, sauf si vous aviez vu l'annonce qu'on avait mise sur l'onglet communauté et sur nos réseaux sociaux, pour ça qu'on répète toujours de nous suivre sur l'onglet communauté de la chaîne. Là, si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le pseudo DB Times et vous avez vidéo et à côté vous avez playlist et à côté vous avez communauté. Et dans communauté, c'est là où on met vraiment voilà, les informations relatives à la chaîne, quoi. On sort des vidéos, on va être là-bas, on fait ci, on fait ça, on ne peut pas sortir de vidéo, on les met là. Et sur les réseaux sociaux. Et sauf si vous aviez eu les informations là, bah, c'était compliqué sur place de savoir où on était, puisqu'on n'était pas indiqué sur le plan. Et on n'était pas annoncé non plus du côté de là où il y avait tous les youtubeurs. Donc c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu des petits loupés à ce niveau-là, c'est dommage, mais ça sera corrigé. Il en faut toujours une pour essuyer les plâtres, on va dire. Exactement. Bah, ça commence direct avec Camille Kezako Merci Kamikazako. qui fait un super chat. Merci mon Camille qui dit moi, c'est quand Piccolo dit à Goku que Gohan a peur. Quand Piccolo. C'est. Ouais, je vais te sortir ce passage-là du coup. C'est le game, hein, on est d'accord, Kami Kezako, merci pour ton super chat. Bah écoute, oui, c'était pas prévu, hein, je vous le dis pour tous ceux qui nous rejoignent que on débute la section avec un super chat. Mais du Non, coup, Kami mais Kezako bon. est visible. Et vu qu'on lisait les super chats, c'est bah, tout naturellement du coup qu'on va commencer par le truc qui pop qu'on voit tout de suite. Eh bah écoutez, Totalement, totalement. on va prendre une musique Bah de écoute, Metal pendant Cooler. que. Je vais mettre une musique de Metal Cooler parce que vous le savez Allez, vas-y. certainement. Mais les musiques du sixième film DBZ, dites-moi également pour le volume, hein, si c'est bien, si c'est trop fort, etc. Moi, je malheureusement n'aurai pas le plaisir de pouvoir les Ah écouter merde! puisque je suis en Léo sur Teams Ah merde! et je n'entends pas le son global du live que vous avez, qui est un mélange de toutes les pistes audio. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous kiffiez vous. Effectivement. En parallèle, du coup, pendant que tu prépares, je vais Ouais, lire le vas-y. super chat de Lilian. Vas-y, je t'en prie. Lilian qui nous dit merci pour le moment à la TGS de Toulouse et Merci soutien Lilian. total pour vous et la passion Dragon Ball, nostalgie d'un temps que je n'ai pas connu, mais d'un manga aux scènes cultes et répliques cultes. Ah, c'est beau ça, très belle phrase. Comme quoi, on Merci beaucoup peut Lilian pour ton soutien. reconnaître la qualité d'un manga sans pour autant avoir l'aspect nostalgique. Et ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont la critique facile en mode bon, enfin, Dragon Ball aujourd'hui, il y a plein de défauts comparé à certaines choses. Voilà, c'est des gens, Ça, je le lis beaucoup. Oui, c'est des gens qui sont pas fans de Dragon Ball, donc nécessairement, ils veulent décrier. Et aussi, il est important de remettre les choses dans son contexte. C'est-à-dire que Dragon Ball, faut le remettre à l'époque où c'est sorti, et faut prendre aussi tout ce que ça a révolutionné dans le monde du shonen manga. Et ça, malheureusement, ceux qui lisent des mangas de maintenant, qui ont tout piqué à leurs grands frères, Dragon Ball, peut-être même One Piece, parce que One Piece maintenant c'est suffisamment vieux pour être le grand frère de certaines œuvres. Frère, ton œuvre phare, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des déclencheurs et des gens qui ont révolutionné un peu le monde du shonen manga à une époque. Et ça, certaines personnes... comment dire, à l'oublier. Bah, soit n'en sont pas conscientes, soit effectivement, comme tu le dis, l'oublient. C'est dommage. Bah, c'est oui. Dommage. Faut pas forcément tout s'accaparer. On va, César, on va retrouver le moment de Camille Kezako. Piccolo, du coup, hop. Piccolo qui est en colère du coup contre Goku durant le Cell Game, qui lui en veut, hein, disant que Gohan effectivement n'est pas intéressé par les combats, ce n'est pas un combattant, donc forcément que si voilà, l'avoir mis tu contre aurais Cell, pu croire que il allait se passer ce qui allait se passer à ce moment-là. C'est vrai que c'est un beau retournement. C'est un beau retournement parce que quand Gohan il se présente face à Cell, on est là à se dire putain ouais en fait il est aussi fort que son père. Immédiatement on est conquis par l'idée, c'est à dire que si Goku il dit ça, Goku on sait qu'il en a dans le cerveau, tu vois, contrairement au Goku de DBS, quand on lisait le manga Dragon Ball et quand on regardait l'anime DBZ, on savait que Goku s'il disait un truc c'est que c'était ça, c'était pas n'importe quoi, il disait pas de la merde, donc on se disait ah Gohan qu'est-ce que ça va donner, etc. On le voit en action contre Cell, on fait ah ouais putain le beau gosse et tout, il esquive, il parle les coups, bon, l'aura qui dégage, la puissance elle a l'air d'être là, il a l'air d'être s'entraîné suffisamment. Mais après, Piccolo, il nous met le doute, en fait. Il nous met le doute et on sait qu'il a raison. On sait que Gohan, il a jamais été passionné de combat et il le dit même contre Cell. Il dit, même quelqu'un comme toi, je n'ai pas envie de le tuer. Donc là, on a un petit doute. Et on se dit, même s'il est aussi fort que Goku, peut-être que cette différence de caractère va faire qu'il peut perdre. Donc je comprends, Kami Kezako, pourquoi tu as ce moment en tête. Parce que c'est un moment où on doute. Et un moment où Piccolo, qui connaît bien Gohan, qui connaît bien sa personnalité, mais qui ne connaît pas ce qui s'est passé dans la salle de l'esprit du temps, dit à Goku, ouais, mais merde, il n'est pas comme toi. À un moment donné, réveille-toi, il n'est pas comme toi. Et Piccolo, il a raison, hein. Mais Goku, il a raison aussi, du coup. Ouais, les deux, en fait, prennent avantage de ce qui les intéresse de voir chez Gohan, en fait. Piccolo, tu vois, c'est un peu le mentor, il sait que... Son élève, entre guillemets, c'est pas le plus grand des combattants. Il sait qu'il y a un potentiel de ouf, mais il en fera jamais un gars violent, sanguinaire et qui a soif de combat. Il le sait. Goku le sait aussi, mais il sait qu'il a un potentiel de ouf et il a envie de lui dire « Allez, vas-y, allez fils, vas-y, qu'est-ce que tu fais ?» À ce moment-là, je l'ai vu comme ça, quand il fait « Allez, je me casse du combat, je te laisse mon fils. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il fait les premières fois ?» Tu dis « Bah, qu'est-ce que tu fais, frère? T'es chaud, là, caméraméra et tout, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et à ce moment-là, tu te dis « Ah, putain, tout le monde est en PLS, et comment on peut imaginer ce qui va se passer après, qui va devenir une des scènes qui sera très certainement citée un peu plus tard dans ce live, je n'en doute pas, les plus cultes pour beaucoup de personnes, c'est là toute la magie de Toriyama qui opère dans ces moments-là, c'est incroyable. J'ai bien aimé ta sélection, elle est très originale. Merci beaucoup Camille Kezako du coup pour cette sélection. Il y a JD qui est là. Il y a JD. Il y a JD qui est là. Il nous dit Tanmen. Est-ce que vous voulez que je mette Tanmen en image, parce que je ne sais pas si c'est son moment préféré, c'est Tanmen, ou si c'est l'épisode avec Tanmen. Il dit vivement les 200K pour voir Topo en vrai, parce qu'effectivement. Moi j'attends que ça. Quand on en aura vrai, 200K, explique un peu, resitue moi, pour nos chers viewers. J'ai toujours annoncé qu'à 200K, je vais mettre Tanmen, tiens. Léo et moi, on faisait un truc de niqué, il faut fêter les 200K, donc à un moment donné, il faut faire ce qu'il faut. Moi, j'avais annoncé, à l'époque de Dragon Ball Super, tout le monde me disait « Ouais, Max, voix de Topo et tout », parce que je m'amusais souvent à faire « Oh, je suis Topo !» Bref, de ce délire-là est parti le constat de dire « 200K,
ça c'est vu. Je me déguise en topo et on fait vraiment une sorte de. Pas un truc à l'arrache, attention, ça va pas être le truc on arrive en moustache topo, ça dure 2 secondes, on se barre. Non, on fait un truc propre. Limite, petit court-métrage, je sais pas encore comment on va le faire, mais un truc bien poussé, qui soit esthétiquement, tu dis, ah putain, ouais, ils ont bien fait les choses. Ah, c'est 200K, ça se fait. Donc voilà. Mais on est à 159. J'ai l'impression, ça fait 8 ans, j'ai dit, je Ouais, me mets en topo. mais on monte Bon. pas vite, hein, j'ai envie de dire. Ah, Donc, à vous de jouer. Taomei, non pas Tanmen, la contraction de Otanjobi Omedeto. Moi j'ai mis Tanmen. C'est vrai que les Japonais parlent beaucoup en contraction. Il a raison. Ouais, t'as nommé, Ouais. ouais, c'est Moi vrai, j'ai t'as lu tué. Tanmen, hein. J'ai Ouais, tellement j'ai d'habitude. pas. Moi, je t'ai fait confiance, j'ai pas cliqué du coup. Ah, mais moi j'ai tellement l'habitude de Dragon Ball et des personnages de Dragon Ball, c'est ma déformation professionnelle. Et en plus en katakana tu l'as écrit. J'allais t'insulter là, parce que katakana c'est les noms des personnages. Bon, écoute, c'est comme ça, au moins ça respire Dragon Ball. En tout Eh cas, oui. merci mon JD pour ce cadeau d'anniversaire. T'étais pas obligé de faire un super chat, mais merci du fond du cœur toi-même, tu sais. Le lien qui nous unit, donc je te fais plein de bisous de là où tu es, sachant que tu es censé dormir. C'est vrai, parce qu'il y a un décalage hein, chez lui. Il est au Japon, Il est donc là, 4 h du il y matin. a... Tu Ouais, es censé dormir, mon frère, à il y cette a heure-ci. bien Pas faire des bons. 7 à 9 heures de décalage, là. Et Voilà. c'est bien, c'est que je me rends compte, hein, du coup, parce que je m'en étais peut-être pas rendu compte jusque-là, mais même avec le japonais, en fait, on fait comme en français. Hein. C'est-à-dire qu'on débute un mot et en fait, on le lit automatiquement, tu vois. En Ah français, quand même, tu peux changer les lettres en français et tu sais quand même quel mot c'est, tu vois. ouais. Donc là, ça finit par... Ça s'annonce plutôt mal. Ça finit par s'annoncer plutôt mal du coup. Gogeta versus Juste. Janemba, nous dit Raza. Ah là, attends, je reviens sur toi, juste parce que Karim, qui a fait un super Qu'est-ce qu'il a chat fait tout à l'heure, Karim? s'en va. Il dit, je suis désolé de pas rester avec vous ce soir, mais le cœur y est, je dois m'occuper de mon bébé de presque 5 mois, juste pour vous dire que Courage. mon grand vous adore et moi aussi, et mon moment marquant, c'est l'arrivée de tout le monde au 23e Tenkaichi Budokai. Voilà, je voulais juste avant que je t'en aille, Oh. qu'on te lise ton super chat, pas histoire de doubler, mais on sait que tu t'en vas. Occupe-toi bien de ton bébé et ben on va montrer cette arrivée marquante et fracassante du 23e pour que Allez tu puisses Karim, rester c'est tranquillou, pour toi. bilou. C'est C'est pour toi, pour mon toi. Karim. L'arrivée de tout le monde au 23e Tenkaichi Budokai avec la toute première apparition de Goku adulte, du coup. Et faut Moi, savoir que je vais rien dire. faut Rien dire. savoir que dans le manga, quand ça a été fait, il y avait une grosse hésitation enfin pas de Toriyama Sensei, mais de Torishima, donc l'éditeur de Toriyama, qui hésitait vraiment, qui n'était pas très chaud pour que Toriyama y fasse grandir Goku. Et Toriyama, il avait. Je le fais grandir ou sinon je continue pas, c'est pas la peine, quoi. Et pour lui, c'était naturel, puisqu'il y avait une ellipse de 3 ans. Donc, une ellipse de 3 ans, Goku avait 15 ans, c'est un peu normal que 3 ans après, il soit un peu big, tu vois. Donc, il a fait grandir. Et Torishima, son éditeur, il attendait des appels et des lettres de fans pour se plaindre. Et finalement, et surtout, il attendait en fait les complaintes des enfants, hein, parce que c'était. Les enfants qui rentraient de l'école qui lisaient le Weekly Shonen Jump. Et finalement, il n'y en a pas eu. Il y a eu juste un adulte qui s'est plaint du chara-design de Goku, mais c'est tout. Donc, c'était un sacré coup de poker, en fait, pour Toriyama à l'époque. Un sacré coup de poker, un sacré coup de maître du coup aussi, puisque quelque part ça a permis d'avoir tout ce qu'on va avoir durant le 23e, tout ce qu'on va avoir aussi avec Dragon Ball Z, si on veut structurer dans votre esprit clairement ce qui va se passer, le flambeau, naissance de Gohan, etc. Chose qu'on n'aurait pas pu avoir s'il était resté un bambin, très clairement quoi. Donc, bah, c'est génial, hein. Enfin, Et c'est... Ouais, la c'est... raison hein, aussi, la raison invoquée, c'était pas que pour l'ellipse de 3 ans, c'était surtout en fait parce que pour les combats, il avait vraiment besoin de faire des traits plus sharp, plus pointus, plus aiguisés, etc. Et pour donner vraiment l'impression d'impact et de vitesse. Et c'est pour ça aussi que le chara-design de Dragon Ball change au fur et à mesure qu'on avance dans le manga. C'est-à-dire que Toriyama, on voit, il débute avec un chara-design un peu plus réaliste que ce qu'on avait dans la deuxième partie de Dr. Slump. Mais quand même un peu rond, tu vois, au début de Dragon Ball. Et plus ça va, plus ça devient pointu, au point où on est à un moment donné dans l'arc Cell, en plein milieu. Le passage qu'on a mis tout à l'heure en image, bon là, ça rend pas compte, hein, puisque c'est l'animé. Mais dans le manga, prenez le manga, le trait de Toriyama, il est extrêmement pointu sur l'arc Cell, hein, pendant le Cell Game. Limite, des fois, il fait des détails, il fait...
Il fait juste un seul trait, il te fait tac un truc pointu et il t'a fini la forme. Alors Le rond de qu'avant, la il allait pointe. beaucoup sur des formats arrondis, etc. Avant, son préféré, c'était le rondelet. C'est Pour ça. faire. Mais après, il a changé entre-temps. Après, il a C'est ça. changé de crèmerie pour Merci faire des jeux de mots sur. Gabriello de Souza qui est devenu un ange directement. Merci pour ton soutien, Un Gabriello. ange, Gabriello! Alors, je vous l'ai dit, ça fait Terrien, Namek, Super Saiyan, Dieu de la Destruction, Ange. Ange, c'est le soutien ultime de la chaîne. On n'a pas voulu aller plus haut parce qu'on s'est dit que c'était déjà un beau montant. Rares seront les anges et on vient d'en rencontrer un. Donc, Franchement, merci Gabriello, merci franchement, Gabriello infiniment de pour ton Souza, soutien. beau gosse. Ouais, Franchement, beau gosse. Merci, grosse mon applause, Gabriel. grosse applause pour Gabriello. Si The Mask avait été là, il aurait fait Gabriello de Souza! Il D'accord. aurait, il s'est obligé, il aurait fait cette D'accord. danse Mais en on est respect de content l'ange. d'avoir assisté à ta danse. C'est bien parce que c'est ton anniversaire qu'on tolère ça. Je peux tout Normalement, faire ce soir dans le respect on l'aurait des censuré choses. normalement cette Mais danse. c'est vrai que ce soir, je suis open Il y a bar. Camille Kezako justement qui te dit autant de jobi au Medetto. Donc Ah, merci mon Camille, merci mon Camille. Il y a Nico, mon Nico. Nico, qui nous dit tout petit, je me rappelle avoir vibré de ouf devant Goku qui découvre la neige et qui va affronter la tour du muscle. Happy Haha. birthday. Ha! J'ai vu On beaucoup va de mettre. trucs à hein, Nico, qui m'a d'ailleurs envoyé un message juste avant le live pour me dire que il m'a dit, je peux assurément te dire que mon moment préféré de Dragon Ball, c'est quand Goku découvre Kulilin mort à l'Arpilo Daima. Oh, l'épisode 102. Ouais. Alors c'est un moment très triste, hein, mais Ouais. c'est tellement symbolique. Voilà, donc il met des beaux petits moments, mon Nico. Je sais qu'il aime beaucoup la première partie de Dragon Ball. Il est très Dragon C'est pour Ball. toi, Nico. Voilà, petit Goku qui découvre la neige pour la première fois. Suno qui lui prête du coup ses vêtements. Comment on appelle ça? Bon, ses vêtements Bokkanfu, chauds. des vêtements hivernaux. Je Ouais, cherchais chaud, le terme. anti-hiver. Et Ouais. après, il part à l'assaut de la Muscle Tower. Qu'ils ont traduit d'ailleurs Tour du Muscle en VF, hein, qui est une traduction exacte. Hein, mais, comme on le dit jamais assez, comment dire ça? En japonais, c'est en anglais dans le texte. Le nom est en anglais, en fait, en japonais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, disons que quand c'est du japonais, c'est que c'est dans la langue natale, donc on peut se dire on va le traduire dans notre langue natale. Quand c'est une langue étrangère dans la langue natale, dans la version d'origine, donc de l'anglais et dans le japonais, c'est qu'il y a une volonté propre de choisir le terme anglais et de ne pas le modifier. Exactement, Donc en français, on devrait faire pareil. Bah, c'est comme le ruban rouge, c'est Red Ribbon. Au Japon, c'est. en plus, Red Ribbon, c'est un peu con de le traduire puisque c'est écrit sur absolument tous les trucs. Hein. Vous regardez tous les engins du Red Ribbon, c'est écrit Red Ribbon, Red Ribbon, Red Ribbon. Et t'arrives en VF, on te dit ruban rouge. En japonais, c'est Red Ribbon. Et pareil, Capsule Corporation, dans ce cas-là, si on traduit Red Ribbon en ruban rouge et Muscle Tower en tour du muscle, Capsule Corporation, ça doit être la corporation de la capsule. Sauf qu'ils l'ont pas fait. Bah Donc, non, ils sont pas logiques jusqu'au bout, donc. Après, heureusement pour nous, les Ouais, Français, heureusement. RR, ruban rouge, Red Ribbon, ça passe. Hein. Heureusement. Parce que si Red, ça se traduisait, je dis n'importe quoi, Grone, je dis n'importe quoi, on a eu le ruban Grone, donc les RR partout. Aucune. Rien à voir. Donc, heureusement, c'était le côté quand même un minimum positif, mais non, garde le côté. Le côté anglais quand il y a besoin de le garder. Ah, magnifique, je vois en direct aussi les changements de capture d'écran, ce Goku dans la neige. Ah, tu l'as que C'est très très maintenant? beau, hein, cette Tu l'as reparler que comme ça. maintenant? C'était il y a une demi-heure. Ouais, mais c'est parce que je regardais, j'étais en fait concentré sur le chat que j'ai mis à part, donc je lisais, je lisais, je lisais, et là j'ai re-regardé l'écran. Donc là j'ai vu, ça fait un beau chat, Et c'est un beau Blackstorm, live. très bon argument de Blackstorm également, qui dit, voilà, on dit pas les boules du dragon. Le titre, c'est Dragon Ball, en plus le titre, c'est un Ah anglicisme, bah encore une oui, tout à fois, fait, donc. tout à fait. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais bon, les Français, bon, hein, On est des Français. c'est pas. Voilà, les Oui, mais bon, Français. voilà. Il n'y a pas eu que des choses, on va dire. Ouais, tu veux dire dans les VF, dans les différentes VF, il n'y a pas Oui, toujours eu que voilà, des les trucs. choix d'interprétation, surtout des choses nippones, m'ont toujours un petit peu titillé, quoi. Voilà. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais pas refaire tout, mais. En anglais, les Michael Scofield, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'il est choquant, on dit pas Michael Scofield. Bah ouais. Voilà, j'aime bien ce prénom parce qu'il est tellement à l'oreille, tu dis, ah non, pour Michael Scofield. Et bah, par contre, tout ce qui est japonais, c'est comme ça. Et ça m'agace en fait, parce que. Deux poids deux mesures, quoi.
Ouais, c'est ça, tu respectes ou tu respectes pas. Soit tu es un Français jusqu'au bout et tu dis, bah non, moi je dirais Michael Scofield, Michael Jackson. Je suis désolé, je suis français. Dans ce cas-là, on se dirait, bon. Voilà. Mais non, ça vient d'Amérique, là, on respecte. Ça vient des Japonais, on s'en balait. On fait pas l'effort de comprendre et de connaître parce que ça nous est un petit peu plus exotique, tu comprends? Donc, on va pas faire l'effort d'aller comprendre l'exotisme, tu comprends, frère? Donc, bref. Voilà. C'est le reflet. Il y a un peu de fainéantise aussi, je trouve, derrière tout ça. Et vu qu'on est sur Dragon Ball, je vous propose d'enchaîner sur un passage qui a été cité tout à l'heure, la mort de Kuririn face à Tambourine, du coup, Arc Piccolo Demo. C'est l'épisode 102, et effectivement, je pense, pour moi, c'est l'un des moments les plus bouleversants de toute la première série Dragon Ball. C'est-à-dire que, pour moi, jusqu'à l'épisode 101, on est sur une bonne série, avec des trucs sympas, de l'aventure, un héros cool, et puis des personnages haut en couleur, quoi, tu vois, t'as un peu de tout. Mais à l'épisode 102, en fait, tu sombres véritablement dans le drame, puisque c'est pour la toute première fois qu'il y a un des personnages majeurs de la série qui meurt. Tu vois, c'est ouf. Bola était mort, mais Bola, c'est un mec secondaire qu'on venait de rencontrer. On s'en battait un peu les steaks, tu vois. Alors que la mort de Kuririn, tu vois, c'est super chaud, quoi. Ouais, c'est super chaud parce que tu te dis en plus, c'est un sbire du méchant qui a tué le meilleur ami du héros. Donc, déjà, tu mesures au travers de ce geste-là la puissance que pourrait avoir le méchant pour caricaturer en fait, parce que c'est pas lui directement qui a tué le meilleur ami, c'est un de ses sbires déjà. Donc tu te dis déjà waouh, la menace elle est incroyable, et tu l'as dit, c'est un tournant niveau dramatique qui est hyper intense en fait. Et à partir de ce moment là, Dragon Ball devient un peu plus grave par rapport aux enjeux, par rapport aux ennemis, par rapport aux menaces. Toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus... Voilà, là on est pas sur une menace terrienne, un petit pilaf ou le Red Ribbon, ou voilà, où on restait sur le côté, on va dire, humain, terrien, on va dire, si je veux faire une grosse caricature. Là, on va avoir affaire au premier extraterrestre, qui est une grosse menace pour la planète Terre. Ouais, c'est un moment ouf. Ah putain, la screen, ouais, mes frères, là, j'ai des Et c'est l'un des moments peut-être où on peut commencer à pleurer dans Dragon Ball. Il y avait un moment émouvant hein, quand même quand Goku il retrouve son grand-père Gohan durant l'arc précédent, parce que là on est à la fin du Tenkaichi Budokai. Mais c'est vrai que la mort de Kulilin, c'est chaud quoi. Et tu te dis, il va y avoir un but, c'est de le ressusciter, parce que tu l'as vu avec Bola, tu vois. Deux arcs plus tôt, ou un arc et demi plus tôt, on va dire. Mais, avec tous les drames qui se passent durant l'arc Piccolo Daimao, vous savez, à un moment donné, on se dit c'est fini. On se dit c'est fini. Et c'est ça qui est bien avec Toriyama, parce que, justement, les gens qui n'ont pas le contexte et qui prennent a posteriori, qui disent ouais, Dragon Ball, facile, puisque tu peux ressusciter les gens, etc. Mais toi, tu parles après que la série soit finie aussi. Où on t'a ramené les persos qu'on aimait bien, etc. Mais quand t'es dans ta série, et que Toriyama il te place des enjeux et il te dit en fait bah les Dragon Ball elles n'existent plus, donc comment tu fais là, t'es dans la te dis que quand t'es là dans à ce moment là de l'histoire, bah t'es dans la plus grosse PLS de ta vie hein. Tu prends une couverture, tu te recroquevilles sur le sol hein, moi je te le dis hein. Tu te recroquevilles, trembles et puis en plus à ce moment là enfin moi ça m'a toujours fait quelque chose. Alors pour certains ce sera peut-être un détail, mais t'as mis justement une screen qui est révélateur. On te met pas un Kuririn qui ferme les yeux en fait. Ou genre tu vois, il a fermé les yeux, ou t'aurais l'impression qu'il dort, ou etc. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Là en fait, on te met un Kuririn qui a le regard vide. On voit ses pupilles, mais on sait qu'il est mort en fait. C'est comme si qu'il a été saisi par la mort comme ça en un instant. Et ça, en fait, ça renforce encore plus le malaise que tu as à regarder cette scène là. Parce que t'as vraiment le gars, tu vois, il est comme ça, tu vois, il est. C'est horrible. Il y a rien que de le dire, j'ai des frissons, frère. Ah ouais, c'était et c'est ouf. Ce moment, il est. Ah, Toriyama, il a passé la barre haute. Il s'est dit, ah, je vais commencer un arc. Bon, Kuririn est mort. Allez, allez, allez. Et c'est ça. C'est ça, en fait, qui fait que l'arc Piccolo Daimao, pour moi, c'est l'un des tout meilleurs. C'est que tu commences véritablement sur un drame. Et tu finis par une ascension exceptionnelle du héros, en fait. Oui. Jusqu'alors, il était déjà un peu surhumain, il résistait aux balles, etc. au début de Dragon Ball, tu vois. On savait qu'il était plus fort que le commun des mortels.
mais il y avait cette ascension pour devenir de plus en plus surhumain. Avec l'entraînement de Kame Sennin, le 21e Tenkaichi Budokai et tout ça, où il surplombe le genre humain littéralement, parce que c'est le but de Kame Sennin, c'est de dépasser les limites de l'humain normal. D'accord. Après, on voit ce qui se passe avec le Red Ribbon. Mais avec Piccolo Daimao, en fait, le fait qu'il va tuer une sorte d'extraterrestre, on ne sait pas à l'époque que c'est un extraterrestre, mais une sorte de monstre comme ça, bizarre, on ne sait pas d'où il vient ce gars-là, etc. Un démon, il nous est présenté comme un Mazoku, donc pour nous c'est un démon. Son penchant, c'est le dieu. Et Goku devient l'élève de dieu in fine. Bah Goku, il a... Tu vois, il a atteint un stade que tu n'imaginais pas du tout au début de la série, quoi. Il a atteint le sommet. C'est incroyable. Elle est plein de symbolique. Et ça arrive au bon moment, en fait. Ouais, c'était génial. Ce moment était vraiment génial. Voyez, on a pris un peu plus de temps d'ailleurs sur ce moment, comme quoi. Ouais. On en a un. Il y avait des choses à dire. Beaucoup. Voilà, un gros point commun sur ça. Et merci Nico de nous avoir fait revivre ce triste passage, mais ma foi tellement magnifique, tellement ouf. En termes d'écriture, c'est génial. C'est un plot twist incroyable. T'imagines ? Allez. Il y a pas énormément. Citez-moi. Il doit y en avoir certainement d'autres mangas qui sont inspirés. Mais je pense pas qu'il y en a autant. Qui débute un arc, un nouvel arc. C'est-à-dire que, rappelez-vous, les arcs précédents, Goku, il part à l'aventure, à la recherche des Dragon Ball. Hein, le premier arc, c'est ça. Et l'arc du Red Ribbon, c'est ça. On débute un arc avec le meurtre de son meilleur ami. Son meilleur ami, il crève, c'est ça le plot twist et le début de l'arc. C'est un truc de nique. Le meilleur ami, en plus. Mmh. Hein, c'est pas comme... Bah, tu vois, l'arc... Les humains artificiels débutent sur la mort de Mecha Frieza. Ça débute en grande pompe. Mais c'est pas... Ouais, mais c'est pas la mort... C'est pas meilleur ami. Pour moi, ça débute pas sur la mort de Mecha Frieza, l'arc des humains artificiels. Ça débute sur l'arrivée d'un autre Super Saiyan. Parce que Mecha Frieza, c'est pas notre ami. Le Super Saiyan, il arrive, un épisode d'après, il le tue. Bon, oui, mais, ouais, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un point de vue. Nous, on est du point de vue des gentils. On est du point de vue des guerriers Z. Dans Dragon Ball Z, du coup. Donc on est du point de vue du groupe de Goku, et là vu Goku n'est pas là, donc du groupe de Gohan, Vegeta. Et notre point de vue c'est quoi? C'est que le plot de départ, c'est qu'il y a un nouveau Super Saiyan qui débarque et il a des mauvaises nouvelles, et Goku vient d'arriver. Le point de départ, c'est pas la mort de Mecha Frieza. Ouais, disons que c'est une conséquence à son arrivée, c'est juste que ça arrive très vite, quoi. Mais alors, je comprends ce que tu veux alors dire. Que là tu vois le point de départ, c'est la mort du meilleur ami de Goku. Et il y a mon portable qui s'est allumé, je sais pas pourquoi. C'est chaud, hein. Allez, on passe à un autre passage. Allez, on passe à un autre passage. Je vais lire un super chat. Il y avait Romain qui me disait « Salut la team, Max, bon anime. Mon moment préféré, les gars, pardon, c'est le tournoi du pouvoir. Mais ce moment où Goku s'allie avec Frieza, mais que des frissons, quoi. » Merci Romain, je vais essayer de caser ça. Le tournoi du pouvoir, du coup. Bah écoute, tournoi des pouvoirs. Le tournoi des pouvoirs, bah non, mais c'est parce qu'il a mis le tournoi des pouvoirs. C'est vrai que. Ah non, il a mis le tournoi du pouvoir, donc c'est moi qui, en plus, te fais dire des choses que tu n'as pas dit. Voilà, mais c'est pas grave, je suis pardonné, c'est mon anniversaire, ça va. Ça va. Le tournoi du pouvoir, heureusement qu'on a eu l'animé, ouais. Parce que c'est clairement. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Le fait qu'un jour on puisse se dire que pour la survie de l'univers en tant que tel, les plus gros ennemis de l'œuvre doivent s'entraider scénaristiquement à ce moment-là isolé, c'est ouf. C'est pas question de devoir s'entraider en mode ouais, gentil et méchant, ils doivent s'aider. Non, parce qu'il y a un enjeu. Les deux crèvent ou les deux s'entraident. Donc là, à un moment donné, même les plus gros FDP opposés par toutes les valeurs, soit tu fais le têtu et tu crèves, soit tu mets ta fierté dans ta poche et tu t'allies à ton pire ennemi juste le temps de gagner. C'est, tu vois, là on est dans de la psychologie simple, mais voilà, on se foutra sur la gueule après, mais à ce moment-là, on doit s'allier, on n'a pas le choix. C'est génial, ce moment-là est génial. C'est-à-dire que tu t'attends jamais à un moment donné dans une œuvre à te dire qu'un jour, tu vas vivre ce moment-là. C'est pas, tu peux pas l'imaginer à un moment donné. Et c'est vrai que l'animé a fait en sorte de sublimer ce final. On a tous frissonné quelque part quand on a vu ça qui a conduit à la victoire de l'univers 7. Voilà, faudrait être quand même, je trouve, de mauvaise foi que dire non, moi ça m'a rien fait. Franchement, les deux là, rien du tout. C'est pas possible. Donc je suis d'accord avec toi. Mais le tournoi du pouvoir, de manière générale, à part quelques couacs, quelques choix scénaristiques,
pour le moment, une inutilité générale, pour le moment, par rapport aux enjeux, on va dire, scénaristiques de Dragon Ball Super, tous ces côtés négatifs mis à part, je trouvais personnellement que sur papier, c'était l'arc qui aurait dû être le meilleur. Il aurait Moi, on dû, m'a ouais. Il annoncé aurait dû. survie de l'univers. Mon univers va affronter. Parce que moi, je suis dans l'univers 7, il faut le savoir. Ah Si vous voulez ouais, faut pouvoir savoir. regarder les vidéos à un moment donné, sinon ça va pas aller, vous suivez pas. Voilà. Donc, mon univers, univers 7, on va prendre les 10 meilleurs guerriers. On savait pas à ce moment-là qui allait être les guerriers. Va affronter les autres univers dont on nous avait vendu l'existence dans le lore de Dragon Ball, qui eux-mêmes vont amener leurs 10 meilleurs guerriers. Putain, tu te dis, mais c'est un Tenkaichi Budokai. Méga size, mais avec en enjeu non pas la victoire du Tenkaichi Budokai et la récompense, mais la survie de ton univers. Sur papier, quand on m'a annoncé ça au début, je me rappelle encore, j'étais en feu. Et encore aujourd'hui, je trouve que ce scénar, il est waouh. Et ce qui est dommage, c'est certaines choses qu'on a eues à l'intérieur, tu vois. Mais voilà, tournoi du pouvoir, c'est pas le rêve de tout le monde de se dire voilà, la Z-Team et les maîtres machin vont affronter, c'est génial. Et c'est pour ça que je ne boude pas 100% le tournoi du pouvoir, je suis suffisamment objectif pour dire ouais, ça, bon, ça, non, ça, j'ai kiffé. Mais ça m'arrive régulièrement de me repasser des petits extraits du tournoi du pouvoir, et à chaque fois que je lance l'épisode, je frissonne, voilà, donc. Ça t'arrive régulièrement de lancer des extraits du tournoi du pouvoir? Ouais, de temps en temps, Ouais. je sais plus quand, il y a encore une semaine ou 2 semaines, je sais pas, je me suis dit, vas-y, je me fais un kiff, je sais plus, je cherchais un truc, et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, je crois que je suis tombé dans ma piste musicale sur le thème de l'Ultra Instinct, et je me suis dit, tiens, ça me donne envie de regarder, et du coup, je me suis fait genre 1 heure de passage, j'ai mis 109, 110, je suis parti sur 129, sur 130, voilà, je me suis fait un kiff, et je me suis dit, ah, c'est quand même. Il y avait quand même de la grosse hype. Quand tu revis ce genre de truc-là, tu as toujours ce frisson. C'était efficace. C'était quand même bien. Quand on avait des beaux épisodes, parce que de manière générale, on l'avait dit, hein, de toute façon, quand on a fait les reviews, on vous invite à les revoir si vous avez envie de vous refaire Dragon Ball. Super. Il y avait quand même une certaine qualité de réalisation. À part certains moments où il y avait des Kikoros tracés à la règle. C'était quand même une réalisation qui était pas mal, et quand elle était poussée un petit peu, il y avait des moments, ça faisait plaisir. Donc ouais, ça m'arrive, Bah, objectivement, en ça termes de m'arrive. qualité, c'était les plus beaux épisodes de DBS, mais après, en termes de scénario, c'était pas les meilleurs, quoi. Non, c'était pas les meilleurs. Il y a des épisodes qui sont ouf, il y a des épisodes, bon, voilà, genre Ribrian et tout ça, je me le refais pas, frère, à un moment donné. Frost, c'était génial aussi. Ouais, c'est. Ouais, il y avait des bons Rebrian, choix. tu te le refais pas, c'est étonnant, ça. Ouais, non, Ah, j'ai pas d'affect particulier avec Bibadom, donc bon. voilà, Alors. c'est tout. On a lu Romain, merci beaucoup. On va lire Laboune qui dit: on parlait de Toppo aux 200K, à combien d'abonnés vous emmenez vos modos au Japon? Bah écoute, faut déjà pouvoir emmener une personne au Japon. Et Ouais. puis à partir de là, tu fais plus une, plus une, plus une, plus une. On va faire un truc comme ça. Après, vu que tu es en train de motiver tout le monde, Laboune, merci pour ton super chat au passage. Merci, mon Didi. Écoute, Laboune, disons. Je sais pas combien ça coûte, moi. Déjà, il faudrait que les frontières soient ouvertes. Déjà, il faut que les frontières soient ouvertes, mais en fait, à un moment donné, si on n'est pas encore parti au Japon, c'est que c'est un certain coût, et qu'aujourd'hui, ce qu'on gagne avec les chaînes ne nous permet pas non plus de tout suivre entre nos charges personnelles, les travaux, les voyages, etc. Machin. C'est voilà, si pour celles et ceux qui pourraient douter en mode ouais, c'est des youtubeurs, ils sont riches. Si on était riches, on serait toutes les 5 minutes au Japon Je et on serais pas ferait des dans trucs une de pièce ouf. pourrave comme ça, frère. Voilà. Donc à un moment donné, en fait, si vous regardez un petit peu les différentes choses et que vous êtes logique, vous pouvez avoir des éléments de réponse à certaines choses. Maintenant, si on avait 1,5 million. J'ai dit n'importe quoi, ça serait beaucoup plus facile. Ah On bah fait une oui. vidéo, la vidéo elle rapporte l'équivalent de la moitié d'un voyage. J'exagère, mais Non, c'est ça, les youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, ils font. S'ils ils faisaient font ne une serait-ce vidéo, ça leur qu'une. rapporte Ils font une vidéo par mois. 600-700K. C'est bon. Voilà. Donc, forcément, demain on monte en termes d'abonnés, on monte en termes de revenus. Bien entendu, qu'on emmène, et ça serait plaisir que je dise à nos modos, frère.
On vous emmène, on va faire des vidéos de ouf au Japon. Ça serait trop Je bien. serais. T'imagines en mode immersion et tout, on va dans des endroits de ouf, Bah, on fait ça des serait vlogs, génial! on va dans le truc, les machins, les expos Shingeki. On va au Dragon Ball, il n'y a plus centre rien. Nintendo, frère! Au Oui. centre Alors Nintendo, se j'aimerais bien taper aller dans dans des tout trucs de Dragon Ball, mais il n'y Bowser! a plus rien Dragon Ball. Alors déjà, la Tokyo Tower, ils ont fermé le truc avec l'événement One Piece. Il n'y a plus non plus le Jump machin là, qui était trop bien, où tu avais des trucs Dragon Ball, des trucs Naruto, des trucs One Piece et tout ça. Des trucs Dragon Ball, il n'y a plus rien en ce moment, je crois. Ouais, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais voilà, on y songe à tout ça de toute façon. On aimerait bien pouvoir aller plus loin, mais bon, déjà que Topo, il vient pas. Il faut déjà que Topo y vienne, et après Voilà. on envisagera les trucs. Après, on envisagera le reste. Mais bien entendu que c'est plus qu'une envie. C'est, je veux dire, t'imagines, on emmène la bande. Parce qu'il faut les voir, les gaillards, nos modérateurs. C'est pas des mecs style, ils font rien. On était réunis à la TGS, bon, il manquait Nouclette. Je veux dire, c'est des clowns. Hein. En vidéo au Japon, ça serait carnage. Hein. Ah bah, ce serait carnage. Christian qui dit salut les gars, encore un bon anniversaire Max. Ce fut un plaisir de Ouais, vous merci, revoir à frère. la Medinasia de Bruxelles. J'espère que tu as aimé mon tome de DB, Max. Bah, 23e Tenkaichi il est Budokai. là-bas, Christian. J'ai gardé ton tome DB. Bah Il est oui, j'espère là-bas, bien. dans les cadeaux. Bien sûr que j'ai kiffé. On nous offre un tome DB. Tu vois pas la symbolique, en plus, c'est un tome que tu avais quand tu étais petit et tout. Oui, c'est ça. Alors pour ceux qui se posent la question, hein, parce qu'effectivement, on les a les tomes DB, mais c'est, il y avait une symbolique. Il nous a offert, il a offert spécifiquement à Max un tome du 23e Tenkaichi Budokai qui lui a appartenu à lui quand il était petit en fait. Donc il lui offre quelque Il y avait part une symbolique. il lui offre un Un morceau de morceau de ta son vie. histoire, ouais. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de mots en fait à ce Ah ben non, il niveau-là. n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est une symbolique qui est très touchante quand vous nous faites tous ces cadeaux, etc. Donc bien entendu qu'il est là ton tome et qui m'a plus que touché. Pour ce que ça dit et pour ce qu'il y a derrière. Donc encore un grand merci d'ailleurs mon Christian pour ça. Je t'embrasse. Sadi-chan dans One Piece. Ça dit chat. Il y a Studio, voilà, on Studio! parlait du modérateur qui fait un super chat. Un passage que j'ai aimé, même s'il est simple, c'est le moment où Goku se fait battre par Baby, qui regarde la Terre, où il se transforme en Ozaru avec la Begen qui l'accompagne. Happy birthday, mon Max. Merci Studio, on va te trouver ce passage de Dragon Ball GT. Pas mal, très original, C'est je trouve en original plus. de ouf, parce que je pensais vraiment pas qu'on pourrait nous citer ce moment-là. Comme quoi. Même des moments qui, pour certains, pourraient être anodins, parlent énormément à d'autres. Et inversement, c'est pas forcément toujours, tu vois, genre, ouais, Super Saiyan 2, ouais, Super Saiyan, ouais, machin. Là, on a de l'originalité dans les Ouais, choix. Pour le non, moment, c'est j'ai pas vraiment encore cool. une seule fois, moi, c'est Super Saiyan 2, moi, c'est Super Saiyan 2, moi, c'est Super Saiyan 2, Gohan, moi, c'est Majin Vegeta, c'est Majin Vegeta. On le sait, Sincèrement, j'aurais et cru. on va les mettre. Mais c'est bien, il y a ces évidences, mais il y a également d'autres passages, et on est vraiment content que vous les souligniez. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que vous êtes la meilleure communauté. Parce que voilà, vous nous sortez des rêves de ouf, ça fait plaisir. Ah oui, il faut pas te sortir des refs évidentes, hein. T'inquiète pas, là, on a des ouf. On a des costottes. Ouais, je Et suis ouais. costotte. Moi, je suis costote, Je suis t'inquiète, costotte. t'inquiète même pas. Ah ouais. Mais du coup, là, tu me fais galérer, yo, parce que l'image, ça va. Hein. L'image, je trouve facile. Mais la musique de Dragon Ball GT, faut que j'aille dans un fichier, un obscur fichier de mon PC. Mais on va vous mettre ça, vous inquiétez pas. Alors, Ouais. Oui, la séquence. Alors, il y avait Kami Kezako, parce qu'il y a tous les messages, nous, on les lit un peu en décalé. Hein. Veuillez nous excuser pour le retard. Kami Kezako qui disait par rapport à la séquence de Goku et Frieza, si je ne me trompe pas, cette séquence est faite par Yuya Takahashi, effectivement. C'est Yuya Takahashi, C'est corrigé bon. par Tadayoshi Yamamoto sur l'épisode 131 de Dragon Ball Super. Sur la Ouais, séquence Goku-Frieza. très très corrigé, hein, parce que limite. On a l'impression, si t'as pas l'œil, c'est Yamamoto partout, le frère. Bah alors. Je l'avais dit, je crois, à l'époque, hein, de la review de l'épisode, mais c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que Dragon Ball Super a eu aussi pas mal de passages assez dégueulasses à un hein, niveau qualité graphique, qualité d'animation, etc. Donc, disons qu'il y ait quelqu'un qui fasse en sorte qu'un épisode ait le même style de A à Z, pour moi, c'est pas un mal. Mais c'est vrai que bon, Yuya Takahashi, on avait commencé à le kiffer, surtout dans le tournoi du pouvoir, on l'avait bien identifié avec Ouais. son style. Bon,
Voilà, bah écoute, ça doit passer par là, ça doit passer par un petit redraw de Yamamoto. Bon, écoute, c'est comme ça, hein. Il s'est fait plaisir, Yamamuro-san. Il s'est dit, eh, c'est le dernier épisode, il faut que je mette ma patte. Aïe. Alors, moi, ça me fait plaisir quand ils redraw tout sur SDBH. Hein. Parce que SDBH, on a eu des redraw, donc ils redessinent tout. Parce qu'ils corrigent, hein, du coup, vu qu'il est superviseur de l'animation. Parce qu'il y a quand même eu des animations dans SDBH au début. Oh là là. Vous me donnez du travail, bande de chiens. Ah ouais, mais Allez. heureusement qu'il est là, putain. Allez, je dois tout les faire. Heureusement. Et j'ai mal aux mains. Il vaut mieux avoir mal aux mains que mal ailleurs. Allez. Alors, en attendant que je mette la musique, on va pas tout de suite switcher de passage, La bagarre. parce qu'il y a beaucoup de passages. J'essaie de lire du coup des commentaires qui ne mentionnent pas un passage, parce que sinon je dois rechanger le truc avant d'avoir conclu celui-là. Merci beaucoup En Julien vrai, pour tout le ton monde message. sait ici, nous disait artiste, le meilleur moment dans DBZ en animé, c'est quand Goku et Piccolo passent leur permis de conduire avec des Smiley qui rigolent. Ah mais j'aime bien cet épisode. Moi, j'adore ces. Ben ouais, moi aussi, j'adore ce passage. Un petit moment de légèreté, un peu C'est justement, ça. what the fuck, dans le monde de Dragon Ball. Bien sûr que je kiffe. Bien sûr que je kiffe certes filler, mais moi, j'aime bien. Mais alors pour moi c'est super important dans DBZ hein, ce genre d'épisode. Ouais, ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça crée du lien, ça aère un peu, c'est prosaïque, j'aime bien. C'est kiffant. Bah en fait. Tu vois, on l'a vu avec Dragon Ball Kai, on s'en rendait pas compte avant Dragon Ball Kai. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent Dragon Ball Kai, et j'ai pas de souci avec moi, avec ça. Je ne déteste pas Dragon Ball Kai, mais disons que je préfère le découpage de DBZ, parce que je trouve que, en fait, ça rend pas forcément justice au manga Dragon Ball, le découpage de Kai, même s'il se veut plus fidèle, hein, justement, en coupant les fillers et les trucs comme ça. Il coupe Ah, pas je suis tous les d'accord. fillers, mais disons qu'on est trop dans l'enchaînement. Là où le manga, avec son rythme de parution, de toute manière, t'étais obligé d'attendre de ouf pour avoir la suite. Et puis finalement, il se passe des années avant qu'on ait la conclusion de l'arc Majin Buu, de l'arc même Frieza. Hein, il se passe 1 an et demi. Alors qu'avec Kai, t'as Frieza, tu le crois mort, Goku disparaît dans l'espace. Limite l'épisode d'après, Frieza est déjà. C'est même pas limite l'épisode d'après, hein. C'est même le même épisode. Frieza est déjà de retour. Tu vas me dire Ouais, comme dans c'est. le tome 28, hein, mais c'est pas pareil en épisode. Il est déjà de retour et l'épisode d'après, il est déjà contre Trunks. Je trouve que ça va trop vite. Alors que DBZ, tu respires un peu. Il y a un peu de légèreté. Tu vois un peu ce que font les autres pendant ce temps-là, quoi. Ah, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Kai, voilà, je le prends comme une proposition pour celui qui a envie de se faire Dragon Ball en mode. Bon, je veux le fil rouge principal, voilà, je me fais le truc, c'est un peu de la HD, etc. Mais c'est pas mon adaptation préférée, déjà j'ai pas les CU d'époque, tout est coupé. C'est. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent, certaines scènes n'ont pas la même intensité, pas les mêmes musiques, sauf si tu prends après la version refaite de Shunsuke Kikuchi, mais. Bref, la proposition de départ, elle est compréhensible, mais c'est pas celle que je préfère. Je préfère voilà, le pur jus Dragon Ball avec les broadcasts stéréo pour vraiment goûter à la qualité sonore, Bon après pas voilà, où ils parlent en là tu ne mousse. parles qu'aux puristes hein, évidemment En fait, mais si vous préférez Dragon Ball, vous avez beaucoup c'est les pistes sûr. du mono, hein, voilà, on parle comme ça. C'est sûr que le son de l'époque, forcément, c'est pas pareil que le son Ah, d'aujourd'hui. et puis on a eu la chance de découvrir, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais les broadcasts qui proposaient du coup un son stéréo. Alors c'est pas Là. du vrai stéréo, hein, c'est du mono. Oh, c'est du mono très ouvert. Mais oui, c'est ça, il est. Les pistes sont dupliquées évidemment pour avoir un son à gauche et un C'est son à ça. droite. Bah, de toute façon, Mais c'est j'aurai la nuit. t'as un bon son qui est ouvert effectivement sur la diffusion japonaise originelle. Pour ceux qui sont pas au courant de cette histoire, vu que tu jettes un pavé dans la mare mais t'expliques pas, je vais expliquer. Ce que tu dis, bon, il y a le broadcast audio, il est très bien. Si vous avez le broadcast audio, c'est bien. Ouais, mais c'est quoi? Broadcast audio, c'est le son de la diffusion japonaise, comme je viens de le dire. Et en fait, tout le monde, sur toute la planète, en fait, a un son dégueulasse pour Dragon Ball Z et même Dragon Ball GT. C'est le son mono que tu as dépeint avec ton verre, là.
Puisque en fait c'est le son notamment que Toei a en stock avec ses bobines, etc. Et c'est ce qu'ils ont mis sur DVD. Les Dragon Box, Dragon Ball DVD Box qui sont sortis au début des années 2000, la plupart des versions à travers le monde ont hérité également de ces versions-là, ne serait-ce que pour l'audio ou pour l'image, pour les masters. Et le souci, c'est que les masters avec le bon son qu'ils avaient à l'époque sur les diffusions dans le pays, donc dans les années 80-90, surtout 90 en fait, il n'y a plus. Donc c'est de ça qu'on parle. Et donc en fait pour avoir ce son-là, eh ben, il a fallu compter sur des Japonais, comme notamment K17 hein, sur le forum Kanzenshu et d'autres qui se sont cassés la tête à retrouver des VHS. Donc c'est des Betamax en fait, c'est pas vraiment des comme nous on a eu. Et donc qui ont enregistré les épisodes à l'époque au Japon pour pouvoir extraire, enfin ripper ces épisodes et avoir la meilleure qualité possible. Donc l'image était dégueulasse, hein, c'était de l'image comme nous on a en VHS, mais le son était meilleur que ce qu'on a en DVD aujourd'hui ou en Blu-ray. Et Et c'est plus tu étais ça, proche, le en broadcast fait, audio. de la tour de diffusion, Plus tu étais proche de l'antenne qui diffusait c'est ça. les ondes avec les épisodes, et plus tu risquais d'avoir une bonne qualité effectivement audio. Et Voilà. voilà, grosso modo pour la petite parenthèse sur le Donc, broadcast audio. ce n'est pas du stéréo, c'est un mono d'une qualité plus plus qui fait que quand tu compares le mono que tout le monde a et que tu compares ce mono-là de qualité supérieure, tu as l'impression que c'est du stéréo en comparaison, tellement la différence, elle est saisissante en fait. Tu as l'impression, en fait, le gars il parle comme ça, tu leur enlèves un scotch en fait, d'un coup Ouais, tu mais dis c'est wow, ouf, hein. Je peux pas vous passer d'extrait c'est. parce que sinon strike, mais ou démonétisation l'un ou l'autre, mais Bah, pour ceux qui ont la Big Box, pour les grands collectionneurs qui ont la Big Box, ouais. Ouais, bah frère, voilà. là, Voilà. tu. Il y a trois Il y personnes a qui une ont la big piste. box là. Bah écoute, pour ceux qui l'ont, J'ai l'impression que c'est voilà. l'entonnoir ce soir. Max l'entonnoir, C'est. on va l'appeler. Bah écoute, on parle d'un Il va sujet. finir le live, il va parler qu'à une personne. Bon, bref, voilà, démerde-toi, trouve-toi les broadcasts et fais pas chier. Voilà. Bon, il y a un autre moment là, vous avez des moments. La big box elle est rare, il n'y a personne qui l'a. Aïe, 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 Ouais, aïe. Ah, donc qu'est-ce ça, qu'on se marre. Ah, je bah vous kiffe les gens. heureusement. Et par contre, c'est pas normal. On est 284 visionneurs. Apparemment, il n'y a que 190 likes. Ah, Les copains, ça peut explosez-moi le s'améliorer compteur. effectivement. Allez, Alors tout à l'heure, il y pour avait mon une question. anniversaire. Il y avait une question tout à l'heure hein, par rapport aux musiques Dragon Ball GT. Elles n'ont pas de titre parce qu'elles sont jamais sorties sur CD en fait. Hein. Les seules musiques qu'on retrouve dans Dragon Ball GT qui sont sorties sur CD, ce sont les musiques du film Dragon Ball Saikyo Enomichi, donc La Voix du Plus Fort sortie en 96. Mais les musiques créées pour la série DBGT, comme ce que j'ai passé il y a quelques instants, il n'y a pas de CD. Donc en fait, elles n'ont pas de nom. Donc pour les trouver, en fait, vaut mieux que tu tapes OST Dragon Ball GT. Malheureusement, il n'y a pas de nom. Hein. C'est genre Unrelease de 1, Unrelease de 2, Unrelease de 2, enfin 3, etc. Donc ça veut dire pas sorti, quoi. Begita Stark, ça fait plaisir de voir taper des barres. Mais ça fait plaisir d'être avec vous, surtout. Merci, On est Begita, ensemble d'être là. pour délirer. Au moins, on a l'impression, j'ai l'impression de faire mon anniversaire avec des milliers de personnes. C'est un truc de ouf. Je veux dire, c'est vrai. Mais ah ouais, Et mais avec ça, c'est mon bien, but de ça. niquer. Eh, c'est Voilà. l'avantage d'avoir une chaîne YouTube et de pouvoir partager sa passion avec d'autres personnes. Parce que t'as Ouais, des gens, c'est clair. ils ont, tu vois, des passions dans la vie, mais ils peuvent pas forcément, à La partager. des jours comme ça, des jours exceptionnels, partager avec d'autres personnes. Ouais. C'est clair. Perso, mon moment préféré de Dragon Ball, nous dit Manga KDB, c'est l'apparition de Trunks contre Frieza. Ah, épisode 120. Épisode 120. Bon, je pourrais pas vous mettre non plus Battle Point Unlimited, hein, le thème de Monolith. Battle Point Parce que Unlimited. sinon on va se faire démonter. Surtout que Battle Point Unlimited, vous n'êtes pas sans le savoir, vu qu'on a fait une vidéo sur vos musiques préférées, nos musiques préférées, on en a parlé à cette occasion. Battle Point Unlimited, c'est en fait un repompage de Kenji Yamamoto, hein, qui se faisait appeler Monolith, du coup, sur cette compo. Repompage de P Machinery et de je sais plus quelle autre chanson du groupe Propaganda. Vous ferez une recherche sur YouTube. Donc voilà, cherchez Propaganda, P Machinery, et vous allez voir que ça ressemble à Battle Point Unlimited.
Il y a moyen, on peut vous faire toutes les chansons à la bouche. À la bouche, mais je suis pas sûr que ça soit. Mais on est expert depuis 1928 en recomposition de chansons, À la bouche. À la bouche. Ouais. À un moment donné, faut pas nous lancer sur ce sujet-là. Ça nous est arrivé de faire des enregistrements où on refaisait des musiques pour le délire. Ça nous est arrivé. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Enfin, pas vous, mais nous, ça s'est vu. Et d'ailleurs, vu que on peut pas passer Battle Point Unlimited, je vais foutre des musiques du cinquième film DBZ. Et voilà. Max, il va nous expliquer pourquoi. Bah, parce que les musiques du cinquième film de Dragon Ball Z, donc avec Cooler, le frère de Freezer, vous savez, le fameux, ont été utilisées à ce moment-là de l'histoire dans l'animé. Voilà. Donc forcément, il faut qu'on soit à propos. Sinon, c'est pas bien. Après, tu peux mettre les musiques du film 8, mais je suis pas sûr. Bah, elle rigole pas, c'est ce qu'ils ont fait justement sur Dragon Ball Kai. Et c'est un truc que je reproche, c'est que. Tout ma vanne. T'es dans l'arc Frieza, t'as des musiques de Metal Kula, donc qui pour nous tous qui avons été élevés avec DBZ, sont les musiques de Cell. Donc t'es sur Frieza, t'as les musiques de Cell, ça va pas du tout, tu vois. Ça va pas du tout. Mais c'est marrant que t'aies rebondi parce que c'était une vanne, je sais pas si y en a un qui allait rebondir sur ça. Et ouais, c'est rebondi sur ma Mais ouais, mais ça, c'est un truc dans Kai qui m'exaspère. Hein, les... Ah ouais, non, c'est pas possible. Majin Buu sur le 23ème Tenkaichi Budokai, ça va. Mais même Arc Saiyan, t'as des musiques de Bojack. Hein. Ouais, non, faut arrêter. Moi, je peux pas, moi, ça. Bientôt. Non, il y a un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter ces conneries. Non, je suis pas d'accord avec ça. Oh là là, le Trunks, limite, il me fait poser des questions sur mon orientation sexuelle tellement il a la classe, nous y artiste. Ouais, corrigé par Nakatsuru. Hein. Ouais, d'ailleurs, j'adore cette phrase. Ah, d'ailleurs, l'épisode 120, pour ceux qui sont fans d'animation, c'est l'un des rares épisodes de tout DBZ qui a été fait par Nakatsuru. Hein. Il y a le 44, l'arrivée sur la planète Namek, et le 120. En fait, il n'y en a que deux de mémoire. Et il y a le TV Special avec Bardock. Donc si on considère que les TV Specials, c'est un épisode hein, finalement, mais spécial, il y en a trois, mais très peu d'épisodes en fait supervisés par Nakatsuru en fin de compte. Ouais, et pour quel dommage, parce que quand il est là, ça tape sévère, quand il est là, ça se voit direct. C'est l'un de mes animateurs préférés. Ouais, clairement. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Quand tu vois, bah, de toute façon, il suffit de regarder ce Trunks... Alors, il y a Sofiane qui a fait un super chat qu'on n'a pas vu, on va aller le voir. Ah bon. Attends, moi je vais aller dans le studio, t'embête pas, je vais y aller. Ouais, bah vas-y, je te laisse. Je vais retrouver ça. Il y avait aussi Bad qui avait fait un super chat et Nicolas Ferreira également qu'on n'a pas vu. Je vais aller voir ça. Vous en faites pas, je suis dessus. Pip, pip, pim, pim. Alors, il y a Sam qui propose qu'on mette la musique de l'Ultra Instinct sur un passage de Chichi qui fait la vaisselle. Oui, bien sûr. Si tu veux, je suis pas sûr que ce soit à propos, mais après, c'est effectivement ce qu'on aurait pu avoir dans Dragon Ball Kai. Là, il y avait Nicolas qui avait dit un autre culte évident, We Got Ta Power. We Got Ta Power, l'opening, ouais, bah ça on peut pas le mettre non plus. Hein. Je peux vous mettre une image. Je peux vous mettre une image et je peux mettre les instrumentales à la limite. We Got Le Power. Parce que les instrumentales, Kikuchi, il en a fait la blinde pour la série animée, et ça, il y a moyen. Ah ouais, soit tu peux passer au calme. Pipa 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 la pap. Hop, We Got Ta Power. Pa, 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 et je vais vous mettre une instru du pa, coup. Et, tu vois, dans le côté culte, puisqu'on est en train de parler des trucs nostalgiques, il y a des musiques qui résonneront à jamais comme pas un résumé, mais tu commences un épisode, attends. C'est... Je ressens ce que je ressentais, l'excitation quand j'étais petit, que voilà, il y avait le récap et tu voulais savoir ce qui allait se passer, parce qu'à l'époque, il y avait le côté inédit au club d'eau et tout. C'était incroyable. Et ce truc-là, je le ressens toujours alors que je connais la suite. Pareil. C'est marrant. Pareil, c'est les musiques de prologue, pour moi, elles sont ancrées en moi. Le prologue 1 et 2, parce qu'ils sont différents. Hein. Le premier prologue, il reprend Chala et Chala, le deuxième, il reprend Got Ta Power. C'est lancé et t'as une vague de nostalgie qui te parvient en fait. Donc ça, je pense que on peut pas les
Ah bah on C'est peut, indélébile. ouais, ouais je suis d'accord, je pense que c'est indélébile. Mais c'est surtout marrant, moi, c'est ça, c'est ce ressenti de je vais découvrir un truc que j'ai vu 800 fois, mais je vais découvrir un truc. Le ressenti est plus fort que la connaissance. C'est incroyable. Dragon Ball, c'est la magie. Alors, j'ai trouvé le super chat du coup de Sofiane, le Vas-y. fameux clochard de Creil. Merci En Sofiane. dehors de tous les combats cultes et morts cultes dans DB, le premier Final Flash de Vegeta m'avait fait trembler de ouf. Force à toi, Max. Que du bonheur dans ta famille. Merci Merci, mon frérot. Sofiane. Le premier Final Ah, Flash de Vegeta, un moment culte, hein, c'est sûr. le Final Flash. Le Final Flash, c'est Qu'ils quelque ont chose de final. totalement d'ailleurs, hein, puisque pour d'obscures raisons, là, je suis retombé dans Kakarot, dans le jeu, hein, le jeu vidéo du coup. Qui n'ont pas mis. Tu te rappelles? On avait fait de toute manière, Ouais, on je me l'avait review. rappelle. Ils n'ont pas mis le Final Flash de Vegeta, c'est fou. Alors C'est non des seulement malades. ils n'ont pas mis le Final Flash de Vegeta, ce qui est assez inadmissible, mais ils n'ont pas mis non plus la transformation, troisième étape du Super Saiyan de Trunks. Voilà, c'est des fous. Faites-vous votre avis sur ça. C'est des fous. Pour nous, c'est des fous. Ah ouais, mais non, mais pour nous c'est de l'abus là. Tu peux pas ne pas mettre ça quoi. T'es dans un truc qui retrace les moments cultes et tout. Tu fais, ouais. Et Final Flash, il est où le... Non? Final, d'accord, ok. Y a pas de La Final plus Flash? puissante attaque de Ok. Vegeta à ce moment-là, non. À la trappe, allez. C'est Sert ça. à rien. Ils sont des... Non, sert à rien. Ouais, mais c'est la plus puissante attaque de... Non, sert Et à rien. surtout qu'il est Allez. super important ce moment, puisqu'il montre en fait un Vegeta qu'on vient de voir laté, mais alors laté cette Comme le deuxième forme. café. Exactement. Et ce Vegeta qui est power-up, en fait, c'est le Vegeta niveau ultime à ce moment-là. Hein. On n'a jamais vu rien au-dessus, en fait. Et nous faire, en fait, réaliser que son attaque la plus puissante, où il met tout son ki, à tel point qu'il pourrait en détruire la Terre, et où même Trunks l'avertit, etc. Mais c'est ce qu'il fait, Vegeta. Et que finalement, ça ne marche pas contre Cell. Normalement, c'est censé nous amener là du désespoir, tu vois. Donc en fait, cette scène où la plus puissante attaque de Vegeta et se révèle finalement inefficace est super importante. Elle est super importante pour le plot twist. Et elle est super importante pour le plot twist, pour le côté fan service de Vegeta aussi quelque part, parce que c'est un moment voilà qui est quand même assez culte sur le niveau qu'a Vegeta à ce moment-là, sur le sort du combat, le sort de l'arc à ce moment-là, puisque tu te dis, bah ça y est, il va balancer sa plus puissante technique, Vegeta c'est un ouf, il va peut-être en venir mettre, et puis en fait, on sait tous ce qui se passe. Bref, un ensemble de faits importants à ce moment-là, qui ils se sont dit, mais non, c'est pas important, c'est pas grave, ça va, il écarte ses bras au-dessus de la mer, c'est bon. Tu crois qu'ils se sont dit ça? Ils se sont dit, ça passe, si on le met pas. Voilà, écoutez, faites vos jeux. Lilian qui refait un super chat, merci mon Lilian. Merci Joyeux Lilian. anniversaire Max. Le moment qui me faisait le plus de mal à mon petit cœur, petite blague, lorsque j'ai regardé l'animé, c'est quand Vegeta assomme Goku pour combattre Majin Buu seul. Ah, ah ça sort les bails. Ça sort les bails sombres. C'est parti, on va te mettre ça, Lilian. Merci beaucoup pour ton super chat ou ton Ah, message, Lilian. je suis d'accord parce qu'à ce moment-là, c'est pareil, on s'y attend pas non plus en fait. On a un Majin Vegeta qui vient de fracasser le public du Tenkaichi Budokai, qui est voilà, tu te dis ça y est, il est tombé dans ses travers. À ce moment-là, on sait pas ce qu'il a en tête, on sait pas. Ah, tu te dis putain, ça y est, Vegeta il est reparti dans ses travers et tout. Il affronte Goku. Et puis va venir ce qui va venir, quoi. L'affrontement en solo, en mode je l'ai tous mis à l'envers en fait. Ah, c'est ouais, encore une fois, des plot twists de niqué comme ça. Où on te fait regarder à gauche et tu te dis mais Mais non. Ah, non. je peux vous parler de la première lecture, tu te dis c'est pas possible, putain, il s'est fait avoir, mais non. Genre comme si on n'en avait pas assez et tout. Il va, tu vas par la gauche et d'un coup on fait, c'était à droite qu'il fallait regarder. Tu fais, oh putain. Ça c'est génial. Ces moments-là en fait, c'est des trucs. Voilà, tu te prends des mini claques dans l'intrigue. C'est juste, ouais, c'est des tournants en fait. Ça c'est des tournants Bon, effectivement. Le coup, c'est c'est les un meilleurs tournant. moments, hein, puisque c'est carrément Ouais. les moments où tu prends le plus de plaisir à découvrir ce qui se passe, quoi. La vérité, la T'as verdad. des surprises de ouf, hein. Ouais. Ah c'est. C'est bien, vous sortez des bons moments là. Ça nous J'aime. permet du coup de. Est-ce que vous aimez d'ailleurs
ce type de live comme ça, ce petit concept, vos moments préférés, ce que vous pensez, etc. De différentes choses. On essaye de proposer des choses qui pourraient vous plaire aussi. On a des idées en tête, mais on aimerait déjà prendre un peu la température sur ce type de format de live, voir si ça vous plaît et si on remet ça en place de manière un peu plus régulière. Voilà, dites-nous dans les commentaires, on sera un plaisir de lire ça et de voir vos réponses, en tout cas. Voilà, fameux moment. Voilà, et bah écoute. Voilà. En tout cas, Majin Vegeta, je pense qu'au tennis, il fait des revers double main. Tu crois? Ouais, y a Camille Kezago qui fait un grand écart, hein. Il nous fait un super chat, mais sa proposition, c'est Kulilin qui lance un caillou sur Goku, Ah sur la ouais? tête. Bah écoutez, Voilà, c'est un peu un grand je vais écart. juste rester une minute si Un ça petit te peu. dérange Ouais, pas moi sur aussi, Vegeta qui si tu assomme veux. Goku au moment. Voilà, reste un peu sur Après, on passe sur le Vegeta, caillou si tu veux, il n'y a pas de double souci. main en revers de tennis, s'il te plaît. Merci Camille Kezako pour le super chat. Merci pour le soutien à chaque fois. Allez. Il y a Marien Pario qui nous fait un super chat. Merci Marien. Un de mes moments préférés, c'est le combat Piccolo versus numéro 17. Tellement de clash chez ces deux persos. Un bon anniversaire, Max. Merci mon Marien. Merci Maria Ah, beaucoup. j'avoue que Piccolo numéro 17, c'est quelque chose. Ouais. Ah, j'avoue que Mais tu sais il a tout qu'il dépassé. est méga censuré en VF cet épisode-là. Ah C'était une ouais. Il est catastrophe. charcuté au Il hasard. durait 17 minutes hein, de mémoire. Parce que je me souviens parce que je l'avais enregistré sur la chaîne manga. Les épisodes, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils durent environ 23 minutes avec les openings et endings. Ah, c'est du hachoir, il a fait une laboule. 17 minutes. Ils l'ont coupé au moment où. Il s'échangeait des coups tellement puissants qu'on voyait que le poing ressortait, enfin ressortait en quelque sorte, ça faisait des bosses dans leur dos tellement l'impact du coup était puissant. Et à un moment donné, on voit donc Piccolo relâcher son aura, etc. L'épisode du coup passe ce moment-là. Donc c'est-à-dire que sur cet épisode en version française, comme elle a été diffusée une seconde fois, du coup en version censurée au Club Dorothée et ensuite sur la chaîne manga et AB1, l'épisode dure 17 minutes et tu ne vois pas celle qui arrive. Donc l'épisode se conclut sans que celle arrive, et l'épisode d'après, quand tu le débutes, celle est déjà là. C'est. N'importe quoi. Ouais. C'est tout ceci n'a C'est aucun n'importe sens. quoi. Et pour ceux qui se posent la T'aurais envie de question, dire qu'avez-vous fait, monsieur? Eh, qu'avez-vous il fait? nous a fait une laboune, il nous a fait le boucher. Alors pour ceux qui se posent la question, du coup, c'est l'épisode 149. Hein. Et l'épisode où celle arrive, c'est l'épisode 150. Il a fait quoi la boune? Parce qu'il est parti la boune de ce que j'ai Non, cru non, mais là. il nous a fait une laboune, c'est-à-dire le monteur de la VF pour la censure, il nous a fait une laboune, il a coupé comme un boucher les passages clés. C'est Voilà. un boucher la boule. Voilà. Voilà. Ouais, C'était. Non c'est un mais boucher. Et c'était notre vigile aussi à la fallait TGS. l'expliquer parce que. Oui, Faut le dire. c'était notre vigile à la TG, c'est vrai. Parce Parce qu'il est arrivé qu'il tôt le n'avait soir pas de noir à vigile. glace. Faut préciser, c'est pour ça. N'y avait pas de vigile et il a fait un petit peu de muscu. Il est arrivé comme une armoire à glace, format frigo. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, reste là Ah bien. et protège-nous. Non, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Mais c'est Non, vrai qu'il a. mais on se venge parce Il a qu'il un aime bien se physique foutre de notre de gueule. vigile, la bonne quand même. Ouais, il y a un physique de vigile. C'est vrai. Ouais, il y a New Leo qui dit à l'époque que la censure était en roue libre. Mais totalement. Totalement en roue libre. La censure, c'était effectivement la boucherie, comme tu le disais, puisque on se faisait des coupes, mais l'épisode n'avait plus de sens des fois. Alors que Ouais. maintenant, ça serait assez inimaginable. On peut te couper des trucs, mais quand même, t'es obligé de garder une certaine cohérence, parce que sinon, bon. Tu prends un peu cher, quoi. Alors que là, tu perdais de la cohérence, des fois tu perdais du lien, tu fais, hé, mais il est en train de lui donner un coup de poing, là, ils sont en train de manger. Tu vois, enfin, j'exagère, mais bon, à un moment donné, il y a censure et censure, quoi. Voilà, c'était un peu trop, un peu trop. Du coup, Piccolo numéro 17, ouais, merci Marion. Il y avait David qui a fait un super chat aussi. Merci David. Merci David. L'arrivée de Vegeta dans les mercenaires de l'espace, épique. Majin Vegeta contre Goku à l'époque, je me rappelle que j'étais comme un ouf. Force à vous. Alors, donc tu parles du 9e film DBZ, 9e film, ouais. L'arrivée de Vegeta, ouais, elle est stylée. J'ai bien envie de la mettre. Je vais juste un peu galérer pour la screenshot comme il faut recadrer le machin, mais je vais te trouver ça. Et puis on avait le fameux Goku et Vegeta, forcément, qui est culte également. N'est pas En parallèle. vigile, n'est pas vigile qui veut, nous dit Mewen. Et Mewen qui a raison. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais, Vigile, c'est un métier.
Virgile aussi, et c'est un prénom. Comment va la voiture de la Boone? C'est pas lui qui a eu un souci avec des animaux sauvages. Effectivement, Roméo. Si, Roméo si, c'est lui. qui est bien au Et c'est courant. vrai que d'ailleurs, il ne nous a pas donné des nouvelles de sa voiture. Parce que c'est bien de Bah, tamponner il les nous dira chevreuils, ça, mais. On va lui demander. On lui demandera mais... beaucoup. Petit Il y a souci. Harukana qui dit: Mon moment préféré de DB, c'est quand j'ai appris par Max que Bolaf faisait des choses à des poulets. Voilà, private joke pour ceux qui ont vu les épisodes de Kekarot à l'époque. Voilà, faut regarder nos live Faut streams, c'est regarder les marrant. live streams qu'on fait sur les jeux vidéo, On vous se aurez lâche un peu plus, c'est le moment, des voilà, donc surprises. ça sort la connerie, c'est bien, c'est marrant. Team Goran, qui remet un super chat, merci mon Team Goran. Merci Team Bon Goran. allez, en bon fanboy de Goran, l'arc filler de sa survie dans le désert, c'était vraiment sympa, c'est mieux développé que dans le manga, j'ai beaucoup aimé. Je suis totalement d'accord, c'est l'un des meilleurs fillers de DBZ d'ailleurs. Ouais, kiffant, kiffant. Alors je mets J'aime quand même beaucoup ce le Goran. passage de Vegeta à un moment donné Allez, dans ce faites live. Dans ce live, place. voilà, on nous l'a demandé, l'arrivée de Vegeta contre Bojack, qui est d'ailleurs, c'est vrai, un des moments que j'adore dans ce film. C'est un moment où tu es content de retrouver Vegeta, il n'y a plus Goku déjà. Donc Gohan, personnage principal, et tu as Vegeta qui avait dit je me battrai plus jamais à la fin du Cell Game, tout le monde se souvient. Et il arrive, il se bat. Tu te dis, oula. Oula. Et surtout Il que met des le film est intelligent. temps. Parce qu'il nous tease ça. Il nous tease en début du film. T'as Bulma qui explique à Chichi que Vegeta a perdu vraiment l'envie de se battre depuis la mort de Goku. Donc, on rebondit sur un truc du manga. Et c'est un teasing pour ce qu'on va avoir dans le film. Ouais, c'est génial. Bon moment ça. C'est Ça fait plaisir. Mais Vegeta, il s'est amusé à faire des apparitions stylées, de toute façon, dans Mais les films. tous les films à Tous chaque les films, il fait fois. ça. Je veux dire, film 5, il arrive, il met des coups de pompe. Film 6, il met des coups de pompe. Film 7, il arrive dans les rochers. C'est ça? C'est que ça. C'est sa spécialité. Il s'est spécialisé dans les apparitions de grande classe. Mais lui est piccolo, hein? Et à Pucco, c'est pareil. Lui, entre la cape et l'épée, là, je veux dire, les deux. Mais les deux, c'est... Les films, Ah ouais, c'est que des apparitions stylées de Piccolo et tout le Vegeta. temps, tout le temps. Perso, dans le film 9, je préfère l'entrée de Piccolo avec un énième réarrangement du thème de Piccolo qui lui donne une prestance incroyable, nous dit Issam. Ah, Piccolo. Ah, Piccolo, hein. Piccolo, c'est Piccolo, hein. Piccolo, c'est... Piccolo, il a un style aussi avec la cape. Je trouve que le chara-design, il fait beaucoup. Il n'y a pas que la mise en scène et son entrée. Vous remarquerez que ce soit Piccolo ou Gohan, dans la plupart des films, quand ils arrivent, souvent ils sauvent quelqu'un. Bon, il se trouve que la plupart du temps, Vegeta, c'est pour aider Goku. Hein, et il va te dire Kanchigai suruna, donc ne te méprends pas, tu vois. Je suis pas venu pour te sauver, je suis venu pour l'empêcher de te tuer, c'est pas pareil. Excuse-moi. Excuse-moi, prince. Tu l'as sauvé. Tu l'as sauvé. Prince. Piccolo, bon, souvent c'est pour sauver Gohan, évidemment. Mais ils arrivent, ils sauvent quelqu'un. Ils font une entrée fracassante et directement ils se fightent contre le boss. Je sais pas si vous avez Et ils se font remarqué ça. Et ils fracasser. se font fracasser. Entrée Ça, fracassante pour être fracassé. c'est une constate. Une entrée fracassante pour se faire fracasser. Mais C'est alors, ça. c'est un Ça fait gimmick, trop le malin. c'est un pattern et Dragon Ball n'est pas le seul animé shonen manga de Toei Animation qui a ce genre de pattern. Parce que Senseiya, avec ses films, a tout le temps des patterns aussi. Notamment le pattern où t'as Ikki qui vient sauver Shun. Ou Ah, Shun. zaz, zaz, Shun en zaz. VO. Shun est en difficulté, Ikki il arrive et il le sauve. Il y a aussi le Toujours au pattern. moment clé, tiens. Ouais, et toujours le pattern aussi qui de toute manière avait été initié dans la série animée Senseiya. Enfin, dans la série animée. Dans le manga à la base et ensuite dans la série animée. C'est-à-dire que Seiya s'occupe du premier. Et s'il ne s'occupe pas du premier, de toute manière, Seiya il s'occupe du dernier. Ça, c'est sûr et certain. Toujours. Mais Mais t'as oublié un truc. toujours les C'est autres, que. ils vont. Faire, vas-y! C'est moi qui Non, m'occupe mais du t'as. gars. Tu vois? Ouais, Et mais t'as oublié un truc, frère. qu'est-ce qu'il y a? Ça sent la connerie. Moi, Non, mais c'est je suis vrai. Mais factuel, il va c'est dire une vrai ce que je vais connerie. dire. Qu'est-ce qu'il va Je te dire? jure que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais avant de s'occuper du dernier, Ouais. on a toujours droit à Athéna! Souvent. T'as le gars qui gueule. Il est à Souvent. terre, il fait Athéna! Souvent. Et du coup, après, il se transforme, voilà, avec son Oui, cosmos, il se etc. transforme pas, Toi-même, mais tu sais. alors par Non, mais contre, et aussi, j'exagère, c'est pour attends, un l'humour. des patterns aussi des films Senseiya, c'est la clause du Sagittaire.
Ouais, ça c'est Et normal aussi. moi, je dirais que l'équivalent du pattern, la classe du Sagittaire dans Senseiya, dans Dragon Ball, c'est le Genkidama. Parce que Ouais. l'immense première partie des films, l'immense majorité de la première partie des films se termine avec un Genkidama. Il y Ouais, c'est a vrai. du film 2, 3, 4, pas le 5, pas le 6, le 7, Peut-être, d'une certaine manière, ouais. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 7. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça fait 8, déjà non, 9, une non, bonne moitié après. des films DBZ se termine avec le Genkidama. Ce qui est le cheat du game. Ah. Ouais, mais la clause du Sagittaire, c'est ça aussi. Ouais. Après, elle Après, c'est fonctionne pas contre Sagittaire. Abel, hein, la clause du Sagittaire. Enfin, quoique si, au final, il se fait trouer, au final. Donc, finalement, le fait Alors, qu'il l'a tu revêtu. dis elle fonctionne, elle fonctionne. Tu dis elle fonctionne, moi je te dis elle fonctionne. C'est vrai que Gohan Piccolo et Shun-Hikki, c'est le même combat dans les films, vous dites Ingohan, mais totalement. C'est totalement ça. Ah, Z. Mais je viens sauver mon petit frère, C'est ah, vrai, Z. c'est Nissan. Il n'y a pas dit qu'il était que l'étant d'année. Donc Nissan, je Et... savais que tu viendrais. Et de l'autre côté dans DBZ, c'est Piccolo-san. Il le voit arriver. Donc, ouais. Mata Sitana. Mata Ou alors, non, Satana. c'est. C'est. Qu'est-ce que tu vas te dire? Me voilà, les amis. Ouais, bon, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Mais c'est C'est ça. petit cœur. Là, c'est petit cœur. Là, c'est pas Si, me Piccolo. voilà, les amis. Me Petit voilà, les amis. cœur. Petit Non, cœur. Satan, petit cœur. Satan, petit cœur. Petit cœur. Non, c'est Satan, petit Satan. cœur. Satan, petit cœur. Et les Asie. répliques, elles sont là. Elles sont gravées là. Elles sont assez. Ah, c'est Les abusé. mecs, quand vous aurez votre serveur Discord, je vais vous montrer mes découvertes inédites concernant Sensei. Mais carrément, Kami Kezako. D'ailleurs, Ouais. serveur Discord qui est en préparation. Mais. Comment dire ça? Ça se passe parce qu'on veut faire un truc de ouf et Bien, un on truc peut bien. pas des objectivement. Voilà, je vais essayer de m'en occuper, mais ni Léo ni moi sommes des gros experts de Discord. C'est un truc, voilà, on regardait de loin, on s'était dit, ouais, on verra, on verra. Et on sait que ça fonctionne bien, mais on On sait veut que c'est pratique vraiment surtout. avoir un truc. Qui soit bien avec un système de sécurité pour certains trucs. On sait qu'on peut programmer des. Il y a des postes qui se font tout seuls, il y a un système d'administration, de modération, il y a des postes qui sont ouverts à certaines personnes, etc. Bref, celui qui utilise vraiment Discord doit savoir de quoi je parle de manière beaucoup plus claire que ce que je suis en train de le dire. Et on veut vraiment faire quelque chose comme ça, qui pourrait y avoir aussi, enfin qui sera du coup le Discord de TB Times, Léo et Max, Abaka. Voilà, c'est le lieu de rencontre. On va pas faire 800 Discords. C'est géré par Léo et Max, Où il y donc aura en vrai, des Léo et Max, c'est sous-catégories parti. dans le Discord. Mais voilà, et on veut bien faire ça, bien ranger. Donc, on a potentiellement quelqu'un qui pourrait, je dis bien pourrait, parce qu'il n'y a aucune certitude là-dessus, nous aider sur le Discord. Mais voilà, donc on vous tiendra informé dès lors que, de toute façon, les choses ont pris de l'ampleur et que c'est dispo. Ça, c'est clair et net. On ne vous en fait pas. Y a Kyosuke qui dit. Faut pas oublier aussi, n'oublie pas que tu me dois encore un combat singulier, Sangoku. Non, je crois que c'était une réplique de Vegeta, ça plutôt, non? N'oublie pas que tu me dois encore un combat singulier, Sangoku. Est-ce que c'était Piccolo ou c'était Vegeta, ça? Parce que les deux sont capables de dire une connerie comme ça. Là, j'avais la voix de Petit Cœur, on va dire en tête. Je n'ai jamais compris comment faisaient les gens pour aimer la musique dans le film Bojack, celle où le gang de Bojack a démonté tout le DB gang et attache Goran avec leur fil, nous dit Real Madrid. Real Madrid qui fait dans l'approximation, mais on voit de quoi tu parles. T'aimes pas cette musique, c'est étonnant. C'est étonnant. En fait, vous trouvez pas que Toei saoule avec les copyrights, nous dit Speedox, totalement, ouais. Il casse les bonbons avec les trucs comme ça. Broly qui dit à Goku, fais attention à ton fils, m'a tué de rire. Ouais, mets vite ton fils à l'abri. Mets vite ton fils. Attends. Mets vite ton. Un petit conseil d'ami. Mets vite ton fils à l'abri. C'est ça la réplique. C'est des Un petit trucs. conseil d'ami. Mets vite ton fils à l'abri. Complètement con. Ah, en japonais, il dit Kakaroto, est-ce que tu tiens à ton fils? Voilà. C'est pareil sans être pareil, quoi. Mon fils. La terre et ses éléments. Un de mes moments préférés nous dit le DZ. Broly dans le huitième film, la transformation est folle. Atmosphère terrifiante avec les cris qui résonnent dans la vallée et la nuit qui tombe. Carrément. C'est l'un des films les plus aboutis, je trouve, en termes de réalisation. Et on doit ça à, évidemment, Yamauchi. Yamauchi-san. Yamauchi.
Commence pas, toi. Commence pas. Bon, alors, le moment où Kulin lance le caillou. on va te mettre ton caillou, Kamikezako, c'est bon. Il nous a saoulé avec son caillou, là. Comment il a réclamé, on rigole. Il a fait, bon, et alors, sinon, mon caillou... On va te mettre ton caillou. Parce que, bon, c'est bien, moi, je fais des super chats, je donne de l'argent à tout va. Mais si j'ai pas mon caillou, je veux dire, c'est plus... Il n'y a jamais personne qui me sustente avec mes cailloux. C'est bon. Je suis sûr qu'il a remué la tête quand il a fait, voilà, mon caillou... Moi, c'est bien, hein, à tout va, mais... Alors, épisode filler, en plus. Parfois, on se demande si Goku tient son fils, nous dit Gohan. Mais oui, il tient son fils. Il tient son fils, Goku. Tu connais ça, cette chanson? De. Épisode filler. C'est comme ça que ça aurait dû s'intituler, les épisodes filler. D'accord. Kaioken, nous dit Kamikezako. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que tu l'aimes tant, ce caillou, parce qu'il a Ken Goku, donc c'est le Kaioken, en fait. Je comprends mieux. Tout s'explique. Il y a Gordo qui met un super chat et qui dit « Bon anniversaire, papy ». Merci, Gordo. Merci. Maintenant, je ne suis pas un papy, mais... Bon anniversaire, papy. Mais merci. Le papy te remercie. Papy, je suis papy, je suis papy. Il y a Tim Gohan qui dit, moi j'attends mon Gohan aussi. Alors, me compliquez pas la vie. Pas la vie. Papy. Parce que, alors, oui, j'explique, hein, mais j'ai des dossiers sur le PC de tous les épisodes. Et comment vous dire ça? Disons que là, dans ce, dans ce dossier qui concerne l'épisode... Merde, est-ce qu'on voit une indication du nombre de screenshots qu'il y a? Bon, tu fais CTRL A et puis je pense que je vais faire ça, de toute manière, c'est le plus simple. Tu auras à peu près le nombre d'éléments. Ah, je peux pas parce que là, je suis en train de remplacer en fait les fichiers pour... Ah merde! Dans le logiciel. Bon... En gros, il y a genre 4000 screenshots, voire plus par épisode, quoi. Donc, voilà, faut c'est lourd. Ça rame, hein, en fait, c'est pour ça. Et le chaudron magique. Je vais lire des petits super chats. Vas-y, vas-y. Ouais. Alors, l'idée super chat, mais s'il te plaît, pas des trucs où je dois mettre un autre passage alors que je suis en train de mettre un passage. Ouais, mais ça, j'y peux rien. Je peux pas savoir avant. Julien Chonette, merci, Julien. Coucou Léo et Max, déjà joyeux anniversaire encore une fois Max, un moment marquant dans DBGT, voilà tu vois, regarde, tu vois, lorsque Goku c'est monte sur le dos de Shenlong m'a fait pleurer. Ah ouais, bah forcément. Écoute, voilà. Kamikezako, on garde ton caillou pour la fin. Je vais fermer la fenêtre et je vais essayer de reboot en quelque sorte le chargement, je vais le refresh. Et je vais mettre Shenlong tout de suite parce que là il est très accessible. Comme ça... Ouvert la fenêtre. Il y a Didou qui nous dit la punchline de Vegeta à Piccolo quand ce dernier sort de la salle de l'esprit du temps. Quel temps perdu, tu n'as rien changé d'un poil. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Une petite sieste. Ça, c'était en VF, ouais, c'est vrai. C'était. Ouais. Ouais. C'était. Spécial. Tu as fait une petite sieste, petit cœur, à ce que je vois. C'était. Waouh, ferme ta gueule. Ferme ça aurait pu finir comme ça. Ferme bien ta gueule. Waouh, terminal. Ça aurait pu. Je veux les mains en l'air pour DBZ, nous dit Xiver. Allez, je lève une main. Ouais, mais là, on dirait un DJ. On dirait un DJ qui fait la musique. Il faut que je vire ce Vegeta qui vient d'arriver là. Pour qu'on retourne sur une screen 4 tiers. Parce que c'est ça aussi le truc que je dois faire. On va retourner. Parce que la retourne va tourner. Et on passe du coup à Dragon Ball GT avec la scène finale. Goku qui disparaît. Et on va tous pleurer. Tous autant que nous sommes, si. Non. Il est nécessaire. Non. Il est nécessaire de pleurer. J'ai pas envie. Et quand je dis scène finale en fait du présent. Parce qu'après on passe dans le futur. Moi, j'ai envie de pleurer. On est... Ah, GG. Merci Sofiane pour le petit message. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir Sofiane.
Attention, dans le chat, rappel des modérateurs, notamment Studio, qui dit attention, évitez les majuscules, hein, parce que c'est vrai que les Oui, majuscules, tout à fait. ça peut être pénible, hein, les majuscules. Donc, On évitez respecte, s'il si vous plaît, les copains. possible. Ouais. Crocodile qui dit pas mal la voix de Vegeta, c'est pas la voix que je tiens le mieux, hein, la voix de Vegeta. La voix de Vegeta, c'est pas celle que je fais le mieux. Mais merci. Julien qui met un autre super chat, mais il est déchaîné, Julien. Merci beaucoup. Il dit, Ouais, un autre Julien. moment qui m'a touché dans DBZ, c'est l'arrivée de Videl dans la série. Elle est si jolie, mon petit cœur a été touché profondément. Pas touche. Par contre, Julien. Ça, c'était pas dans le chat, dans le super chat, c'est moi qui l'ai rajouté. Julien et T'imagines, il toi, signe comme partagez ça. ce point commun, Ouais. vous kiffez Videl tous les deux. Voilà, donc, Alors, je peux dire que Julien, c'est un homme de goût. c'est un homme de goût, effectivement. Excuse-moi, excuse-moi. C'est un homme de goût. Bon alors, les screenshots là, ça charge plus vite que ça ou... Là, je suis sur l'épisode 64 de GT. Goku, il serre la main à Piccolo. Allez. Piccolo! Et hop, on a Goku sur Shenlong. Magnifique passage qui en a fait pleurer plus d'un, j'imagine. Parce que quelque Ouais. part, c'était la fin. À cette époque-là, où il n'y avait pas de DB Super, pas de DB Kai, pas de tout ça, c'était la suite directe de DBZ. Et voilà, finalement, toute l'aventure qu'on a vécue des années a se terminé comme ça, quoi. Tu vois? Ouais, puis c'est une fin plutôt ouverte en plus, hein. Bah Chacun y non, voit c'est une plutôt fermé, interprétation. là. Non, mais chacun y voit une interprétation de ce Goku Shenlong de GT, je te parle. Pour Oui. cette scène. Ah oui. Ah bah, c'est une fin qui n'est pas explicitée, en fait. Ouais, c'est ça. On te dit Donc, pas, il est il y a des mort. personnes qui. Ouais, c'est On ça. sait Il y en a pas. qui disent, oh, il est mort, il y en a qui disent, non, il n'est pas mort, il est de machin. Ouais, mais non, mais moi. Voilà, c'est une. Fais-toi ta propre Fais ta interprétation de la popote. fin. Et en ce sens, je trouvais ça beau parce que ça ne tue pas le héros, mais ça lui donne un rang spécial. Et c'est une fin un peu ouverte, comme on a pu l'avoir avec la fin de Dragon Ball initialement, tu vois. Ou vas-y, fais-toi ta propre interprétation de ce qui va se passer avec Ub maintenant que Goku a pris un élève. C'est ouvert, ton esprit il peut vagabonder à plein de choses. J'aime bien ces fins-là en fait où on t'impose pas pour une œuvre aussi marquante un point de vue genre en mode bah voilà, il est mort, hein, voilà, il est vivant, hein, mais par contre il fait que ça. Hein. J'aime bien, je préfère que ça puisse contenter le plus de monde possible en fait dans sa vision des choses. Donc là, je pense que c'est ce qui a été fait. Donc sur ça, On est d'accord. c'était une réussite. L'on dit Samaël qui dit je vais pleurer avec la musique. Ah, écoute. Ah ouais, mais on vous a dit live nostalgie. On vous plonge dedans, nous. Est-ce qu'on fait les choses à moitié sur cette chaîne, frère? Est-ce que tu as remarqué aussi, et est-ce que vous avez remarqué, je m'adresse également à tout le monde, il y a pas mal de temps, les gens râlaient contre les musiques de DBGT. Alors moi je me souviens d'une époque où on était sur les forums, au début des années 2010. Et où les gens disaient, ouais, DBGT, bon, ok, il y a des choses bien, mais les musiques, elles puent la merde, parce que c'est pas les mêmes que DBZ, etc. Et j'ai l'impression qu'on est dans une époque actuellement où beaucoup de monde dit, j'adore les musiques de DBGT. Ouais, Je vois bah, il y beaucoup a eu ce genre de un. message. Bah, pas un retournement de veste, mais une prise de conscience, je pense, de la qualité de GT, en fait. De manière générale. Je dis pas en disant ça que tout est parfait dans des rencontres de GT, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que c'était une œuvre qui a été. Fortement décrié à tort, fut un temps, c'était ouais, GT, c'est de la merde. Et il n'y avait pas forcément d'argumentation en face. Là, bah C'était là, même ouais, parfois. l'argumentation c'était c'est pas Toriyama, mais c'est pas un argument. Ouais, bah voilà, donc pas d'argumentation, j'ai dit. Voilà, et du coup, c'était un peu saoulant en fait. Hein. Clairement, bon, c'était pas. Voilà. Oui, Là, bah cracher dessus pour ouais. cracher dessus, c'est pas. Ça ne développe pas le sujet. On peut ne pas aimer. Et voilà, il y en a qui aiment pas et ils regardent pas, tout simplement, il n'y a pas de souci. De Bien toute sûr, manière, bien tous les sûr. goûts sont dans la nature. Mais c'est vrai qu'il y avait une prédominance dans ces années-là, il y a 10-15 ans, à cracher un peu, voilà, pour utiliser un mot plus allégé que ce que j'allais utiliser, sur des BGT, parce que c'était des BGT et que c'était pas DB ou DBZ. C'est ça. Il y a évidemment des trucs à reprocher dans des BGT carrément. Ah Il y a des grosses oui! erreurs, il y a des trucs, il y a des incohérences également. Mais c'est vrai que les bons côtés, on les sortait moins.
Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je soulignais ça par rapport aux musiques, bah j'ai l'impression de voir beaucoup de commentaires positifs par rapport aux musiques, alors que ça me surprend, tu vois, parce que je me souviens qu'il fut un temps, c'était pas du tout le cas, quoi. Moi, je suis d'accord, mais quelque part tant mieux parce que c'est pas, c'est un changement pour du bon pour le coup. On n'est Ouais, pas en ouais, mode ouais, ouais. genre oh, il y a eu un changement, etc. Là, c'est vrai, je veux dire. Hein. Ce qui c'est, c'était des musiques cultes, mais que les gens refusaient d'écouter peut-être par manque d'objectivité ou que sais-je, je sais pas. Je suis pas là pour chercher à comprendre plus loin, mais là, c'est bien. Ça rend un peu à César ce qui appartient à César. Ça fait plaisir, c'est bonne idée, j'aime bien. Alors, je vais me faire un Bon, petit kiff en attendant le prochain moment qu'on va souligner, évidemment. D'ailleurs, j'étais à bien fonctionner dans les autres pays où c'était diffusé, nous dit Tinkoran. Ouais, et c'est même une institution, notamment en Italie et tout ça, hein. Dragon Ball GT. pour l'album Bolugiti. Donc, ouais, Dragon Ball GT, il y a pas mal de pays où ça a bien marché. Le roi Beowulf qui dit par rapport à ça, c'est parce que l'être humain ne retient que le négatif. C'est vrai que même moi, hein, moi le premier, hein, je l'avoue, dans une journée, si j'ai un truc positif et un truc négatif, je vais plutôt retenir qu'il y a eu la merde, quoi. Tu vois, je vais pas forcément ressortir le truc positif. Donc, Ouais, mais ça c'est humain, si c'est ça qui bah, c'est ce que est. dit Lord Beowulf, il a raison. Ah, c'est ça. La nature de l'homme, c'est surtout de se focus sur le négatif pour justement éviter que ça se reproduise. C'est La ça. difficulté, c'est de réussir à repositionner sa pensée sur justement le positif. Et Et oui. c'est tôt C'est la pour retenir les problématique. dangers, hein, vu que nous sommes des animaux, on est des mammifères, Tout à et fait. c'est pour retenir en fait là où il y a une couille pour qu'on l'évite, c'est sûr. En fait, c'est DB Super qui a valorisé DB GT, nous dit la légende. Eh ben écoute, la légende. Très bon nom d'ailleurs, hein, qui fait écho à l'émission qui est excellente. Hein, n'hésitez pas à aller voir l'émission sur Cric TV. Je suis pas loin de penser comme toi. Parce que comment expliquer véritablement ce revirement sur DBGT ces quelques années là, hein, depuis quoi? Depuis 4-5 ans, on observe un revirement sur DBGT, j'ai l'impression, dans le fandom. Si ce n'est avec justement bah, les fans qui était assez âgé pour avoir découvert DBGT à l'époque, qui se disent, ah finalement, tu Ouais. vois, en voyant DBS. Finalement, en fait, c'était bien quand même. Bah sans Et aller jusque-là, s'il y en a qui aimaient pas du tout, tu vois. Mais je suis quand même d'accord, hein, je suis pas loin de penser que. ouais. En tout cas, il y a un regain d'intérêt de manière générale pour GT, parce qu'avant, on ne nous en parlait pas autant, et ça s'est vu. Même dans les commentaires, même quand on parle dans les conventions, même voilà, dans plusieurs choses, c'est vrai que GT revient un petit peu plus dans les sujets qu'avant, c'était tout de suite plus GT égale critique. Souvent. Genre, eh, vous pensez quoi de GT? C'était pas top, hein? Combien de fois on nous a posé cette question-là Allez, tu t'en souviens, avant qu'il n'y ait pas Dragon Ball Super, c'était souvent GT. Mais Ouais, même encore moi. aujourd'hui, hein. Il y a Ouais, des il y gens en a encore, mais. qui viennent en nous disant, et pour DBS et pour DBGT, pour moi c'est le même combat. C'est très tranché. T'as des gens qui détestent et t'as des gens qui aiment bien, ou qui adorent. Et pour les deux, hein, pour DBS et pour DBGT. Après, tous les goûts sont dans la nature, hein, donc effectivement, c'est normal. Je vais lire GG les Olosk, hein, super merci chats. dit artiste. Alors, ils ont gagné l'osque a gagné, ça y est. Bah, il dit artiste que là il mène 3-0, donc ça fait plaisir. Ah, c'est bien, il était Alors vous temps, inquiétez ça pas c'est pour les chouette. super chats qui sont pas encore lus à voix haute, en tout cas. Ils sont listés, donc on va les lire. Ouais, allez, j'avance parce qu'il y en a eu pas mal. Vas-y. Donc, le clochard de Cray qui disait Ultimate Goran et Végéto donnant le son à bout, c'est ouf. Ouais, ça c'est des moments Allez, cultes, on effectivement. va te mettre ça, Sofiane. Parce que là, de toute façon, j'ai que des moments, tous les super chats, il n'y a que des moments à mettre. Donc, on Ah va vous oui. montrer une capture d'écran Ah oui. et puis j'enchaîne, bah ouais, parce que sinon, sinon les super chats vont faire un quart d'heure chacun et. Et chacun n'aura pas du coup lecture de son super chat. Mais alors Sofiane, alors je te laisse lire On un n'en autre met super qu'un. chat, comme ça Sofiane il va nous répondre. Ça nous laisse le temps de répondre. Sofiane, entre Ultimate Gohan qui arrive contre Majin Buu ou bien Végéto, c'est laquelle ta scène préférée des deux?
Comme ça, je la mettrai. Allez. Pendant ce temps-là, on a Steratmi qui nous fait un super chat du Québec, du coup. Merci Steratmi. Meilleur moment pour moi. Goku enfant. Enfin, King, Kid Goku versus King Piccolo. Ouais, l'arc Piccolo d'Aimé. Ah non. Steratmi, merci beaucoup pour ton super chat. Ça fait super plaisir. Ça, c'est normal. Lilian qui refait encore un super chat. Merci mon Lilian. Merci beaucoup. Ça sort pas craqué. Merci frérot. Ouais. Pour vous soutenir, pour soutenir Dragon Ball en France, contre la CGI pour la 2D, bref, je m'égare. Si je devais choisir une scène, ce serait l'adieu de Majin Vegeta. Est-ce qu'il fait à Goten et Trunks? Et ouais. Vegeta DPS, pourquoi? Ouais, bah écoutez, on va passer sur l'arc Piccolo Daimao et on reviendra sur ça dans quelques instants. Et effectivement, l'arc Piccolo Daimao, je vais pas m'étendre davantage puisque j'ai déjà pas mal parlé de l'arc tout à l'heure. Je crois que vous savez ce que j'en pense. Que tu détestes. On sait tous que tu détestes l'arc Piccolo Daimao. Bon, ouais. Ça c'est la musique de Yajirobe qui arrive pour sauver Goku, c'est pas ça que je voulais mettre, mais... C'est ça. Là, la musique que vous entendez, c'est ce passage. Ils viennent de nous sortir une figurine, d'ailleurs, je l'ai... Pas ? C'est toi qui l'as, celle-là ? Je sais plus, c'est moi qui ai ça ? Je sais pas, attends. Je cache l'arrivée de ma compagne. Ah, elle est là, elle est là. Je cherchais la figurine, je dis n'importe quoi. C'est ce passage magnifique, c'est JD World. Hein. C'est JD World qui est là dans le chat, normalement. Que vous devez, le juste prix, pas du tout. Il nous a fait JCVD. Que vous devez, cette magnifique figurine de Goku. Voilà, contre Piccolo Daimao. Elle vient de sortir, elle vient juste de sortir au Japon, celle-là. Donc c'est ce passage que Steratmi, du coup, a mentionné. Avec le fameux Ora no Subeteo. Et je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Savoir que... Ah. Dans le... Alors, je sais plus... Je crois que... Dans le manga, Goku dit... Ora no Subeteo kono ken ni kakeru. Ou l'animé plutôt, il dit cette phrase. Celle que je viens de prononcer, je vais pas vous... Parce que je vais la changer, vous allez voir. Là, les gens, ils comprennent rien, c'est normal. Je vous explique, parce que je remets ça en même temps. En fait, il dit, je vais tout miser sur ce point, Goku. Goku, il dit, je vais tout miser sur ce point. En français, bah, il n'y a pas 36 manières de dire, je vais tout miser sur ce point. En japonais, par contre, le kanji ken... est orthographié, donc t'as les furigana dans le manga, il me semble, qui indique que le kanji se lit kobushi. Donc kobushi, c'est le point, mais en fait, ce caractère, si vous préférez les kanji, le caractère japonais, d'origine chinoise, peut se lire également ken, donc ken ou kobushi. Et du coup, il y a une différence, parce que dans le manga, Goku, sur ce passage, il dit Ora no subete o kono kobushi ni kakeru, et dans l'anime, il dit kono ken ni kakeru. Ou inversement, je sais plus. Mais du coup, voilà, il y a une petite différence. Et si vous lisez le manga, bah du coup, vous n'avez pas exactement la même réplique que dans l'animé. Et c'est pas la seule fois où ça arrive. Voilà. J'aime. Voilà pour le petit détail technique. Merde ! Je casse tout. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, j'ai fait tomber des trucs. Ce bureau est encombré de toute manière. Ça n'est pas une surprise, j'ai envie de dire. Eh merde. Mais alors, ce passage de Ora no Subeteo kono ken ni kakeru, c'est l'un de mes préférés de l'énergie en fait que met Masako Nozawa et Goku dans ce point pour transpercer Piccolo Daimao. Moi, c'est Dieu. Il y a rien c'est au-dessus. Hein, bah, oui, mais... Ah, c'est des moments de ouf comme ça. On a tous nos moments. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, tu vois une énergie comme ça qui est juste. Qui me transcendra toujours, moi, c'est le Kaioken contre Vegeta, Arc Saiyan. Putain, cette scène où voilà, Goku doit se dépasser et se transcender pour essayer de terrasser ce prince-là qui est limite à ce moment-là de l'œuvre. Tu te dis, mais jamais de la vie, il va réussir à avoir son level. Oh là là, c'est des scènes cultes, ça. C'est Dragon Ball. J'aime bien ces petits lives. Donc c'est le Kaioken, toi. Le Kaioken, c'est ça. J'étais Kaioken. Allez, j'enchaîne. Super chat. On avait eu aussi. Donc Gordo, bon anniversaire papy, ça on l'avait lu. Julien qui remet un super chat. Un autre moment qui m'a touché dans DBZ, c'est l'arrivée de Videl. Alors attends, frère, je vais remettre les choses dans le contexte. On est d'accord qu'on parle bien de l'anime parce qu'un moment qui m'a touché, c'est l'arrivée de Videl. Il y en a un qui va pas être content.
L'arrivée de Videl dans la série, elle est si jolie, mon petit cœur a été touché Je profondément. l'ai lu tout à l'heure, ça. Ah bah donc, ok. Nicolas, Tu visiblement, dormais. nous sommes nombreux à kiffer Videl. Ouais. Dit Nicolas, ok, vous êtes Ah des ouais, kiffeurs de Videl. Nicolas, merci. David, Pourquoi je dis merci mon merci? Merci pour le super chat. David qui met super chat, merci mon David, encore une fois. Nostalgique de l'époque DBZ, GT et les films, mais je dois avouer, j'ai adoré la réécriture de Broly dans DBS et j'avais beaucoup de doutes à la base. C'est vrai qu'on pouvait se poser des questions là, pendant que je mets le passage que Max a souligné, évidemment le Kaioken. Stand by Kaioken, Kaioken multiplié par 3. Alors, j'ai une anecdote aussi sur ça. Une anecdote également liée au doublage avant qu'on enchaîne sur Broly de DBS. C'est qui a Allez. parlé du Broly de DBS? Ressouligne-moi. C'est David. Merci David. David, Copperfield. on va te réserver un petit encart dans quelques instants. Je reviens sur l'encart de Max avec ce passage du coup Stand by Kaioken. Savoir que Masako Nozawa, donc la CU de Goku en VO, pour le langage de Goku, comme c'est un paysan, les aïe, il les dit et. Donc c'est un et long. Hein. Et du coup, par exemple, Nagai, il va dire Nage. Sumanai, il va dire Sumane. Des trucs comme ça. Et pour le Sanbai Kaioken, il dit bien Sanbai. Et pourtant, dans DBGT, ça a été changé. Et c'est que dans DBGT que vous verrez ça normalement. Goku dit Sambe Kaioken. Yombe et Sambe, il dit. Tu vois, le multiplié par 3, multiplié par 4. Alors moi, très personnellement, je suis tellement habitué à DBZ que j'ai une large préférence pour le Sanbai. Voilà, j'ai du mal avec le Yombe et le Sanbe sorti de nulle part de Goku dans Ah ouais, DBGT. moi aussi je préfère pourtant, Yulusane et tout, ouais, on a l'habitude, hein, mais le Sanbai Kai, en fait, comment je peux te dire? J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il se transcende tellement qu'il s'applique. Je sais Ouais, pas comment te dire. peut-être. Hein. Genre, il respecte à ce moment-là, il fait pas le paysan, tu vois. Je suis pas là pour faire le paysan avec mon accent, ch'ti là. Je respecte le game, tu vois. Je sais pas, moi j'aime beaucoup, voilà, forcément. C'est moment culte, hein, tout ça. Moment culte. Moi je vais y aller, je vais aller me les refaire, hein, les copains. Je vous souhaite une bonne Ah, soirée. c'est ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, non, incroyable. Alors, il y a Londi Incroyable. Samel qui dit numéro 18 au-dessus de Videl. Non, mais ça va pas, Londi Samel. On va discuter là, toi et moi. Ça va pas du tout. Voilà, c'est ce genre de choses, faut pas sortir ça, sinon le débat, on peut changer le titre du live. Hein. Bon, après, numéro 18, c'est. On avait fait un sondage à l'époque. Les persos féminins, je sais plus quoi, machin truc. C'est un vieux DB Times, avant même que les DB Top n'existent. Et numéro 18 était arrivé première, hein, avec vos votes. Donc, numéro 18, normalement, techniquement, c'est le C'était pas Bulma? personnage. Non? Je sais Non, plus. c'est numéro J'ai 18. un doute. Numéro 18, c'est techniquement le personnage féminin préféré des fans de DB. Et Bulma est arrivé deuxième. Non, je pensais que c'était l'inverse dans mes souvenirs. C'est possible. On avait mis C'est même, je possible. crois, Bulma en miniature pour pas spoiler la première place. Ouais, c'est possible. Ouais. Et oui, c'est technique assez réfléchi. Hein. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ah, Sofiane, C'est il a vrai, c'est choisi vrai. Ultimate Gohan. Donc on va mettre ça. D'ailleurs, petite. Voilà, parce que je suis. On va dire je suis monsieur factuel. Voilà. Monsieur C'est-à-dire Factuel. je vais vous mettre des infos croustillantes et ou inutiles, comme ça d'ici et dans le live. Là, l'information plutôt inutile, mais quand même qui peut s'avérer utile. Surtout si vous nous parlez à nous et que vous voulez pas que Maxi s'énerve. C'est que Ultimate Gohan, du coup, c'est la dénomination officielle hein, pour cette forme de Gohan, vous savez. Le potentiel latent révélé par le vieux Kaioshin. Il n'y a pas de nom dans le manga, mais officiellement, véritablement, c'est Ultimate Gohan, depuis les jeux vidéo, en fait. C'est les jeux vidéo qui ont popularisé ça. Sinon, c'était Gohan potentiel latent relâché, ou Gohan, oui, Mystique avec Gohan. le... Non, pas Mystic Gohan, justement. Voilà, je voulais y venir dessus. Mystic Gohan dont tu parles, ça, c'est une invention des Américains, ça. Et on doit notamment ça à l'époque au DBZ Card Game qui existait, pas les Dragon Ball J'ai un Super Card surfoot. Game. T'as dit quoi qu'ils étaient sur foot? Les DBZ Card Game qu'on avait à l'époque, aujourd'hui on a les Dragon Ball Super Card Game. Je pense que vous Enfoiré. connaissez tout ça, arrête de traiter. Tout le monde connaît les DBS Card Game. Je dois en avoir là même, quelque Tu part. connais les... Moi, j'aime bien. J'aime bien les Card Game.
Bon, Ouais. NSM, c'est comme NSM, MSN, mais c'est NSM. pas un réseau, tu peux C'est t'appeler. voilà, C'est c'est un autre, autre réseau. c'est t'arrêtes de parler, tu fais rien. Eh bien là, je sens que c'est le moment précis où le live part en couille. Je le sens là, Ouais, je je sens sens aussi, il y a la fatigue qui arrive, et du le coup, il y a la turning Nawa qui point arrive. là. J'allais dire Turning. quoi? Je sais plus, Mystic Goran et des conneries, je sais Voilà, plus, Mystic même. Goran, ça n'existe pas cette merde. Là, c'est bon, Voilà. j'en ai marre maintenant. C'est C'est le le gars gars, devient fou, quoi. il fait arrête de t'emballer, attends, écoute, laisse-moi finir et tout. Et après, il fait vas-y, cette chiasse là, c'est bon. Il y a un moment donné, allez, Attends, allez. qu'est-ce que Ça tu veux pue que je la dise? merde. Qu'est-ce que tu veux que je... Non mais Mystic Gohan, Mystic DBZ, Goran, en quoi il est mystique? C'est ce que ça veut dire, mystique, frère? ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mystique, oui, voilà. Et alors, Mystique, c'est pas con comme terme. Non mais, à bien y réfléchir, Mystique, c'est quelque chose qui est lié finalement à quelque chose de divin. Et Gohan, il a son pouvoir finalement révélé par un Kaioshin. Donc je comprends pourquoi les Américains, ils ont mis Mystique. Ouais. Mais ça n'existe pas. Oh non. Ça n'existe pas, Mystic Gohan. Non, 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 non. Ça Non, n'existe. non. Je suis désolé. Est-ce que Toriyama il l'a appelé Mystique? Moi, je dirais non. Non. Et Parce que même sinon, il les a inventé officiels. un truc. Ça, c'est la musique que j'entends quand on parle de Mystic Gohan, ça. Par contre, si tu me parles d'Ultimate Gohan, tout de suite, j'ai d'autres musiques, tu vois. Ultimate. Ultimate. Goran. Allez, je continue les super chats, parce qu'il y en a encore pas mal. Vas-y. Awax, joyeux anniv à Max. Merci Awax. Je suis le sculpteur artisanal de figurines DB sur Insta et j'espère un jour représenter la France au BWFC. Oh. Sérieux? Oh putain. Ah, c'est toi Awax du coup. Ah ouais, ok. Bah écoute, frère, GG Awax. merci d'être là. Et on te souhaite tout le bonheur du monde de Mais pouvoir réussir à représenter la France au BWFC. carrément. Et D'autant si c'est le plus. cas, si c'est le cas, Awax. Contacte-nous, on ferait une interview de ton taf ou un truc comme quoi t'es représentant du Ah PWFC mais, 16 ou 17, je vais j'en sais même te rien. dire un truc. Carrément. Je vais te dire un truc, Awax. Si jamais tu représentes la France au BWFC, ce qui est déjà un honneur hein, d'être Voilà. au BWFC, donc Banpresto World Figure Colosseum, hein, pour ceux qui sont pas fans de figurines, il y en a très certainement. C'est tellement un honneur, faut qu'on fasse une vidéo. Si t'es pris, il y aura une vidéo, si c'est permis par Bandai, évidemment, c'est Bandai qui... Et ouais, carrément, faut qu'on fasse un truc de dingue, parce que c'est Ah, c'est tellement géant. génial, Et ouais. on vous mobilisera, hein, toute la Belle commune, aventure. pour voter pour Awax. Hein. Bon, bien Ah entendu, oui. frère, fais en sorte que. Fais-moi pas un Goku Super Saiyan qui louche, s'il te plaît. Mais si tu me fais un Alors, truc du ticket. Max, il y a un truc qui nous a été révélé justement par une autre personne. On ne dira pas son identité, mais elle se reconnaîtra si jamais elle regarde le live. Et il y a de fortes chances. Qui a justement eu la possibilité aussi de travailler avec Banpresto pour des Ouais, figurines. carrément. Pour le BWFC, a priori Awax, hein, arrête-moi si je me trompe, mais normalement c'est Bandai qui fournit les visuels. Hein. Les visuels d'ailleurs qui sont postés, hein, donc c'est pas une info qu'on n'a pas le droit de dire, c'est un truc ils le postent eux-mêmes sur leur site Banpresto World Figure Colosseum. Les dessins, ils font des dessins en fait. Des figurines qu'ils veulent et ils te le donnent à toi le sculpteur. Donc en fait, finalement, ça t'est imposé. Hein. Donc tu Après, à choisis toi pas. d'adapter au mieux, mais c'est un peu dommage ça. Je pensais vraiment qu'il y avait un peu plus de liberté de la part des. Après, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ou est-ce que quand tu commences à avoir une grosse notoriété, il y a un peu plus de liberté, genre les Nakazawa, est-ce qu'ils lui laissent pas parfois proposer un truc en mode ouais, vas-y, c'est bon, t'as qu'à faire ça, je sais pas. Je sais pas comment ça se J'ai pas passe. l'impression. Hein. Parce que Parce que bon, au bout d'un moment. Nakazawa, il est un peu enfermé sur Goku. Hein. Ouais, Il en a fait c'est. d'autres. Hein. Il a fait Bulma, il a fait Lunch. Mais Il a depuis fait quelques Bardock aussi. années, Bardock, c'est Goku avec une cicatrice, Ben frère, c'est aussi. ça, ben c'est pour ça que je te dis ça sous l'humour. Donc, tu vois, j'ai l'impression que S'il y a faire Goku, Nakazawa, ben, c'est mais ça. pourquoi il fait pas Goten? Ouais. Parce que je veux dire, c'est le même en petit. Bah ouais. Mais il nous nique, Là, il nous les ayants nique. droit. Là. Les endroits, Parce il nous que nique un complètement. Goten de fou par Nakazawa, oh aïe, aïe, il Ah, ferait mal j'avoue. le Goten. Ah, il fait très mal le J'avoue, Goten. j'avoue. Mais non, 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 bah non, on aura encore Goku Super Saiyan qui écarte les bras, qui se met du Mainen sous les bras, bref. On va tout avoir avec Toei Animation. Allez, j'enchaîne. Gordo qui remet un super chat. Merci mon Gordo. Merci Allez, pour Gordo. la passion, moi j'ai la nostalgie du Club Do avec un sourire. Eh Ah, le ben Club t'as Do. raison, Gordo, hein, pas Goldo.
Même si, en plus, c'est la grosse période de Goldorak. Ouais, le Club Dorothée, j'ai l'impression que. Peut-être qu'on en parle un peu moins en ce moment, puisqu'il y a beaucoup d'échos avec justement, je parlais de Goldorak, hein, c'est le hasard, mais beaucoup d'échos avec d'autres périodes en fait. En ce moment, bah, il y a la plus jeune génération qui a des échos par rapport au début de One Piece, parce qu'il va y avoir les 25 ans de One Piece l'année prochaine, donc il y a une nostalgie par rapport au début des années 2000. Et les quarantenaires et cinquantenaires, ils ont une grosse nostalgie sur les années fin 70, début 80 avec Goldorak et tout ça. Parce que c'était et parce que ça revient en fanfare, qu'il y a de l'actualité dessus. Nous, évidemment, on est toujours là. Dragon Ball, c'est toujours là, donc on est toujours là. Mais c'est vrai que le Club Dorothée, là, peut-être depuis 2 ans, on en entend moins parler, mais on sait que nous tous, enfin nous tous, pas nous tous, mais les plus âgés du chat, en tout cas, on grandit avec ça au Club Dorothée. Donc on doit effectivement la naissance de notre passion à ça. Ouais. Ouais, c'est un moment de notre vie, Club Dorothée. Hein. Putain, c'est Eh. incroyable. Alors, vu que c'est un live anniversaire et on peut raconter des anecdotes et tout par rapport au Club Dorothée, c'est même lié à Dragon Ball. Hein. Ah ouais, on J'avais peut, hein, pas le carrément. droit, dans mes premières années de vie, de regarder le Club Dorothée. Parce que mon père m'en empêchait, en fait. Donc, j'avais découvert des BZ à la télé. On était à l'Arc Saiyan, moi, quand j'ai découvert. Et je pouvais pas, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Je voyais ces persos ensanglantés là, combat contre Vegeta. Ça m'intéressait de ouf, je pouvais pas suivre. Et puis finalement, j'ai pu suivre ensuite quand mes parents se sont séparés, parce que c'était mon père qui m'empêchait de regarder. Et finalement, j'ai découvert en fait les épisodes de DBZ en retard par rapport à ce que j'aurais dû. J'avais vu que quelques bouts avant. Et ensuite, j'ai enchaîné la fin de l'arc Saiyan, arc Namek, première transformation Super Saiyan de Goku, etc. Ça, j'étais chez mon grand-père, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a plein de petits souvenirs comme ça, en fait. Et en fait, Dragon Ball, finalement, si on y réfléchit, là, il y a des BTM, vous êtes tous en train de commenter cette chaîne, etc. Ça nous fait grave plaisir et merci d'être là. Mais ça n'existerait pas, en fait, peut-être si mes parents s'étaient pas séparés. C'est ce que j'avais envie de dire, mais je me suis dit, je vais pas le dire parce que ça peut être Mal mal interprété. interprété, alors que le but, c'est pas du tout Ouais, non, mais de souligner le il fallait malheur que ce soit moi qui de le dise. qui, Mais voilà, ouais, il n'y a pas de souci. comme étant une bonne chose. Mais si on veut se focus sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, parce que forcément une séparation pour n'importe qui ne se fait pas avec gaieté de cœur, on va dire que le verre à moitié plein, c'est que ça t'a Bah, c'est que DB Times existe donné cette aujourd'hui. passion-là Voilà, aujourd'hui, c'est quoi. ça. Ouais, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que j'aurais pu passer à côté de Dragon Ball. C'est ça. T'imagines? Le choix de Mickey, tu vois. Tu reprends une boule de cristal, tu reviens en arrière, tu dis, vas-y, choisis ta vie, frère. Alors, choisis ma vie, j'aurais pu changer d'autres trucs, d'autres moments, à certains embranchements dans ma vie, mais dans mon enfance, vu que je n'en suis pas responsable, je changerai rien. J'y peux rien, toi, ça appartient Oh, tu à. peux rien du tout, bien entendu, t'as raison. T'as Je changerai raison. Mais rien. comme quoi, c'est l'effet papillon. Et Une chose puis, en entraîne une autre. tu sais, de toute manière, nous tous, hein, tous autant qu'on est, on est définis de toute manière par notre Nos enfance. choix et les choix des personnes qui Bah, ont une incidence d'abord sur par les toi. choix des autres, oui, on est défini par comment on est élevé, on est défini par l'environnement social, l'environnement socioculturel, du coup, et par comment tes parents ou pas tes parents, d'autres personnes t'élèvent. Donc, de toute manière, on est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'il y a notre passé. Donc ça, je ne peux pas le changer, et du coup, je ne le changerai pas. Et d'autant plus que bah, là, je suis très content d'être là avec vous, et je suis franchement. J'ai tellement une impossibilité vraiment physique et mentale ou psychologique à imaginer ce que je serais si je n'avais pas découvert Dragon Ball que je ne reviendrai jamais en arrière pour ne Pour pas rien le au monde. connaître. Ah ouais, non, je peux pas. Et t'imagines que peut-être que. Et puis c'est même pas t'imagines que, c'est que. Et sans Dragon Ball, on se connaîtrait pas. Ouais. Sans Dragon Parce Ball, on se connaîtrait pas, ouais. que Dragon Ball t'a fait très certainement mettre un pas dans le japonais, même si après il y a toute la culture qui entoure le Japon qui nous passionne tous les deux. Mais moi, en tout cas, très honnêtement, Dragon Ball m'a mis le pied à l'étrier pour la langue japonaise.
On s'est rencontrés en cours de japonais et ce qui a fait notre approche, c'était lié à Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball a défini beaucoup de choses dans notre vie. Hein. La chaîne, l'amitié, les projets, la langue, enfin bref, un nombre incalculable de choses qui seraient marrant à mettre sur papier, je crois, à un Mais moment donné. on serait d'autres personnes en fait, hein, sans Dragon Ouais, Ball. On serait totalement carrément. d'autres personnes, parce que nous, on se connaîtrait pas. Du coup, bah, on serait pas en train de faire une chaîne YouTube sur Dragon Ball. C'est notre métier, hein. Trois chaînes. Oui, mais la chaîne sur Dragon Ball, du coup. Mais c'est vrai, c'est notre métier maintenant. Ouais, Tu c'est vois? notre Et métier, il y ouais. a beaucoup de gens. On rencontre de plus en plus de. On est amené à rencontrer de plus en plus de monde, hein, du fait bah, du métier qu'on fait, qu'on a la chance de faire. On voit des professionnels de l'entertainment, des professionnels qui travaillent, que ce soit dans des conventions, dans des spectacles, dans des trucs, même parfois à la télévision et tout ça, qui sont là également aussi, qui en tout cas disent d'eux-mêmes, hein, qu'ils doivent une grosse partie de ça, de cette motivation, de cette envie d'arriver là et de faire des projets, à ou Dragon Ball, ou le Club Dorothée. Et ça, c'est Ouais, mais fou. je suis. Ça, c'est fou. C'est fou, mais on le partage tellement, parce que je veux dire, on vient de le dire, et vous l'avez bien compris, sans Dragon Ball, on serait pas là où on en est aujourd'hui. Et je ne serais pas cette personne-là non plus, parce que même au-delà des choix qui ont été faits, toutes les valeurs, tout ce que. L'éducation complémentaire, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a l'éducation de nos parents, hein, tu l'as dit tout à l'heure, très justement, comment on est élevé, etc. Mais Dragon Ball m'a apporté une éducation complémentaire. Ou au travers du héros que j'aimais et que j'adore encore aujourd'hui suivre, il y a toutes ces valeurs qui sont dépeintes et qui sont un apprentissage aussi pour un jeune. Et puis même en tant qu'adulte, on peut y trouver encore des valeurs. Se relever, ne pas abandonner, l'amitié, bref, des codes pour grandir. Qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc clairement, ouais, ni toi ni moi serons qui on est aujourd'hui sans Dragon Ball. Et je suis fier de le dire. C'est-à-dire, il y en a qui pourraient dire, hein, moi je suis fier de le dire que je suis comme je suis aujourd'hui grâce à cette œuvre qu'on partage ce soir. C'est une énorme fierté. C'est ouais, je porte ça comme l'auréole de Goku quand il est mort. Ah, c'est vrai. Mais je suis mais. Merci mon frère, je t'en envoie trois, moi, des cœurs à Alessio. Merci d'être passé pour l'anniversaire, je t'aime fort. Oh, putain. Sérieux, alors t'as 43 ans et tes parents aimaient Dragon Ball. Donc si on prend un âge moyen, on va dire, allez, on va vraiment, allez, on prend la majorité. Minimum, ils t'ont eu à 18 ans. Ça va pour dire te faire simple dans le calcul. Ça veut dire que ton. Ah ouais, putain, c'est ouf. Ça veut dire que c'est comme si que mon père, à l'époque, il squattait Dragon Ball et tout. Quand moi, je regardais au club d'eau. Ouais, c'est quasiment ça, même plus. Ah, c'est génial. C'est génial. Je trouve ça génial. Ah, c'est. Ah ouais. Ça, c'est un de mes. C'est un de mes rêves. Ah, désolé, j'avais coupé mon micro, excusez-moi, on m'entendait plus. Ouais, je disais, je trouvais ça fabuleux, ouais, désolé. Merci Blackstorm d'avoir Moi, je signalé. t'entendais, donc j'ai pas fait Ouais, attention, bah c'est etc. plus, Max, il m'entend sur le logiciel, c'est pour ça. Génial. Ouais, je disais, c'est fabuleux, et d'autant plus, du coup, je disais que tes parents regardent avec toi des BS en ce moment. Ça, Ouais, c'est génial. ça m'étonne. Et ça, c'est un de mes rêves, tu vois, frère. C'est de réussir à. Alors, je ne forcerai jamais mon enfant à aimer ce que j'aime ou quoi que ce soit. Tu vois, il fera ses propres choix, mais qu'est-ce que ce serait un kiff que mon enfant. Partage un peu cette passion ou que voilà elle aime ma fille découvrir avec moi ce que j'aime et puis bien aimer et puis voilà, partager ces moments-là c'est que ça doit être quelque chose ouais ça doit être quelque chose à je vous en parlerai si j'ai la chance en grandissant de vivre ces moments-là mais ouais c'est important tu vois. Dans le sens inverse c'est parent-enfant mais quand toi t'es enfant mais là cette fois-ci c'est t'as le rôle du parent tu dois avoir une autre perspective du partage qui doit être géniale aussi parce que là c'est l'héritage enfin c'est la transmission en fait un peu comme Goku à la fin de Dragon Ball quoi c'est-à-dire t'as l'apprentissage et puis après t'as la transmission donc
Ouais, je vous dirai. Je vous dirai, mais j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Bartek, il dit, il y a presque une minute de bougeage de lèvres dans le vide, désolé. Ouais, bah écoutez, c'est la vie. Hein. Moi, c'est ma mère à 4 ans qui m'a mis devant Dragon Ball, nous dit Studio. Ça, c'est incroyable. Et on l'a rencontré, sa maman, à Studio. Elle est vraiment incroyable. Et elle t'a mis devant Dragon Ball, ça, c'est ouf. C'est ouf. T'as des parents qui enlèvent leurs enfants de Dragon Ball, enfin qui voulaient les enlever. Toi, ta mère, elle t'a mis devant la télé. Elle lui a dit, hé, regarde. Regarde. Regarde, ça c'est bien pour ton éducation, fils. Tu regardes. Tu regardes. Tu regardes bien. Tu regardes bien. Ah, mais c'est. Ah, c'est génial. Enfin, moi, je... Il y a des parents qui font des bons choix quand même dans la vie. Ouais, bah carrément. Parce que bon, elle aurait pu te mettre devant les télétubbies. Pas sûr que tu sois là ce Bah, soir, c'était frère, pas tu la vois. même époque après, mais ouais, carrément, il devait y avoir des trucs un peu pourris aussi, j'imagine, à l'époque. C'est. Ouais, il devait avoir des trucs bien niqués, je pense. Ouais. Mais bon, j'étais trop focus à regarder ce qui était bien. Et toi aussi, je pense. Donc, mais il y a dû en avoir des trucs. Je vais actualiser les super chats parce que je pense qu'il doit y en Vas-y, avoir je vais lire d'autres. un message de Real Madrid qui dit un truc par rapport au Kintone. Je vais essayer de retrouver ton message. Alors, Alors, ouais, il y en a eu encore un autre de Lilian. la Putain, et question, du Lilian. coup, la question, Vas-y, la question. c'était une théorie en fait. C'est une théorie. Mais qui part dans les abysses, vu qu'il y a tellement de messages. Le Kintone de Goku a-t-il fusionné? J'imagine fusionné, mais vu qu'il y a deux i, j'ai quand même le doute. Avec l'ancien Kintone qui a été détruit par Tambourine, vu que tout le monde a ressuscité, ça expliquerait pourquoi le nuage semble plus gros. Et c'est du coup, oui, c'est une théorie de ta part, c'est ça? Bah, le théorie de. Le théorie, n'importe quoi. Le Kintone, il est mort, hein, il est mort de chez mort. Après, est-ce que véritablement les Ouais, êtres les qui les êtres objets, les voilà ouais. les objets Ils sont ramenés à la vie aussi et tout. je Après, c'est sais de la pas. théorie pure en mode tu t'interprètes. Il n'y a pas d'écrit Il n'y a pas de officiel réponse à qui ça. dit oui, en fait, comme machin, ceci, cela, le Kintone aussi, blablabla. Il n'y a pas de truc comme ça. Donc, c'est du. Si tu as envie de l'interpréter comme ça parce que ça te plaît, j'ai envie de dire. Ça ne fait de mal à personne et pourquoi pas avoir envie de se dire qu'il a ressuscité au passage. Il n'y a rien d'officiel. Donc fais-toi plaisir, frère. C'est de la nostalgie, fais-toi plaisir. Bah, c'est ou ça ou le Kintone a erré dans les abysses sans pouvoir trouver le repos. Donc on va choisir la poésie du coup. allez, attends, j'ai super chat. Il y en avait du coup. Lilian, qui encore une fois je disais a remis un Putain, super chat, il Lilian, dit mais Vegeta arrête-toi, Lilian. Merci beaucoup. Vegeta Boo et fin Dragon Ball, Vegeta DBS. Pourquoi? Voilà, c'est son super Alors chat. du coup j'écoutais pas parce que je regardais un message de Brench qui disait on n'entend plus Léo. Bah si on m'entend. Et heureusement, mais parce que deux fois où mon son serait coupé, je serais en PLS. Non vas-y. Tu disais Vegeta, Vegeta, Vegeta. Moi c'est ce que j'ai C'est retenu du ouais, jeu. Vegeta Boo et fin DB versus Vegeta DBS. Pourquoi? Je sais pas, Lignan. Ah Parce il veut opposer que. les deux? Ouais, il comprend pas pourquoi ce Ah changement. d'accord, ok. Ouais. Parce que j'ai pas les messages en Bah. plus. Fin de service, hein, frère. Hein, que veux-tu? Ouais, que veux-tu? Ouais. Reprise du personnage par une autre personne que Akira Toriyama, je ne sais combien d'années plus tard. Qu'est-ce que je lui dis? Voilà. Bah, je vois que tu as l'air inspiré, donc Bah non, je vais te laisser engueuler. mais c'est. On le constate, hein, des chapitres, on se dit, ah ouais, ben, il y a des chapitres, tu retrouves le Végéta arc Saiyan, arc Cell, tu te dis pourquoi? Et puis après, il revient, tu te dis, ah d'accord. Voilà, c'est un peu le traitement des persos, de toute façon, de Goku et Végéta Pour dans moi, Dragon c'est Ball pas Super, hein, ça fait ça. Hein. que le fan service, pour moi, c'est aussi une problématique, et je l'ai déjà exprimée dans les lives. Hein. Qui est que malheureusement
T'as le cul entre deux chaises quand t'es dans cette situation, la situation où tu dois scénariser Dragon Ball Super, puisque t'es obligé d'écrire de nouvelles intrigues avec des personnages qui sont aboutis qu'à la fin du manga, sauf que ton histoire se trouve avant la fin du manga. Tu vois quoi? Ouais, c'est du coup c'est biaisé. Bah ouais. C'est biaisé, mais tu peux quand même malgré tout respecter le caractère du personnage d'arriver au moment T de ton histoire. Tu sais que tu dois te placer entre donc le U et le Y, hein, parce que le Z est déjà écrit. Bah, t'es pas obligé de prendre le Vegeta période D, quoi. Reprends le Vegeta période T. On t'a pas demandé de faire des retours en arrière comme ça. Mais bon, de toute façon, on va pas refaire Dragon Ball Super. J'ai pas envie de parler des contraintes Dragon Ball Super. Ce soir, c'est nostalgie, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Donc, on prendra tout le temps de parler de ça dans les lives Oui, dédiés à Dragon Ball ça vous Super parce qu'il y a de inquiétez quoi pas. dire à chaque fois. Ça vous inquiétez pas. Mais pourquoi, on verra par la suite. Mais Julien, IBR09 qui met un super vas-y. chat sans message. Merci Bon, beaucoup, écoute. IBR, du coup. Au Merci plaisir. frérot. Merci, ça fait plaisir. Frérot, serait ou qui tu veux. Merci Ou beaucoup. qui tu es, bien entendu, ou même. Bref. Julien, qui nous refait un super chat, un perso qui m'a marqué, c'est Tapion, et son thème musical est juste incroyable. Merci, Loemax, votre live fait trop plaisir. Merci beaucoup Julien. Je peux pas passer sa Merci, un bon musique à Julien. Tapion, sinon on va être démonétisé. Sachez Ah, d'ailleurs celle-là, elle était bien. que la vidéo des musiques, on a sorti deux vidéos musiques, on a sorti notre classement des musiques qu'on préfère dans DBZ et votre classement où c'était finalement un sondage et vous aviez voté et du coup on a établi une vidéo. Et sachez que le thème de Tapion apparaît dans votre classement et c'est la vidéo qui est démonétisée. C'est la vidéo qui est le plus vue. Et c'est la vidéo qui est où on touche pas d'argent. Voilà, faut savoir. Parce que Toei Animation, il y a un problème de copyright avec la musique de Tapion. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous la mettre. C'est Sinon, la demi-heure. c'est la de mer. Mais je suis totalement d'accord. Les musiques du film 13 en général, et même de la plupart des films, sont magnifiques. Et on doit ça. Ah, Shunsuke Kikuchi, les musiques des films. C'est un fou, je suis Et de la Kikuchi quand série. même. Kamikaze-ako qui dit que lui, il ne lancera pas son caillou. On aura peut-être le temps de le trouver durant la fin du live, le caillou. Le Gordo qui dit caillou. nostalgie à l'école, des cartes qu'on devait lancer le plus près d'un mur pour remporter les cartes brillantes misées. Ah Ah, ça, on l'a fait, ouais. ça. Ça, on l'a Malheureusement, on fait, l'a ça. fait. Ça, on l'a fait, on était en stress quand tu balançais ta carte. Tu te dis, putain, faut que ça vaut, faut que Putain. ça vaut. Surtout quand tu avais un enjeu, tu avais une quantité de cartes de ouf. Et tu te disais, allez, 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 allez. Ah, j'en ai gagné des cartes comme ça, mais j'en ai perdu aussi. Mais j'étais pas. Comment dirais-je? J'étais pas. C'était pas mon truc préféré, en fait. Parce que je savais que c'était trop lié au hasard. Le vent, la force, l'inclinaison, l'épaisseur de ta carte. Une carte épaisse, t'avais plus de chance. Une carte plus légère, c'était plus compliqué. Je le faisais plus rarement parce que je me disais toujours, c'est un truc à se faire niquer, ça. Je préférais faire des vrais échanges, tu vois. De vrais échanges en mode, bah, je t'échange ça contre ça, voilà. Au moins, il y avait déjà un peu plus de concret. Là, c'est vrai que, bon, tu Moi, pouvais gagner, hein, j'ai mais. dû y jouer deux fois et puis après je faisais pas ça parce que effectivement c'était trop de risques, trop d'aléatoires en fait. Je préférais Ne plus avoir jamais une utiliser de carte carte. contre une carte. Tu vois, et Ouais, c'est puis ça. les cartes aussi, il faut savoir, ça coûte cher. Quand t'es petit, t'as pas d'argent, c'est tout le temps avec l'argent de poche que te donne. Bah moi, c'était ma mère du coup qui me donnait des trucs. Que je pouvais éventuellement m'acheter des cartes. Et comme déjà les cartes, ça coûtait cher, je vous ai expliqué dans une anecdote que vous allez voir à un moment donné sur la chaîne Léoémax, que j'achetais du coup plutôt des autocollants Panini ou des cartes françaises Panini. Déjà, des cartes, ça coûtait cher. Donc, le peu de cartes que tu avais, je préférais avoir une carte contre une carte. Plutôt que, voilà, tu la lances et puis tu risques de perdre tes cartes. Tu vois. Donc, Ouais, puis tu les abîmes en plus. en plus de Enfin, ça. elles s'arrachent au sol, etc. Machin. Et puis, voilà comment tes arraves quand ton pote ou la personne avec qui tu as joué ramasse toutes les cartes que tu as mis en jeu et tu le regardes. Genre, il est tout content. Ouais, c'est à moi. Et toi, tu fais, putain, en fait, j'ai tout perdu. Moi, non, non, tu la merde, ça. Ah, ce ressenti, il était chamé. C'est la Zarafatitude. C'est la Zarafatitude, ça. C'est ça. Clairement. Alors, Clairement. je vais vous mettre le passage préféré de Kamikaze-ako qui a voté pour ce passage magnifique et dantesque. Évidemment, un passage plein d'émotions. Où Goku se mange un caillou de la part de Kulilin. Épisode 169 de DBZ. Magnifique. Magnifique.
On sent que tu as choisi le passage avec l'émotion toute, la fierté en tout cas de Colin à tenir ce caillou entre ses mains. Certainement l'objet le plus blessant pour Goku à ce moment-là. Clairement. Ouais, je Voilà. comprends, Kamikezako. Je Je pense que comprends. Kamikezako t'a fait très très fort dans ce choix de scène. Ouais. Il y a un mec Mamim Avec qui a fait un Mamim. super chat. Merci mec Mamim. Mégaté nos donouilles et joyeux anniversaire Max. Merci mon frérot, je te remercie infiniment. On avait Denag aussi qui fait un super chat. Bon anniv Max, bientôt la quarantaine, point d'interrogation. Oui, il a le Non, temps, il a le temps, j'ai encore le calme-toi, temps, j'ai encore le calme-toi. temps, frère. Et Ne on n'est vieillis pas si pas. vieux que ça, craque-toi. On est J'ai loin. pas envie de mourir vite. Alors si tu peux éviter de me rajouter des années comme ça chaque anniversaire, pour que dans 5 ans je sois proche de la mort, ça m'arrangerait, mon frérot. Voilà. Mais non, 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 j'ai encore le temps. Je suis plus proche de la trentaine que de la quarantaine. Hein. Même si on commence à s'éloigner, mais bon, peu importe. Sinon, avez-vous vu le résumé foireux de Crazy Bomb World sur TBZ? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? Pas du tout. Crazy Bomb Donc bah du World. coup Alors je peux pas attends. commenter hein, mais Moi, j'ai vu un résumé foireux. Je ne sais pas si c'est de lui dont tu parles. Je vais te dire ça tout de suite. Parce que je ne sais pas s'il s'appelle Crazy Bomb World. Attends, bouge pas, je viens de voir la. Je suis dessus, j'ai on va pas cliqué. Non, je ne l'ai s'enrouler, pas vu. t'inquiète. Hein. Je ne l'ai pas Ah vu. merde. Je n'ai pas vu Crazy. Voilà. Mais pour votre information, on va sûrement s'amuser à faire quelques résumés foireux sur notre deuxième chaîne Léo et Max. On avait commencé un petit peu en off avec Léo, on s'est chopé des barres, on s'est dit bah, ça peut être marrant de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre deuxième chaîne Léo et Max si vous avez envie de rigoler. Parce qu'en ce moment, il y a de la rigolade avec le calendrier de l'Avent Bon, aussi. c'est sûr, si vous venez nous voir sur la deuxième chaîne, vous aurez très certainement l'occasion d'avoir des anecdotes tous les jours et des anecdotes, comment dire, à part quelques-unes, notamment une des dernières là, normalement on ne les a jamais racontées. Donc il y a des trucs, il y a des fous rires à choper. Et, voilà, on espère que vous apprécierez ce petit rendez-vous quotidien, du coup, puisque c'est le calendrier de l'Avent, c'est le concept. Chaque jour, une vidéo, comme chaque jour, vous avez votre calendrier de l'Avent. Le petit chocolat, bah là c'est pareil, voilà. C'est magnifique. C'est tous les jours à 8 h, sauf le week-end, un petit peu plus tard pour vous laisser faire dodo et vous laver tranquille avec le café. Voilà, le week-end, le dimanche. Quoi de plus, Greg qui fait un super chat. Merci mon Greg. Ma vie n'aurait pas été la même sans DB, c'est évident. Ça a influencé ma façon de penser et d'évoluer. Même mon métier qui n'a rien à voir en a été influencé. Comme quoi, encore une fois, hein, une preuve de la force de Dragon Ball qui va bien au-delà d'une simple passion et d'un simple manga. C'est là où c'est super fort. Gabriello de Souza qui nous refait un super chat. Merci mon Gabriel, qui était déjà un ange et puis là c'est un ange de plus Gabriello, plus quoi. faut pas. En plus, tu viens de te souscrire et tout. Merci beaucoup, mais Gabriello. Il se fait du souscrit pour nous du coup. Il se fait du Bon. souscrit, mais nous, on se fait du souci pour toi. Gabriello, garde un peu des sous. Gabriello, comment ça se passe les pâtes, Faut acheter des pâtes et la tout. Après, viande hein, et maintenant, tout? t'as tellement soutenu que. C'est vrai ça, on se pose la question. Et du coup, sauce tomate, pas de sauce du coup, Bah comment? ouais, j'espère que t'as encore au moins de la thune pour acheter de la sauce, frère. Parce que là. Parce qu'à un moment donné. Merci beaucoup, Non, blague à Gabriello, part, mais. merci. Merci mon Gabriel. Merci. On te C'est taquine, très bien. mais c'est une manière Très bien. Tu peux garder pour te faire pour plaisir. le reste. Voilà. Fais un avatar de frère au lieu d'une bougie. Fais un truc. Voilà. Au Portugal, il nous dit Dragon Ball, c'était limite une religion. Ça passait vers 16 h et au moment de la diffusion, il n'y avait plus un enfant dans la rue. Ouais, c'est. Je comprends. Je comprends. Dragon Ball, ça devrait toujours être comme ça, de toute façon. Même encore aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir d'enfants dans la rue au moment de Dragon Ball Super. J'avoue, mais après le souci c'est qu'il y a tellement de chaînes aujourd'hui que tu sais même pas quand ça passe Dragon Ball Super. C'est vrai. C'est ça le Et les souci. rediffs des BZ pareil. Ouais, dommage. Il n'y a plus autant de rendez-vous comme ça, comme à l'époque, je trouve, du club d'eau. Il y en a, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus. Je sais pas, un peu plus désuet qu'avant. Je sais pas. Je sais pas. On va savoir. Les YBR9, rendez-vous. tu l'as lu, hein, c'est celui Ouais. qui était
Les rendez-vous maintenant, c'est plus des émissions, tu vois, des programmes, des séries, des trucs en prime Ouais, time. J'ai c'est ça, l'impression que ouais. c'est pas. Et puis même, tu vois, les Netflix, tout ça, entre les Netflix, l'émancipation de YouTube, les plateformes de streaming et tout, la télé marche un petit peu moins qu'avant, pour rester positif pour la télé. Et du coup, ouais, c'est plus de la consommation différente. Voilà, je vais aller sur Netflix et comme je vais regarder mes trucs, mais toute ta série elle est là en fait, donc tu la regardes quand t'as envie de regarder, quand t'es dispo, quand t'es posé. Nous c'était pas ça, c'est la télé, ça diffusait le mercredi à 9h Dragon Ball. Si t'étais pas devant ta télé, tu loupais ta semaine. Donc nous c'était un rendez-vous impératif. Et quand c'était les grandes vacances et qu'on te dit juillet, tu vas avoir 2 épisodes par jour, voire parfois 3, et tous les jours parce que Club d'eau tous les jours, c'était la folie dans ta tête. J'étais en vacances, j'étais content pour le club Dorothée. Il y en a un qui est moins content, c'est Yo, qui a oublié son repas dans le four, hein, RIP, hein, du coup. Ah merde, t'es sérieux? Heureusement que t'as pas mis le feu, hein, du coup. Il dit mort de rire, je mets une quiche Lorraine à cuire et j'oublie dans mon four, cuisson 45 minutes au lieu de 15. Putain, et tu l'as senti que ça pue le cramer ou... Eh oui, t'es tellement absorbé. Bah désolé, Yo, putain. Allez, j'enchaîne. Il y avait Gordo. Gordo encore? Flash Gordo. Ouais, encore Gordo. Bah ouais, encore Gordo. Il nous fait nostalgie à l'école des cartes qu'on devait lancer le plus près pour emporter. Bah c'est bon, c'est celui que Ben, on t'avais l'a lu lu, on l'a pour les lu, cartes. Gordo. Ouais. Ah, parce que j'actualise le truc des super chats, mais ils se mettent pas forcément dans l'ordre Ils vont apparaître. d'apparition. Donc des fois, ça m'arrive de relire ce qu'on a déjà lu, mais c'est un Ah, il y a point Real grave. Madrid qui dit un truc qui me fait plaisir. Il dit j'ai connu aussi le rendez-vous des Tortues Ninja à la télé. C'était beau. Ah Ouais. 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 Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja. Ah, il y a David, putain, il dit un truc qui me touche de ouf. Il dit, en vrai, vos lives, d'une certaine manière, ça remplace un peu le Club Dorothée. Sauf que c'est 100% DBZ et ça me va. Car je regardais le Club Dorothée que pour DBZ. Putain, David, je sais pas quoi dire. Là, David, il me Il chamboule. troule. Il me chamboule. Il me chamboule, On n'est David. pas le club Dorothée, frère, mais ouais, ça fait plaisir, mon David. Ça touche beaucoup parce que on le dit et on l'a souvent dit. Nous, on est comme vous en fait. Hein, on est des grands passionnés et on a simplement aussi débuté des B-Times et ces projets-là par passion. Et donc, on ne se revendique pas à être quoi que ce soit en fait dans l'univers de Dragon Ball. Pour ça que ça nous touchera toujours autant quand vous venez nous voir, vous nous faites signer un manga, un bouquin, etc. On le fait avec énormément de plaisir et d'honneur. Mais il y a des fois, je me dis, je suis pas Akira Toriyama, tu vois, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, bah c'est oui, je comprends. Et recevoir ce genre d'hommage, aussi touchant soit-il, c'est waouh, tu sais pas quoi répondre parce que. Il est pris de court en Ouais. fait. Ouais, on est pris court. Merci, juste merci, frère. Juste merci, parce que c'est très très touchant. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment et merci à vous d'être là. Hein. Et il y a Yoni qui demande si j'ai retrouvé le poster Tortue Ninja vu que on en parlait il y a quelques instants. Non. Non, et pourtant il y a pas mal de personnes pas mal de personnes. C'est un regroupement de personnes où c'est plus. Pas mal de personnes qui s'est penché dessus, on va dire. Introuvable. Alors il y a des experts en plus hein, de Tortue Ninja et tout qui s'y sont intéressés. Mais c'est l'histoire du siècle, ce Ouais, poster. Il me c'est casse ouf. les couilles, ton poster. Et Je ouais. cherche partout, je voudrais que tu l'aies. Y a rien. Et pourtant, j'ai une photo du poster. Hein. Si vous tapez sur Google DB Times Poster Tortue Ninja. Tapez sur Google DB Times Poster Tortue Ninja, vous allez tomber sur mon tweet que j'ai fait il y a bah, au moment où j'ai retrouvé la photo. Donc il existe une photo factuellement de ce poster. De chez moi quand j'étais petit, mon premier appartement. Où j'ai découvert DBZ du coup avec l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure. Et malgré l'image, même si elle est de mauvaise qualité, bah personne n'arrive à le trouver. Et même moi, j'ai recherché mais de malade hein, partout, les sites d'enchères également, les sites de vente, les sites spécialistes de Tortue Ninja qui répertorient des catalogues des années fin 80, début 90 et tout ça. Des trucs obscurs, hein. Des shampoings, des posters qu'on avait en accompagnement de chewing-gum et des trucs comme ça. Introuvable. Introuvable ce poster.
Un jour, je crois, on va faire un live spécial Tortue Ninja sur Léo et Max à la recherche du poster. Ouais, il faudrait. Hein. Tout le monde va se mobiliser et je te jure, on va te le trouver ton alors, poster. Alors, l'histoire pour donné. Real Madrid qui n'est pas au courant, du coup, je l'explique parce qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent sur le live et qui ne sont pas au courant de ça. Parce que c'est vrai que ça date de pas mal de temps. Hein. J'avais parlé de ça il y a peut-être 2 ans ou peut-être même plus. En fait, dans ce premier appartement où j'habitais, mon père a été expulsé. Donc, si vous préférez, j'ai vécu les 6 premières années de ma vie là. Mais on a dû partir précipitamment. Et du coup, toutes les affaires sont restées là-bas. Et moi, j'avais un poster Tortue Ninja que vous voyez. Tapez sur Google DB Times poster Tortue Ninja. Lien Twitter, cliquez sur Twitter. C'est mon tweet. Vous avez ma porte, mon poster. En 1900, je sais pas quelle année c'est. Et il est resté sur cette putain de porte en fait, le poster. Donc c'est un poster que je n'ai jamais revu de ma vie. Faut juste espérer que ce soit pas un poster qui aujourd'hui vaut cher. T'imagines si c'était un poster limité et tout, sale. Non, je pense pas. On n'avait pas beaucoup de moyens quand j'étais petit et. À mon avis, les quelques trucs que j'ai pu avoir, Tortue Ninja, je me souviens d'un shampoing Leonardo. J'ai eu peut-être 3 figurines Turtle in Toons, mais elles coûtaient pas cher à l'époque, elles coûtaient comme les autres tortues. C'est tout ce que j'avais en Tortue Ninja et j'avais peut-être Oui, j'avais une trousse, la trousse que j'ai rachetée d'ailleurs récemment, hein, ça vaut genre 5 euros. C'est une trousse avec une règle et il y a un taille crayon dedans. À part ça, j'ai peut-être eu un magazine ou un coloriage de la part de ma mère, mais c'est tout. Hein. Donc, c'est pas un truc limité, ultra rare, je sais pas quoi. Pas possible. Ou en tout cas, à l'époque, ça ne l'était pas. Ouais, peut-être à l'époque, ça ne l'était pas. Ouais, c'est surtout ça. Bah, écoute. Wait and see. Wait and see, mais Yoni on essaiera qui dit, de sûrement dans un magazine, mais pour le retrouver, bonjour. Ouais, je suis à peu près persuadé. Je suis à peu près persuadé, Yoni, d'autant plus que je m'étais même penché sur l'éventualité que ça puisse venir du Panini, un autocollant Tortue Ninja, mais je ne l'ai jamais eu. Ou en tout cas, je ne me souviens pas l'avoir eu. Pour moi, mon premier Panini autocollant, c'était Dragon Ball Z. On en avait parlé avec Max il n'y a pas si longtemps, c'était celui où tu as Goku et Gohan sur la cover. Et Tortue Ninja, je ne pense pas l'avoir eu. Et j'ai regardé le poster, ça ne correspond pas. Donc c'est sûrement un obscur magazine... qu'on retrouvera jamais. Faut espérer qu'on le retrouve. Faut espérer qu'on le retrouve. Qu'il y ait quelqu'un qui, comme toi, l'a vu et a gardé trace. Ryan, il me rappelle un truc que j'avais totalement oublié. Les verres moutarde Tortue Ninja. J'en avais un, ouais. Oh ouais. J'en avais un. Ouais. J'étais totalement fan de ce verre moutarde. C'était vraiment mon verre préféré. Je buvais quasiment que dans ce verre, en fait. Déjà à l'époque, en étant petit, maintenant je le fais. C'est un truc que je fais encore. J'ai tout le temps mon verre. C'est-à-dire chez moi, j'ai plusieurs verres. Mais je bois pas dans tous les verres, en fait. Je bois que dans 2 verres spécifiques ou 3 verres spécifiques. Et apparemment, quand j'étais petit, je faisais déjà ça, quoi. J'avais mon verre. Tu vois, tu as les verres qui sont chez toi, qui servent voilà, à table et tout ça, que tu sers. Et tu as ton verre. Tu vois. J'ai toujours fait que ça. Que t'aimes pas trop prêter, ouais. Bah, c'est pas que j'aime... c'est pas que j'aime pas trop prêter, verre. Mais ouais, je suis un peu... Non, j'aime bien prêter. C'est ton verre. J'aime bien prêter. C'est pas... Non, mais c'est... pas ton verre. Mais pas mon verre, pas ma vaisselle. Je suis peut-être maniaque sur ça. Sur ça, je suis mon verre. Je sais que j'avais mon bol également. À une époque, j'avais mon bol. Quand j'étais adolescent, j'avais mon bol. Fallait pas boire dans mon bol. Hein. Je pétais un câble. Non. Ouais, j'ai toujours eu... C'est l'hygiène, en fait. Ouais, sûrement. Pour qu'il y ait d'autres personnes qui foutent leurs germes dans mes trucs, tu vois. Alors que tu le laves, tu vois, mais ouais, je suis... On a tous nos trucs. Hein. Même si je vois pas le rapport avec le poster Tortue Ninja, mais bon. Il n'y a aucun rapport. Écoute, allez, je vais enchaîner. Il y a des super chats qui sont postés que je vais lire du coup. David qui nous demande, merci mon David, qu'avez-vous pensé de Dragon Ball Kakume ? A pas lu Kakume pas pour encore, l'instant. Pas encore. On te donnera nos avis hein, quand ça sera lu du coup. Ouais. On prévoit de faire un truc sur le sujet, donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On en parlera, quand je sais pas, mais on en parlera. Mmh. Tingoran qui remet un super chat. Merci, mon Tingoran. Un moment que j'aime beaucoup, c'est Goten contre Trunks. C'est très amusant comme combat.
Ah, Goten contre Et mais Trunks. même en termes de chorégraphie dans l'anime, il est hyper stylé ce combat. Il est giga stylé. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. L'animation de Shimanuki sur ce combat. C'est Shimanouklet. C'est comme Hirakinuki qui est là ce soir, mais c'est pas ça. C'est Shimanouklet. C'est ça. Alors je vais vous mettre, pour faire plaisir à Tingoran du coup, ce combat. Avec d'ailleurs une des musiques qui est utilisée sur ce combat qui fait partie de vos musiques préférées de tout DBZ. Et si vous osez me dire comment tu le sais, faut être abonné à la chaîne. Tu saurais. Toujours pareil. Toujours pareil. C'est Tout comme est ça. lié à l'abonnement. Topo, tout. Alors il y a Dean Winchester qui dit pareil Léo, mais pour moi c'est des petits stickers de 2-3 cm de Dragon Ball Z. Avec aussi les illustrations de Yamamoto que j'achetais après l'école dans les années 90. Je les ai plus jamais revues. Alors, des stickers de 2-3 cm. T'es de quelle Quelle dans les année, années Odin? 90? Ouais, quelle année tu te rappelles? Quelle année précisément? Des petits stickers de 2-3 cm. Des 2-3 cm. C'est minuscule. C'est minuscule, 2-3 cm. Ouais, c'est peut-être des adaptations aussi, des illustrations, mais en mode passe, hein, parce que des petits stickers holographiques, etc., comme ça, j'en avais plein, mais c'était pas des trucs officiels. On avait pas mal de trucs falses, hein. Les POG qu'on Ah achetait ouais. quand on était petit et tout, ils brillaient, on était content, mais c'était souvent du fake, hein. Ben, c'est ça qui était génial quand t'es petit et la naïveté, mais bon, finalement, ça l'est pas, mais je regrette pas. C'est que plus ça brillait quand t'étais petit, plus pour toi c'était rare. Sauf que généralement, plus ça brillait, plus c'était faux. Bah ouais, c'est ça, plus ça brillait, plus c'était souvent du fake. À part les trucs que t'avais dans les trucs officiels, mais sinon, Et ça, en jusqu'à dehors de ça. longtemps, hein, j'y ai cru, hein, à croire que plus c'était brillant, plus c'était rare. Hein. Mais bon, ouais, écoute, ça fait le charme de son enfance, hein, comme ça. Alors, vu qu'on arrive, c'est vrai, en fin de soirée, il va y avoir on va encore parler un petit peu, hein, vous inquiétez pas, mais il y a quand même Bitsuda qui te relance et qui te demande du coup c'est quoi ton moment préféré? Oui, bah on arrive en fin de live tout doucement, donc je vais pouvoir en balancer. Bah, j'en ai déjà balancé un, hein, tout à l'heure avec le Goku Kaioken. Voilà, ça c'est un moment de ouf pour moi. Oh, j'en ai plein des moments cultes, hein. Il y en a tellement, Dragon Ball, c'est culte, donc forcément trouver nos moments préférés, mais moi, de manière générale, le combat Goku contre Ma Junior au 23e, voilà, si vous suivez, vous savez à quel point je kiffe le 23e Tenkaichi Budokai. Et pour moi, c'est très certainement mon arc préféré. Les moments du TV Special avec Bardock. Est-ce que je dois vraiment m'étendre sur le sujet? Bardock. Bah, reviens sur le Tenkaichi Budokai et explique pourquoi je pense que tu l'as jamais fait. Parce que Pourquoi? Parce tu t'en que. parles souvent, mais Parce qu'en fait, déjà, y a une énorme part de nostalgie de par le manga. Parce que moi, je n'ai pas connu le 23e Tenkaichi en premier avec l'anime, mais avec le manga. Puisque, comme toi, j'ai commencé, j'ai donné des périodes Saiyan plus ou moins, et puis ça a avancé, Frieza, Hume artificielle, Boo, jusqu'à la censure, donc j'avais pas forcément connaissance de DB, mais par contre, j'avais énormément de tomes, alors que ce soit les éditions presse, que ce soit les tomes Glénat, Pacel, etc., DB, et du coup, je prenais plaisir à redécouvrir l'avant. Saiyan, qui n'était pas le début en fait de Dragon Ball, on le sait, mais voilà, je me dis, ah ouais, putain, voilà, Goku il a grandi, blabla, etc. Je me rappelle Piccolo Daimao, j'adorais les moments où Goku il bouffait avec Yajirobe, etc. Bref, tous des moments cultes comme ça. Et après, le 21e, 22e Tenkaichi Budokai, qui sont certes bien fight, est arrivé le 23e. Et j'ai été marqué Au fer par. rouge. Au fer rouge, mais par. La puissance, la violence des combats et le danger beaucoup plus oppressant que je pouvais ressentir à la lecture. Parce que déjà, tu prends Tao Pai Pai qui affronte
T'as Oupa-Epa qui revient. Donc déjà, le gars, tu vois, t'es petit, tu te dis, putain, mais comment ça, s'il est pas mort, c'est un cyborg, tu vois, c'est un robot, tu vois, avec tes yeux d'enfant, etc., machin, qui affronte Tenshinhan. Et grosse balafre, etc., tu te dis, ah putain. En fait, tu mesures un certain danger, parce que tu te dis, ah ouais, putain, ils sont pas là, on n'est pas là pour rigoler. Et après, là, le combat Goku contre Ma Junior, tu viens de voir Piccolo Daimao, là tu vois Ma Junior, tu vois un Goku adulte, un Ma Junior qui est encore plus féroce et beaucoup plus dangereux que son père. Et encore une fois, le sort de la Terre est en jeu, parce que tu te dis, si Goku perd, bah voilà, Ma Junior il possède la planète, il n'y a personne pour rivaliser, tu vois. Et en même temps, il n'est pas tout à fait pareil que son père. Et en fait, il est incroyable ce combat. D'une violence inouïe, dans le sens où c'est presque même l'un des combats les plus violents de Dragon Ball. C'est Et le ça combat crée le plus violent de DB. une fracture de malade dans l'œuvre Dragon Ball. C'est-à-dire, à partir du moment où Goku il est adulte, 23e Tenkaichi Budokai, son premier combat, il est sanglant, les membres se font exploser de partout. Tu te dis, oh, mais il s'est passé quoi? Ben, tu vois ce que je veux dire? Tu passes d'un manga qui est, oui, c'est un shonen, mais un shonen un peu gentillé en comparaison du 23e. C'est ça ce que je veux dire. Parce qu'à la base, t'es pas habitué à autant de sang. Mais l'enjeu, c'était pas de la violence pour de la violence, en fait. C'était le Tenkaichi Budokai, c'était le dépassement, c'est ce en quoi on était habitué. Avec le 21e, le 22e, c'est un enjeu, c'est voilà, qui est le plus fort de la Terre, etc. Mais derrière l'excuse du Tenkaichi Budokai, il y a l'affrontement du bien et du mal. Et j'ai toujours kiffé, en fait. Tu dis, tu peux pas perdre ce combat, et donc tu dois jouer ton va-tout, tu dois tout donner. Et Goku donne tout. Mais Ma Junior en face, il donne tout aussi. Et c'était assez. Ça se rend des coups. Voilà, je t'en donne un, je t'en donne un, etc. Et pendant toute la durée du combat, jusqu'à la toute fin, tu sais pas qui va gagner, en fait. C'est un moment de tension qui ne s'abaisse jamais. Et c'est juste incroyable, en fait. Je trouve ce. Et il y a du respect même à la fin, en fait, malgré la perte de Ma Junior, il y a un respect entre Goku et Ma Junior pour les combattants qu'ils ont été. Et ouais, non, franchement, c'est hyper marquant pour moi. Et tu vois, c'est peut-être parce que c'est pas qu'un moment ponctuel qui dure voilà, une page ou qui dure 5 minutes dans l'épisode, etc. Là, c'est un combat entier qui pour moi est marquant. Du début à la fin, c'est waouh. Donc ouais, je pense que c'est pour toutes ces choses-là, pour la fracture que ça apporte à Dragon Ball, que je kiffe autant le 23e Tenkaichi Budokai. Et ce combat-là, c'est ouais, magnifique. Magnifique. Voilà, après, il y en a d'autres, hein, des moments cultes. Hein. Bardock, je vous l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, je pense que ça, par contre, je me suis déjà exprimé suffisamment sur ce que je repensais de Bardock, mais Sur Barduk. sur Berduc. Beaucoup de moments cultes aussi que j'isolerai dans les films parce qu'ils sont empreints beaucoup de nostalgie. Parce que tu vois, l'animé, bon, c'est 508 épisodes de A à Z avec GT inclus. Donc en fait, c'est un enchaînement. C'est-à-dire, t'es petit, tu regardes un épisode, t'en regardes deux, t'as Club d'eau, t'en regardes trois. Il y avait beaucoup, c'était une tension palpable, évolutive en fonction de ce qu'on ressent sur le moment, tu vois. Je me rappelle, moi, à l'époque où Frieza avait débarqué, on ne savait pas comment ça allait aboutir, et je me rappelle qu'avec mon pote d'enfance qui adorait Dragon Ball aussi, il était chez le voisin. On regardait Dragon Ball à 9h, 9h30, 10h, parce que quand ça durait, et une fois que c'était terminé, on se donnait rendez-vous dans le jardin, c'était notre rituel, on en parlait de l'épisode. C'était une sorte de review, mais c'était un débrief. Je dis, putain, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ça, machin, mais C'est ça. comment il va gagner, Goku, tu te rends compte? Donc en fait, c'était, voilà, ben on verra. Et puis l'épisode d'après, et puis là, on avance dans l'intrigue. Et en fait, c'était vraiment de la tension, avoir envie de savoir ce qui va se passer dans l'œuvre que t'adores. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vécu l'animé, vraiment l'animé animé. Hein, et avec des moments clés, forcément, où quand Goku s'est transformé en Super Saiyan, je me rappelle, j'étais en feu dans mon canap. J'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout. Tu vois Goku trans Super Saiyan, là, tu comprends pas ce qui t'arrive. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu en Super Saiyan, j'étais en feu.
Mais comme Goku, en fait. Je me suis dit, putain, il va le dégommer. Parce que je On me l'était rappelle que tous. j'ai détesté Freezer. On était en feu. Bah oui, toi aussi, j'imagine, bien entendu. Et donc, voilà, c'est une continuité d'animé. Parce que j'essaye de donner mes moments préférés, mais j'essaye de les mélanger aussi avec la nostalgie, hein, forcément, parce que des moments préférés, il y en a tellement. J'essaie d'être vraiment à fond dans la nostalgie. Les films, je les ai découverts avec les cassettes qu'on achetait à la presse, qui se vendaient par deux. Ces cassettes bleues, oranges, Ah vertes, bleues, machin. Et donc, en fait, je les ai poncés parce que je les possédais, et je les ai poncés parce que c'est des films de 40-45 minutes. Donc, tu pouvais te permettre. Allez, je regarde le 3. Allez, je regarde le 7. Bah, je vais refaire le 8. Et 2 jours après, allez, je me refais le 7. Allez, je me refais le 8. Allez, je me refais le 7. Je dis n'importe quoi, tu vois. Donc, tu les penses plusieurs fois d'affilée. Donc, en fait, j'ai beaucoup de scènes empreintes de nostalgie, de moments. Voilà, je me rappelle être chez ma mamie, de l'intensité que j'avais à vivre certaines scènes, les musiques. Bah, notamment, t'as mis numéro 13 qui chope Goku. Voilà, toutes ces scènes où où le super numéro 13 pète le dos des gars, le super Genkidama, le film 8, Yulusane, tu vois, toutes des scènes comme ça. Est-ce que c'est mes scènes préférées? Je sais pas. Mais c'est des scènes qui sont énormément empreintes de nostalgie par rapport à la façon dont je les ai consommées étant petit. Et de toutes les émotions, tous les lieux, les endroits où je les ai faits, en fait, il y a beaucoup de symbolique. C'est un peu comme, tu vois, quand on me demande mes objets préférés de ma collègue. Quand je te cite par exemple l'intégrale des Daisenshu, est-ce que c'est mes objets préférés en tant qu'objet, on va dire matériel, je sais pas, mais niveau émotion, c'est un des objets que je pourrais jamais me séparer par rapport à l'histoire qu'il y a derrière, mon papa, etc. Tu vois. Là, il y a un peu de ça aussi. Il y a des moments préférés parce que c'était niqué de ouf. Le Super Saiyan, c'est des moments cultes, le Super Saiyan 2, les trucs comme ça, c'est des moments faciles que tu peux isoler. Et il y a des moments qui sont remplis d'une histoire en fait, qui parlera à chacun en fonction de son vécu, en fonction de comment tu l'as vu, en fonction de quand tu l'as vu, en fonction d'avec qui tu l'as vu, et qui va faire en sorte que ce moment va te marquer particulièrement. Quand je vais te demander c'est quoi tes moments cultes de Dragon Ball, tu vas me dire bah moi ce moment-là il m'a marqué parce que ça, tu vois. Donc ouais, Il y a beaucoup de trucs hein, dans Dragon Ball. Et toi, allez, vas-y, donne-nous-en un ou deux, parce que moi, je Bah pourrais en attends, parler je vais pendant lire cette. quelques messages. On a le temps, on a le temps. En plus, c'est ton anniversaire, donc tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à lui souhaiter. Hein, voilà, c'est le moment de profiter, de fêter Ah, ça merci, Flo. ensemble. De fêter ça ensemble, de fêter. Ouais, on s'en fout des C'est le moment 23h46, je m'en bats les. de fêter ça. Ouais. Il y a notamment un témoignage d'Issam qui me paraît très intéressant, parce qu'Issam, en fait, il est né dans les années 2000. Donc il n'a pas eu la même expérience que nous avec le Club Dorothée, tu vois. Et il dit, j'ai vécu un peu pareil, mais avec des BS. J'étais passionné avant, mais c'était vraiment ce qui m'a donné un rythme, en fait, à mes semaines en fin de primaire et début collège. Donc DBS 2015, ça a débuté. Donc c'était il y a 7 ans. Donc Issam, t'es assez jeune du coup. Et je comprends et je suis content de savoir que DBS du coup a rythmé également la jeune génération, on peut dire, je pense. Ça fait Ouais, c'est cool. plaisir. Ça fait plaisir que Dragon Ball, tu vois, même 30 ans après sa création, soit encore pas 35 ans maintenant, soit encore en train de rythmer le quotidien de bah, des gens qui ont l'âme shonen, tu vois. Moi, ça me fait plaisir. Moi, je Ouais, trouve ça. ça fait plaisir. C'est beau. C'est très très beau. Knexi qui dit dans 14 minutes, c'est plus ton anniversaire. Frère, c'est plus mon anniversaire depuis 23h48 minutes, hein, très exactement. Puisque mon anniversaire, c'était le 7. Mais j'ai décidé, voilà, j'ai profité le 7. Hein, et puis du coup, je suis avec vous aujourd'hui Bah le normal. 8. Voilà. Donc, voilà. Mais le principal, c'est de le fêter ensemble après qu'il soit passé. C'est comme les dates de péremption, tu vois, à un moment donné. Entre minuit et minuit une, ça change pas la passion et ce qui nous vit. Tu crois? Voilà. Ben oui. La première fois que j'ai vu ça, j'avais environ 11 ans, j'étais presque choqué de voir Broly sauter sur Goku, et Goku qui hurlait de douleur, genre maintenant je regarde et je me marre, nous dit Knixi. Alors, c'est très marrant ce que tu dis, Knixi. Alors, non pas le fait que tu te marres maintenant, parce que moi, je me marre toujours pas, mais le fait que tu étais presque choqué de voir Broly sauter sur Goku et qui hurlait de douleur, c'est une des scènes si tu me demandais, au-delà de l'aspect mes moments préférés, mais une des scènes qui m'a marqué étant enfant,
Elle ferait partie de mon top 3, je pense. J'ai toujours été... Ouais, je sais pas si c'est choqué le mot, mais... Ah, j'étais pas bien, en fait. Quand je voyais Goku... En fait, j'ai tout qui résonne dans cette scène. Le Shenmue. Tu vois, ce Broly, là, cette masse qui défonce Goku dans le sol qui se fissure. Donc imagine la pression que Goku subit dans le bide à en cracher du sang. Ça m'a toujours fait frissonner en mode mais putain, mais il va le tuer en fait. Tu vois, en mode c'est ton héros. Tu te dis mais il va me le tuer, putain, mais arrête. C'est des scènes comme ça, t'aimes pas que. Ouais, que t'aimes pas, comme quand Goku se fait maltraiter par numéro 13 dans les couloirs de glace, là, comme ça. T'aimes pas ces moments-là, toi. T'as envie de dire, arrête! Vas-y, Goku, énerve-toi, vas-y! Donc, ouais, c'est des Ziggy, moments. cœur sur toi. Ziggy Ah, qui est là. mon Ziggy. Ziggy, illustrateur fabuleux, dessinateur fabuleux, mangaka. Jigito. Allez voir ce qu'il fait. Et cœur sur toi, Ziggy. C'est plaisir de te voir. Je suis né en 2001. J'ai connu DB grâce à NT1, Direct Star et la chaîne Manga, nous dit Crocodile. Avec une musique un peu triste, hein, vous en conviendrez, mais on était en train de parler d'un passage quand même où Goku il se fait torturer, donc on était un peu peiné. C'est la musique, hein, de circonstance, c'est sur ce passage que t'as Broly qui lui saute dessus. Ah, Power Okure. Nabil qui dit merci, c'est mon OST préféré, Power Okure. Ah putain, Power Okure. Merci Nabil pour ton super chat. Power Okure, donc donnez-moi votre pouvoir, c'est ce passage-là. Power Okure. Si t'as vu la VO, n'importe qui a vu la VO, là, il a les frissons sur ce passage-là. Et tu vois, moi j'ai pas la musique et c'est vraiment ce qui me manque dans ce live ce soir parce que là je viens juste, je me suis tué et j'ai mis le son du live pour écouter. Et j'entends la musique, mais franchement, votre live, il a rien à voir avec le mien, les gars. Parce que Bah, entendre la dis que je te fais musique. un live pourri aussi, toi. Non, 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 non. Ah ben non, mon live, il est magnifique, mais Bien c'est juste sûr. que avoir la musique en adéquation, Oui. et ça vous renforce encore plus comment dirais-je, le souvenir, parce que le souvenir, il est à la fois visuel, mais il est aussi olfactif, il est auditif. Donc forcément, ça multiplie les émotions. Donc, c'est pas tout le monde qui fait des lives comme ça avec de la zik, hein, les frères. Et bah oui, vous avez des frissons. Comment ne pas avoir des frissons sur Power Oculé? Ça, par Et contre, cette scène, elle est super forte. Cette elle, mais même scène-là. en VF, elle est forte parce que en VF, et alors bon, du coup, ça va être Donnez-moi préjudiciable. toutes vos forces! C'est pas pour donner-moi toutes vos forces, hein, qu'elle est géniale, Ah cette. non. C'est pour les voix japonaises qu'on entend dans la VF. Ouais, le Mais. fameux truc que j'ai toujours entendu. Oui, bah ça, on va en parler après si tu veux. Mais là, sur ce passage-là, tous les cris sont en VO. Hein. Tous les cris. Ils n'ont pas gardé les cris de Patrick Borg, ils ont mis tous les cris de Masako Nozawa, donc tous les cris de torture de Broly sur Goku sont en VO. Et pour l'anecdote, j'ai toujours préféré ces cris-là quand j'étais petit sans savoir faire le distinguo de pourquoi. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit qu'on est naïf. Parce que quand j'étais petit, je me posais pas la question de pourquoi Goku il parlait avec une voix comme ça et puis après il faisait. C'était logique, tu vois, c'est un cri, tu vois. Mais j'adorais ces cris-là. Les caméras, c'était ce que je préférais. Mais je ne savais pas pourquoi. Ça a toujours été, et c'est après qu'on a découvert avec la VO, et c'est pour ça qu'on a une appétence particulière aussi forcément avec la version originale, c'était nos passages préférés de DBZ. Tous les passages où Goku il se déchaîne, il fait et c'était les moments les plus intenses en fait. Quand tu regardes un animé de combat, et bah là je parle évidemment des scènes de fight, forcément c'est les moments les plus intenses qui te procurent le plus de frissons et qui sont le plus en adéquation avec la musique que tu vas le plus aimer. Et donc, il en sortait, et totalement inconsciemment en fait, hein, que les moments qu'on préférait dans la version française de Dragon Ball, c'était les moments en VO en fait. Ouais, et c'est pour ça aussi que tu vois, quand on pose la question mes moments préférés, il y a un vrai distinguo qui se fait en moi entre les moments que je préfère de manière générale et les moments préférés empreints d'une certaine nostalgie, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Il y a cet aspect où mon cerveau, aujourd'hui d'adulte, va essayer de se souvenir des scènes qu'il préférait étant jeune, et ça va forcément résonner avec des cris de Masako Nozawa entre deux paroles de Patrick Borg. Tu vois. C'est con, mais donc c'est un peu, mais c'est bien, ça fait Bah oui, c'est des bien, souvenirs c'est. différents. Mais C'est alors, génial. et quelque part, tu vois, on pourrait. J'ai déjà entendu des personnes critiquer cette version française
pas, enfin pas la version française de l'époque, c'est pas ça que je veux dire, mais elle a été critiquée, oui certes, mais c'était critiqué comment l'adaptation était faite en laissant l'écrit en VO. Mais en fait, je pense que il y a plein de passages qu'on n'aimerait pas ou qui seraient pas, qui nous auraient peut-être pas autant touchés si ils n'avaient pas laissé l'écrit en VO en fait. Hein. Parce que les comédiens français, tout bon qu'ils soient, hein, il n'y a pas de problème, ce sont pour la plupart de très très bons comédiens qui savent bien jouer, et c'est ce qu'on demande à un comédien, n'avaient pas à cette époque. Hein. Faut se remettre dans le contexte et toujours se remettre dans le contexte hein, quand on parle de trucs du passé. Cette appétence ou cette connaissance, ne serait-ce que des mangas, des animés, de comment faire, etc. Ils débarquaient, ils doublaient comme ils doublaient sur tous les autres produits. Parce qu'on appelait ça des produits, ça s'appelle encore des produits. Donc, les cris VFVO, mais c'est n'a rien à voir. Cris VF, j'ai pas en tête, il y en a très peu, il y en a un. Mais j'ai très peu de cris VF en tête qui ont un impact significatif qui te fait te dire, ah putain, la scène, ouais, wow, le cri, génial. Vraiment très très peu. Personnellement, hein, peut-être vous en avez. Alors que Ouais, tu me pareil. dis quelle scène tu penses, etc., avec tel combat, etc., j'ai la scène immédiatement, en VF pourtant, hein, où j'entends la voix du comédien en français, etc. Et juste après, allez, attends, Masako Nozawa, j'entends Goku en VO. Donc, ouais, non, là-dessus, la VO, elle te cartonne tout. C'est pas comparable, forcément, parce que à l'époque, on laissait l'écrit, je sais, d'ailleurs, il y a eu pas mal d'explications sur ça, mais souvent des rumeurs, on ne sait pas. Si véritablement il laissait les cris en VO pour pas que les comédiens s'égosillent ou pas, parce que des informations qu'on a eues, les comédiens ont doublé ces passages. Hein. Et normalement, les cris sont censés exister. C'est-à-dire que normalement, sur ces scènes où on entend ah, bah, il y a vraiment le comédien en français qui a dû crier, l'ingé son, je sais pas, s'est dit non, non, bah écoute, tant pis, je vais laisser en VO. C'est très bizarre, c'est très bizarre. J'aimerais bien avoir la version plutôt du. On a les versions des comédiens, j'aimerais beaucoup avoir le. Mais on les aura jamais. Les personnes qui étaient en plateau, ingé son et tout ça, qui décidaient à la Sophie lors des enregistrements sur ces passages-là. J'aimerais beaucoup, ça m'intéresse pour la culture. Clairement. Savoir un peu comment ils décidaient, pourquoi ils se sont dit, bah écoute, on s'en fout, la moitié de l'épisode, on la laisse en japonais lorsqu'ils parlent pas. Tu vois, moi, ça me. Ouais, ça serait bien de le savoir. Le comment du pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé le Ouais, je parle truc? d'écrit à l'époque, Atsuka, hein. Je parle pas des VF récentes où véritablement les comédiens sont beaucoup plus investis parce qu'ils savent forcément l'impact que ça a sur nous. Hein. Je parle vraiment de l'époque du Club Dorothée où très peu de cris tu égales en tout cas la VO. Hein. Sur DB et DBZ. Tiens, changement de sujet, mais Vas-y, super dis-moi. intéressant. Dean qui dit, les gars, si vous pouviez avoir trois vœux concernant Dragon Ball, lesquels ce serait? Par exemple, rencontrer Toriyama, Nozawa, etc. Ah, par rapport à des rencontres. Des vœux Ah concernant Dragon bah Ball. oui, bah c'est ça. Tu viens de les mentionner. Pour moi, mes vœux les plus chers en tant que fan de Dragon Ball, c'est de rencontrer Masako Nozawa, donc Goku, Normal. et Toriyama Sensei. Et Ouais, pourquoi c'est ça. je le dis dans cet ordre-là? Parce que Toriyama Sensei, j'adorerais le rencontrer, mais c'est presque du domaine de l'impossible. Parce que c'est quelqu'un qui ne se montre pas. Et même aux Japonais, même aux pontes, et même aux fous qui font le forcing et tout, hein, il ne se montre pas. Tu le rencontres pas, Toriyama Sensei. Et je pense que c'est dans cet ordre-là aussi, parce qu'il y a peut-être une certaine pudeur et un certain respect aussi. C'est-à-dire que même Aussi, si on ouais. adorait le rencontrer, j'aurais l'impression de le faire chier Ouais, si je lui imposais pareil. un vœu. C'est marrant parce que Masako Nozawa, elle est comédienne, donc elle est seiyuu, donc elle est un peu, c'est un peu un personnage public et tu sais que tu peux la Puis rencontrer. Elle est elle se accessible, elle est sympathique. montre. Elle va aux Mais. US. Enfin, elle allait aux US, maintenant elle bouge un peu moins. Mais... Et Toriyama Sensei, Il veut pas. t'aurais peur de le faire chier en fait. Ouais, c'est J'aurais ça. vraiment très peur de le faire chier. Il en a vu 150 000 des fans de Dragon Ball. Que ce Qu'est-ce soit que tu vas moi lui ou un dire? autre, hein, même si pour vous, vous regardez la chaîne. Pour quelques-uns d'entre vous, on est des gens cool et on mériterait peut-être, je sais pas, peut-être vous pensez ça. Mais tous les Mazazés, ils s'en battent les steaks de ça. Je suis un random pour lui, évidemment. Tu vas lui dire, ouais, j'adore votre travail, il va faire dans sa tête, c'est ouais, Mais évidemment, on comme est des tous millions de des personnes. randoms, tous autant qu'on est. Hein, Hein? tous les Mazazés, ils s'en battent les couilles. Enfin, ils s'en battent les couilles.
il va être touché peut-être si tu arrives à la limite lui parler sans trembler et chialer, Ouais, ça c'est autre chose. mais tu peux pas la rencontrer, Toriyama Sensei. Tu peux pas. Ah, c'est quelque. Sauf quand il sort les poubelles, nous dit Yoni, et il a raison. Parce que c'est là Ouais. le seul moment, malheureusement, où la presse a réussi à le choper. Où ils sont venus le faire chier en plus. Hein. C'était à ce moment-là, alors qu'il n'était pas apparu en public face. On ne peut pas dire face cam, mais visage dévoilé depuis 1996. Ah, Non, même c'est quoi? après. Même après, parce qu'il y a eu fin des années 90, début 2000, des événements, notamment un en Allemagne où il avait été. Où il était visage dévoilé et il était apparu dans une photo avec le staff de Chrono Trigger également. Et c'était encore à la période des années 90. J'ai découvert sur le tard la coopération Masako Nozawa et Brigitte Le Cordier qu'elle raconte sur sa chaîne sur l'épisode 1 de DBZ avant la sortie en France. On apprend tellement de choses, nous dit Issam. Ouais, forcément, hein, Issam, tu nous disais tout à l'heure un peu que tu étais né dans les années 2000, tout ça. Ça, c'est des trucs à l'époque, Issam, nous, qu'on avait découvert sur la chaîne Manga. Je ne sais pas si tu connais cette chaîne. Et ça avait été mentionné par Brigitte Le Cordier déjà. Quand elle était pas connue, Brigitte Le Cordier, à cette époque-là. Et elle en avait déjà parlé. Et moi, j'avais fait des recherches à l'époque où des balbutiements d'Internet et tout, on trouvait rien, en fait. On trouvait pas d'image de cette émission-là, etc. Et fort heureusement, il y a un généreux, comment dire ça, pas un donateur, mais quelqu'un qui a enregistré l'émission, ou qui avait en tout cas récupéré des bandes de l'émission japonaise, hein, qui date de 1989, hein. Donc Dragon Ball Z, ça s'est lancé en 89. Et qui, ouais, 89, parce que je réfléchissais, parce que dans l'interview, Brigitte Le Cordier parlait de 88, mais je pense que c'était confondant par rapport au truc, mais c'est 89 forcément, parce que DBZ n'a été créé qu'en 89 au Japon. Février, mars, début de DBZ. Du coup, personne n'avait de visuel de cette émission. Il n'y avait qu'une photo de Brigitte Le Cordier qu'elle a postée il y a plusieurs années déjà sur les réseaux sociaux, mais c'était une photo à elle. Il n'y avait pas de photo sinon, ni de vidéo. Donc, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a upé la vidéo sur Internet là il y a quelques années, parce que sinon, on n'aurait jamais pu assister à cet événement. Alors que ça reste des trucs qui sont super cool à C'est voir, parce que magique, c'est génial. c'est incroyable, mais c'est unique, hein, même, je dirais. Hein. Je pense pas que ça Ah. s'est refait, qui est interprète de la VO, donc Masako Nozawa, et une interprète ou un interprète, peu importe, de la VF qui viennent au Japon pour enregistrer un extrait, et en plus les deux en même temps, tu vois. Je pense pas qu'il l'ait fait beaucoup. Donc c'est un moment assez exceptionnel qu'on a récupéré là. C'est un sacré souvenir hein, pour les deux. Mmh. Enfin, surtout plus pour Brigitte, je pense. Bah ouais, t'imagines voyager au Japon et tout ça, et faire une expérience comme ça. Surtout qu'à l'époque, encore une fois, je parlais du contexte tout à l'heure, faut se remettre là-dedans. En France, les mangas, la vision de la presse et des bien-pensants, c'est ouais, les mangas c'est violent, etc. C'est Les japonais. mangas, c'est la Les bagarre. japonaiseries, les conneries comme ça, ouais, c'est que de la bagarre et tout ça. Et il n'y avait pas le retour de nous tous là. Ça n'existait pas DB Times, hein, ça n'existait pas les chaînes YouTube Dragon Ball, ça n'existait pas les conventions. Les comédiens, c'était des comédiens qui, à côté du métier de doublage, faisaient ou de la scène, ou du cinéma, ou parfois même ne travaillaient pas et du coup avaient la chance de travailler dans le doublage. Ils n'étaient pas connus, hein. Personne ne savait qui c'était. Donc, Brigitte Le Cordier qui débarque au Japon en 1989 et qui a cette expérience fabuleuse de passer à la télé et d'enregistrer ça. Et on lui dit, ouais, Dragon Ball, c'est extraordinaire. Vous êtes la voix de Goku. Bah, vous êtes exceptionnel parce que Goku, c'est une idole ici. Je veux dire, depuis 1986 où ça a débuté Dragon Ball, c'est un truc de ouf. Ça devait être fabuleux. Ça devait être fabuleux. Et c'était certainement son premier contact ou la première fois, peut-être. Faudrait lui demander. Où elle a dû réaliser que Dragon Ball, bah, c'était quelque chose, tu vois. C'était pas qu'un doublage comme ça parmi tant d'autres. Ouais, c'est des expériences que elle, en l'occurrence, donc c'est une expérience qu'elle a eu la chance de vivre. Je pense qu'on aurait tous aimé être à sa place pour rencontrer Masako Nozawa, l'apogée de Alors, son il y a talent. Terminator qui dit les comédiens français de doublage ne sont pas adulés comme ceux du Japon. C'est vrai et pas vrai.
C'est-à-dire que pendant... Je vais mettre une musique de fond, tiens, pour faire défiler tout ça. Il y a Julien Chonette qui demandait si tu pouvais lui mettre le thème de Freeze. J'ai vu tout à l'heure. Alors, d'abord, je mets ça. Bon, attends, je vais mettre direct ta musique, Julien, parce que sinon, il va y avoir d'autres sujets qui vont intervenir entre-temps, et puis, je sais très bien que je pourrais pas la mettre. Alors, les thèmes de Frieza. On va te mettre les thèmes de la planète Namek, c'est-à-dire les musiques du... Ah, je n'ai pas de... Je fais le live tout seul apparemment. Du deuxième film DBZ. Voilà, je me réponds tout seul du coup. Vu que... On n'est pas aidés. Nous ne sommes pas aidés. Oui, alors pour le Tu sujet des m'entends co... pas? Ah si, je t'entends, mais tu répondais pas. Ah bah ouais, bah si, bah et puis tout à l'heure je parle. Vous l'avez entendu? Moi, je l'ai pas entendu. Bah non, parce que j'ai à un moment donné, je te dis tu m'entends pas et j'entendais pas de retour. D'accord. Donc Alors, il y a des... les comédiens de doublage ne sont pas aussi célèbres en France qu'au Japon. Aujourd'hui, je pense que c'est faux. Aujourd'hui, les comédiens de doublage, pour certains même, sont plus connus que les comédiens de doublage japonais. La plupart, hein, dites-vous bien que la plupart, et je suis très sérieux et je pense que je connais mon sujet là-dessus, la plupart des comédiens de doublage de Dragon Ball au Japon, à part Masako Nozawa qui est très connu, Ryusei Nakao, la voix de Frieza, et puis qui d'autre, Mayumi Tanaka qui fait Kuririn parce qu'elle est connue pour Luffy Ouais, dans One Luffy, Piece, ouais. à part eux, et Toshio Furukawa dans une moindre mesure pour Piccolo Leo Horikawa, surtout sur Internet pour Vegeta, on les connaît pas. Le grand public japonais ne les connaît pas. Je connais, c'est Jacob. C'est Jaco de Dragon Ball, Dragon Ball Mega Saga. Ne les connaît pas. Donc en fait, nous en France, le grand public, il connaît quand même une bonne partie du maintenant, hein, la génération Bon, qui est après, dans la je vais me vie faire active, l'avocat du diable. connaît pas mal les... On les voit dans les articles de journaux. Hein. Je veux dire, tous les comédiens de la VF de Dragon Ball, tu les vois partout. Donc, Bon, après, je vais me faire l'avocat du pour moi, c'est kiff diable. kiff hein, aujourd'hui. Quand tu fais Qui a 32 dit? personnages, bon, c'est vite, vite résumé. Tu as 5 comédiens de doublage, ils ont fait tout Dragon Ball. Bon. Ouais, tu veux dire qu'ils étaient moins nombreux, donc c'est Ah plus ouais, au facile de Japon, tous ils les avoir sur sont un plateau des ou quoi, ouais. centaines, voire des milliers. Des fois, pour une phrase, c'est un autre seiyuu. Et là-bas, en France, si je te demande de me résumer, ça se compte sur deux mains. Donc, c'est aussi plus simple c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Mais j'ai aussi été étonné de voir que c'est pas que Dragon Ball. Je ne sais plus le nom de l'acteur de doublage, si tu l'as, tu me le diras, de Natsu. Il était là, la TGS, Oui, merde, bien je suis sûr. fou. Il y Il a avait une queue aujourd'hui de malade! les comédiens de doublage sont démocratisés, notamment grâce aux conventions, grâce à Internet en fait. Déjà à l'époque, nous on était sur les forums et tout ça. On était parmi les premiers à parler de doublage, etc. On parlait de la VO et de la VF. Et à parler des comédiens de doublage, à trouver leur nom et à justement transmettre les informations sur le doublage, comment c'était réalisé, etc. Il n'y a personne qui en parlait de ça à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde en parle. C'est dans des émissions de grande écoute à la télévision et tout. Donc, c'est assez extraordinaire ce qui se passe avec le doublage. Et il y a pas mal de. Il y a eu un boom, peut-être pas à la même échelle qu'au Japon, où il y a eu vraiment un boom des seiyuu au début des années 90, à la fin des années 80. Mais en France, tardivement, je dirais au milieu des années 2000, chez nous, peut-être dans les années. Après 2010 en tout cas. Il y a eu un boom des comédiens de doublage et maintenant on a la chance de les retrouver un peu partout dans les programmes télé, dans des événements, des conventions, les journaux, tout ça. Donc je pense que maintenant ils sont aussi populaires pour moi hein, que ne le sont les seiyuu les plus connus au Japon. Parce que faut pas croire, hein, je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, mais les seiyuu au Japon. À part quelques-uns très rares qui passent fréquemment à la télé, comme Koichi Yamadera, hein, le seiyuu de Beerus, hein, qui a eu des émissions télé, tout ça. Mais c'est pas des stars. Hein. Pas du tout. Hein. Et ils vivent plutôt modestement. Hein. Ils ont pas des cachets. Je pense que même certains de nos comédiens aujourd'hui qui sont les plus connus gagnent mieux. Je pense. Ouais, c'est très Donc, probable. seiyuu, c'est pas Alain Delon. Hein. Mais Seiyuu, il y a c'est eu comme les aussi comédiens qu'on a.
il y a eu une passion des voix un peu plus publiques. Peut-être qu'aussi le fait d'avoir Internet, de pouvoir partager plus de choses, d'avoir des... Comment je peux t'expliquer? Parce que justement, on disait, tu avais des comédiens de doublage, enfin des comédiens tout court, qui ont prêté leur voix à des grands acteurs aussi, tu vois. Et En voilà, France, et plein de ouais. personnes qui disent, ah, c'est la voix Mais de on a. genre Richard Darbois, Mais tu c'est dis, ah, c'est la ça, voix aussi de on est. machin. Et en Alors, fait, resituons, on est. Sans te couper, on est un des grands pays du doublage, il faut impérativement dire ça, pour justifier pourquoi nos comédiens de doublage sont aussi demandés et pourquoi ils sont aussi célèbres. Les mangas, c'est plutôt secondaire par rapport à ça. Tu mets le doigt sur Richard Darbois et d'autres, tu fais bien d'en parler, hein. C'est parce qu'on est un des grands pays. Fans de doublage, parce que nos programmes sont diffusés doublés. Là où, dans pas mal de pays, ils sont diffusés en VO sous-titré, tu vois. Nous, toute Et notre du vie, coup, on a du doublage. ça a participé déjà à comment dirais-je, ouais, à cet amour de la voix, de ce qu'on entendait. Je veux dire, on est tous, nous, en tout cas, moi, ma génération, peut-être moins les plus jeunes, mais les Schwarzy, les Stallone, les Bruce Willis ont des voix françaises très fortes. Même parfois, je l'assume, je préfère certaines voix d'acteurs françaises qu'originales, alors que j'adore la VO, hein. Et il y a des fois, je me dis, mais la VF, elle est tellement bien choisie. Tout ça, plus l'émancipation d'Internet, le fait qu'il y a eu des groupes, qu'il y a eu des pages, des trucs en mode, bah, tu sais qu'il a fait aussi tel rôle, tel machin, mais non, mais j'ai pas reconnu et tout. Ça, je pense aussi favoriser un peu la passion de qui a fait quoi, la curiosité. Et puis bah ça, plus ça, plus ça, plus ça, ouais, ça a créé une certaine émancipation. Et puis après le manga qui a demandé forcément beaucoup de doublage. Et ouais, je pense que c'est une boucle en fait. Les deux se sont. Je pense pas que la passion du doublage manga aurait été celle-là si en France, hein, et ce pic que tu as souligné tout à l'heure, s'il n'y avait pas une forte attente et un fort amour pour les voix des persos et des acteurs de films, je pense pas. Et Alors, pour inversement. moi, il y a deux raisons, hein. Il y a les voix des acteurs de films, comme tu le dis, les principales du cinéma, hein, des années notamment Ouais, les grandes 80-90 voix. surtout, et les voix des dessins animés de notre enfance, puisque à partir du moment où les gens ont eu 30 ans, 40 ans, et qui ont grandi avec les voix de ces comédiens-là, et ont commencé à pouvoir organiser leurs propres événements, à créer leurs propres projets et ne plus être soumis bah, à ceux de la génération d'avant qui se désintéressaient de ça. Forcément, maintenant, on voit les personnes qui ont travaillé sur les œuvres de notre enfance. Donc c'est pour ça qu'il y a ce regroupement et que maintenant, il y a un succès effectivement des voix de notre enfance, des voix qu'on a kiffées et du doublage de manière générale en France, je pense. Ouais, Il y a quelques années, c'était je pense. plutôt méconnu. Yopienso aussi. En tant que fan Je de doublage, je suis content, vais. moi. Ah oh, carrément. Je vais avancer. Il y a eu pas mal de super chats Vas-y. qu'on n'a pas pu lire, vu qu'on va bientôt raccrocher. Il y a déjà une belle heure. Alors attends, je reprends. Donc il y avait Lilian. On pourra pas passer tous les passages, hein, parce que j'en ai 10. Je pense sinon ça va être trop On long, peut tant que nous dire cherche les quelques mots sur épisodes. les passages, c'est pas un Mais problème. on dira quelques mots, effectivement. On a Lignan qui refait un super chat qui dit « Majin Merci, Lilian. Vegeta, c'est un dilemme moral entre le Vegeta du passé et sa fierté, et le Vegeta terrien dans Dragon Ball qui se bat pour la Terre et non contre Goku. Ouais, c'est comment dire ce passage de Vegeta, c'est certainement et d'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit pas revenu un peu plus tôt, hein, mais après, on a beaucoup de messages, hein, forcément, on voit pas » tous les messages. Mais c'est peut-être celui qui revient le plus facilement dans l'esprit d'un fan de Vegeta, ce qui est normal, parce que C'est marquant. c'est le moment où où tu crois qu'il a. Il est devenu. Il s'est accoutumé à la vie terrienne, il rebascule. Pour finalement te montrer qu'en fait c'est encore plus grand que ce que tu croyais. Tu vois? Ouais, carrément. C'est ouais, c'est
La magie, c'est la magie. Dragon Ball, Majin Vegeta, j'aime bien. Monsieur Seize, super chat, merci Monsieur Seize. Salut les gars, que dites-vous de ce What If? Et si Goran et Krillin n'étaient pas intervenus pour sauver Dende de Dodoria sur Namek? Dodoria, il aurait tué Dende, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se serait passé? Bah là, faudrait faire un What If. Là, tu nous demandes le scénario d'un What If, du coup. Donc il faudrait une vidéo entière, je pense. Pour développer ça, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Clairement, il y a moyen. Je pense que il y a beaucoup de. On va certainement développer un format What If, c'est possible. Beaucoup de choses qui peuvent être amusantes à s'imaginer si on avait changé un élément du scénar. Donc, ouais, il y a clairement des trucs à faire. Kilabi qui fait un super chat. Merci Kilabi. Merci Kilabi. Merci d'être là, les gars. Merci de faire perdurer et grandir notre passion qui date de l'époque du club d'eau et qui perdure grâce à vous avec un cœur et bon animax. Merci Kilabi. C'est un plaisir. Gordo qui remet encore une couche. Merci mon Gordo. Un dernier pour la route pour vous remercier pour tout le travail fourni. Ouais, il veut pas s'arrêter. Gordo, merci beaucoup. Je remercie moi aussi toutes ces personnes qui vous soutiennent. Y a-t-il moyen de vous soutenir sans se faire taxer? Oui, tu peux. Déjà, tu vas te calmer. Mais si vraiment tu le veux, tu peux faire directement un don sur Utip, par exemple. Ou voilà, le pourcentage est très très faible. De dons directs. Alors il est inférieur par rapport à YouTube, ouais, si tu veux faire un don, ouais. Genre... YouTube c'est 30 et YouTube c'est 1%. Voilà. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Voilà. Ouais. Voilà mon Gordo, donc tu peux passer par là si vraiment tu le souhaites, mais voilà, t'as déjà bien participé ce soir mon Gordo. Greg qui fait deux super chats à la suite. Oh, je vais lire les deux, merci. Ouais, je te jure. Il fait 2€, 5€, il s'amuse avec les chiffres, je sais pas ce qu'il fait. Merci mon Greg. Il nous dit meilleur moment, Goku redonne espoir à Krillin et lui transmet le Genki Dama sous une musique de l'arc Piccolo pendant que Gohan lutte contre Vegeta. Ouais. C'est magique, je suis d'accord avec toi. Passage où on se dit putain, on pensait qu'il allait en finir avec le Genki Dama contre Vegeta. Et finalement, en plus, on se dit Goku, HS Goku Caput. Personne qui pourra vaincre Vegeta, c'est certainement pas Krillin ou Gohan qui vont faire quelque chose, tu vois. Et en fait, Krillin, tu vois, il assure le truc, en fait. Goku, il peut confier quelque chose à ses amis et il va assurer le truc. Bon, il y a Jilobé, il foire un peu, mais il se rattrape après, donc. C'est des moments magiques, hein, tout ça. Ensuite, il nous dit quoi, Greg? Vous préférez le petit Goku ou le Goku adulte? Moi, je préfère Goku tout court, Greg. Réponse, c'est Goku. C'est Goku. Goku, c'est Goku. Ouais, je dirais que ça dépend du moment. Si t'es dans une vibe où tu veux regarder tel arc, t'as envie de tu le voir. Tu préféreras dans l'arc. Voilà, tel arc, et puis je pense que c'est comme ça. C'est ça, ouais, je pense que t'as raison. C'est en fonction de ce que tu veux voir. Nabil, merci mon Nabil. C'est Nabil. Il nous dit, Nabil, merci mon OST préféré. Bah, waouh, culé. Ouais, on l'a vu tout à l'heure quand on avait mis le passage. Merci mon Nabil. Micro Newton qui fait un super chat 10 balles. Oh, merci Micro, tu gères. Micro Newton, merci. Il nous met Chitori Janai Kimiga. Putain. Alors, et Micro Newton. Il était jusque là, je suis désolé. Et là, tu sais que t'es en train de chanter sur la musique du sacrifice de Vegeta. Et il nous dit merci pour vos t'as vidéos. T'as tous les fans gars, de Vegeta sur PLS. Bon, les fans de Grand ah, c'est... Merci mon micro, ça fait chaud au cœur, on t'aime très fort. Nabil qui remet un super chat encore. Putain, merci Nabil. Il dit, moi, une bibliothécaire m'avait humilié quand je prenais DBZ en disant devant toute la classe que les mangas, il n'y avait pas d'histoire, c'était que des onomatopées. Bah écoute, tu sais ce que tu peux lui faire à cette bibliothécaire aujourd'hui? Tu peux lui dire en face, et bah écoute, je te... à la... Voilà, c'est tu, ça. Tu peux faire ça avec un public en plus et qui te suivra. Tu lui fais des... Tout le monde grosse le pense. Te... Grosse te... Non, ça c'est moins gentil, non, ça. Non, on peut pas. Pas ah merde. Que je sais pas ah, si c'est ouais, moi, c'est ce qu'elle aurait mérité. Hein. Ou alors j'aurais balancé un Jules Verne dans la gueule, ça dépend. Après. Mais après, j'ai envie de dire, la condescendance des gens qui connaissent pas, c'est... Ah, c'est abusé. Hein. Ça, c'est abusé. Ouais. Revan, merci. Bref. Revan qui est entré dans la team. Devenu terrien, Revan. Merci pour le follow. Du coup, Revan qui a cliqué sur le bouton rejoindre. Qui maintenant va pouvoir participer dans le chat avec des icônes, des badges et tout ça. Et qui va pouvoir avoir une vidéo en avant-première avant tout le monde. Prochainement sur la chaîne. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse, Revan.
Ensuite, Kensen77 qui nous fait un super chat, qui nous dit Dragon Ball, c'est la vie, c'est tout pour moi avec du feu. Que veux-tu dire de plus que ça, Rien à dire. mon ami? Rien à dire. C'est un très bon résumé de ce qu'on a vécu ce soir. Hein. Dragon Ball, c'est la vie. Encore, voilà, anniversaire après anniversaire, jour après jour, on est passionné Dragon Ball. Voilà, c'est mon anniversaire et j'avais envie de partager ça avec, bah, forcément, mon comparse de tous les jours et avec vous. Parler Dragon Ball, nostalgie, c'est. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, un anniversaire, quelque part, on fête le fait de vieillir. Que bon, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Mais c'est surtout une excuse pour se réunir et échanger des souvenirs et avoir envie de se réunir l'année prochaine pour en partager d'autres. Et je pense que c'est une bonne excuse que de, voilà, de revivre les moments qui nous font vibrer comme ça. C'est une bonne excuse, en fait, je pense. Donc c'est Un cool. prétexte. Super. C'est un beau prétexte, enfoiré. Mais ouais, c'était super cool. C'était super cool. Je pense qu'on a lu tous les super chats, j'actualise, pour être sûr de n'oublier personne. Et auquel cas, si on en a oublié un à un moment donné, on est désolé. On essaye de prendre le temps de répondre à tout le monde, de lire tout le monde, de voilà, chacun son temps de réponse. C'est très important pour nous que ce soit pas un super chat. Voilà, vous avez fait un don, ça passe aux oubliettes, ça dure 1 minute. Nous, on n'est pas comme ça. On essaye vraiment de prendre le temps. Si on les voit pas, c'est Donc vraiment que. désolé. Alors si on les lit pas, ouais, plutôt c'est vraiment qu'on l'a pas vu et auquel cas vraiment on est désolé. Hein. On est Parce que désolé. YouTube, les super chats remontent. Je pense qu'il faut avoir déjà fait un live hein, pour voir comment ça fonctionne. Vous avez le chat qui défile et sur la rediffusion, vous pouvez remonter jusqu'en haut, je crois, encore même pas sûr. Mais nous, c'est limité. On peut pas remonter tout en haut jusqu'au tout début du live en fait. Et du coup, vos vieux messages ainsi que même les super chats, s'il y en a eu d'autres entre-temps, ils n'apparaissent plus tout en haut en fait et ils disparaissent de là où on les voit. Donc, si on a de la chance, ils apparaissent normalement dans le YouTube Studio, dans l'activité des spectateurs. Bah dites-vous, voilà, ça témoigne de comment c'est fait YouTube. J'en ai un. J'ai celui de Revan de tout à l'heure, qui n'est même pas un super chat, c'est Revan qui est devenu membre soutien. Donc, j'ai même pas les Moi là, super chats. je les ai tous sur l'activité des spectateurs, mais quand je me suis mis dans le studio, il m'a mis que le dernier. Il faut vraiment être dedans et le laisser tourner et après il se synchronise et il les met au fur et à mesure. Ouais, donc, Mais du en coup, il y a gros, il un faudra autre avoir cet onglet endroit. ouvert depuis le début et il se met Ouais, automatiquement. bah je l'ai fait tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il n'y en avait qu'un. Du coup, j'ai dit bon, ça marche pas. Et du coup, j'ai été dans un endroit super chat et j'actualise parce que ça se met dans un Mal historique. foutu, Et YouTube. c'est là où j'étais. Mais quand je reviens effectivement du coup sur l'activité des spectateurs dans le studio, là je vois que ça s'est synchronisé, j'ai bien les dernières dans le même ordre que de l'autre côté. Donc vous voyez des fois entre les deux, est-ce que ça s'est synchronisé, pas synchronisé? Là comme là je suis dans l'activité des spectateurs, je viens voir que One Punch Line, Simon, il vient de faire un super Ouais, truc de il la vient de bouffe. popper dans le chat également en même temps, ouais. Voilà, donc ça va, tu vois, ça se synchronise. Donc parfois excusez-nous si vraiment on est en retard sur un super chat, on l'a pas vu ou autre, c'est aussi pour ça qu'on a des modérateurs. Et par moment, Studio, Bouboune, Labo ou Chris, ils nous envoient Nous un message sur préviennent Messenger. pour Ils nous disent, vous avez dire oublié tel tel truc. message. OK. Et on rectifie de manière la plus naturelle Alors, possible. avant de lire Simon, je réponds à Ours Gris. Si, on l'a lu le super chat tout à l'heure qui demandait Goku petit ou Goku adulte. On a Ouais, dit, on bah a en lu. fait, ça Ouais. dépend On a du. répondu. Ça dépend. Simon qui dit, de l'amour, vive Dragon Ball, joyeux anniversaire Max, et merci à vous deux. Merci beaucoup, Simon, pour ton super chat. Ah, bah merci à toi Simon pour ce super chat, pour mon anniversaire. Et de l'amour, c'est vous qui nous donnez énormément d'amour. Je veux dire, là, on a passé 3 h 30 bientôt, à peu de choses près Sérieux? de live. Ouais, enfin, nous, on était connectés 10 minutes avant, on va dire, pour les préparatifs, Je donc les ai pas vus 3 h 20, passer. j'imagine. Je ne les ai pas vus passer. Moi non plus. 3 h 20 de live avec vous, c'était que du bonheur. Génial. J'ai envie vivement le prochain live avec vous, c'était juste génial. Je ne sais pas si vous nous avez dit tout à l'heure, ou alors j'ai pas souvenir, ou peut-être que toi tu as vu les réponses, de ce que vous pensez de ce type de live, parce que certes on fait tous Ouais, les mois le j'ai live vu les Ball réponses, Super. hein. Globalement, Alors. en majorité, bah, vos messages, trouvez ça original, cool, avec les images, revivre les moments, même passer des musiques et tout. Donc bah, ça fait plaisir, franchement, c'est un test comme ça. On a fait ça, Ouais. c'était une occasion spéciale, hein. C'est vraiment parce que c'est la nif de Max et on s'est dit,
On pourrait le passer ensemble, mais vu que on a des vidéos à faire, là tout de suite on peut pas sortir une vidéo ci, une vidéo là, etc. dans la semaine, donc on va plutôt faire un live et les vidéos qu'on est en train de vous préparer, vous allez les voir apparaître là, distillées dans la deuxième partie du mois de décembre et début janvier. Autant faire un live pour l'anniversaire de Max et quel n'est pas le meilleur prétexte que de justement pouvoir revivre des moments de nostalgie avec ce qui nous réunit, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et c'est vrai qu'on a oublié de souligner que Killer, le roi de la bière, s'est souscrit. Oh! Je l'ai vu, je vais le Oh! souligner, il est devenu Namek. Oh! Alors, frère, t'as choisi le pire rôle. C'est-à-dire, J'avoue, il tu boit de bois de l'eau. la binouze et tu prends le rôle du gars qui boit de l'eau. Il boit de l'eau, Killer. Vous savez, Killer, il est passé à l'eau maintenant. Merci, Killer, en tout cas, pour ton soutien. Tu donnes Donc, des forces. ouais, non, c'était génial. Vraiment, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir, d'avoir participé, d'avoir mis autant d'amour, de passion à parler de Dragon Ball pendant plus de 3 heures. On les a pas vus passer, rendez-vous compte. C'est un bon moment pour mon anniv. Merci, merci d'avoir été là. Merci pour vos soutiens, vos super chats. C'est la passion, c'est le feu, c'est les cœurs, c'est tout ce que vous voulez. Merci à toi, frère, aussi pour tout. Bah, c'est génial. Bon, je suis content. Principal, je vais aller Rien fait de dormir. Je vais pas particulier. dormir. Bah si, t'es là, t'as plus fait que particulier, je veux dire, je fête mon anniversaire, t'es là chaque année, donc, je veux dire, c'est Si génial. je suis pas là, il n'y a pas de live, Bah si, mais je serai tout seul, donc c'est un peu... frère. ça sera un peu plus compliqué, mais voilà, non, c'était cool. C'était cool, et bah écoutez, au moins on a eu vos retours, on va étudier un peu ce qu'on pourrait faire... Niveau live, en plus du live et du chapitre, parce que c'est des excuses pour se rencontrer, pour échanger avec vous. Ça fait plaisir, ça fait du bien aussi. Donc voilà, on va se quitter du On va coup se quitter sur sur ça. ces belles Merci paroles. Ouais. beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas si vous êtes sur la rediffusion ou si votre message n'a pas été lu, c'est possible. Il y avait beaucoup de messages, évidemment. On peut pas faire tout le monde. Vous avez vu qu'on s'attarde également sur les passages. On en parle et on met des images et tout. Vous cherchez les trucs et tout. N'hésitez pas à les mettre du coup dans les commentaires de la vidéo. Et puis ce sera peut-être l'occasion même d'en discuter dans les commentaires et ou peut-être d'en reparler à une occasion ultérieure en vidéo ou un truc comme Parfait. ça. C'est Merci à ça. tous d'avoir été là. Parfait. Bon anniversaire à On vous Max. embrasse. Matane. Merci Bon et on vous app, aime. bonne nuit. Et Merci à profitez. tous. Et bon Ciao, DB. ciao. Bon DB Et à bon tous. DB. Et DB, DB. cœur sur tous les fans de Dragon Ball de la planète. Et les Allez, Chrono je veux des Times, cœurs. ça revient à test. Ça revient. Ça revient, t'inquiète pas. Chrono Time, ça revient. Allez, on se barre, mais je veux des cœurs juste avant de partir Oh, inonder-moi il y a les. Yofrek qui met un super chat. My bad, à la toute fin. My bad, j'étais occupé, je regarderai la rediff, je follow avec ce compte que maintenant, mais je vous suivais avec un autre compte. Merci pour le TGS, merci à toi Yofrek. Ah, merci mon Yo, juste avant de partir. Merci mon Yo, t'aimes très très fort. Plein, je veux plein de cœurs avant de partir. Je veux partir avec des cœurs rouges, les frères, pour mon anniversaire, pour DB, pour la passion, pour la communauté de ouf que vous êtes. Bref, pour tout. Exposez-moi les cœurs et comme ça, on s'en va sur de l'amour. Allez, on y va. Bon, il y a Camille Kezako, il a mis un singe. C'est sur Abaka, frère, ça. C'est sur notre troisième chaîne. Ah d'ailleurs, il y a une vidéo qui vient de sortir, c'est l'occasion de faire de la pub. Ouais, Abaka, c'est notre vrai. troisième chaîne, je viens de sortir une vidéo là. On va vous montrer un peu nos travaux. Donc là, ça commence avec ma partie où je vous montre un peu le projet. Et vous verrez prochainement les travaux de la pièce Mais collection. Parce tu que je vais montres. quitter cet endroit là que vous voyez. Je déménage pas, hein, je reste chez moi. Mais plutôt que d'être dans une pièce toute pourrie comme ça là, je vais être dans ma pièce à moi. Mais ça sera pas pour tout de suite, on va voir ça ensemble sur Abaka. Le lien dans la description du coup. C'est ça. Il vaut mieux qu'on montre nos travaux que nos travers. Bon après les travers, je pense qu'ils sont suffisamment montrés sur les chaînes YouTube, hein, Ah merde. malheureusement. Ah ouais, merde. Ouais, Bon, bah écoutez, c'est du trop coup, pour ça. sur ces belles paroles. Encore une fois, merci à tous du soutien. Merci pour votre amour. Et on y va. Bonne soirée, bonne nuit. À très vite. Ciao les amis. Matane.